La vente va commencer d'ici quelques instants, vers 12h35. Voilà, 5 petites minutes de décalage. Donc, merci de prendre place. Ouais. Je vais juste. Je vais juste dire quelques mots pour Jean-Marie et après je vous laisse annoncer les. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons commencer d'ici une minute ou deux. Avant de commencer cette vacation, je voulais vous demander un petit moment de recueillement concernant la disparition de Jean-Marie Tissandier, notre commissaire priseur. Parti décédé en fin d'année dernière. Voilà, Jean-Marie a toujours été de très bons conseils depuis le début des ventes aux Arus. Donc merci d'avoir une pensée pour lui et pour sa famille. Merci beaucoup. Maître, je vous laisse annoncer les conditions de vente.
Bonjour à tous. Nous allons revenir aux conditions habituelles de la vente, que je vais vous rappeler sommairement. La vente se fait au comptant, enchère minima 3000 euros. Vous aurez à vous acquitter ensuite des enchères de frais de 7% pour toute adjudication inférieure à 15 000 euros et de 6% pour toute adjudication supérieure à 15 000 euros. Le taux de TVA applicable est de 20%. Certains des chevaux qui seront présentés aujourd'hui seront vendus sans TVA, soit partiellement, soit dans leur totalité. Et ces conditions seront rappelées au moment de la présentation de chaque lot individuellement. Avant de commencer, une dernière chose. Pour les doubles enchères ou pour les cas de folle enchère, le lot sera remis en vente dans la même vacation, soit au moment du passage, soit un peu plus tard. Et je crois que tout est dit, on va pouvoir commencer. Merci pour votre présence et bonne vente à vous. Merci. Allons-y. Allez, bonjour à tous. Le premier numéro se nomme Croque en bouche et présenté par le rat de Saint-Arnoux. C'est une fille de Kelef et Sassira. Notez que Sassira a donné également Mackenzo, qui depuis la sortie du catalogue s'est imposé dans le prix de Heurte sur l'hippodrome de Strasbourg et totalise aujourd'hui vente brise up 160 euros. Deux ans qui ont été présentés donc montés. Né le 17 qui ont été présentés montés hier après-midi sur cette même piste. Le premier lot de la vacation. Une vente où l'an dernier, on avait pu trouver un certain nombre de chevaux de bonne qualité, tels Golconda, Joey Français, Gritty, Véronési, qui vient de s'imposer d'ailleurs. La voici, la fille de Kelef. Et on attaque directement avec le numéro 1. Premier lot de la vacation, Mackenzo, Croque en bouche, frère par McPhee, gagnant de Kelef, la mère est brune comme son père. Gagnante de groupe. La mère par American Post, regretté American Post. Souche maternelle allemande de qualité. Et donc la mère est une sœur de This Time, gagnante du prix d'Arenberg, très précoce donc. 5000 euros le premier lot de la mère de This Time. 5000 euros, voulez-vous 5000, 5000, 5000, 5, 3 pour débuter les enchères à 3000 euros. 3 et la mère, elle a déjà donné. Mackenzo, la fille de Kelef, 4 ans. 3000 euros, 3000. Mettez de McPhee, s'il vous plaît. Vient de s'imposer à nouveau depuis l'apparition du catalogue. Allez, c'est parti. Croque en bouche, une femelle née le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, nous est proposée par le Hara de Saint-Arnoux. Zista à 3 000 euros seulement en chair pour débuter à 3 000. 3 000 à 3 000 euros. Que fait-on ? 3 000 euros, la fille de Kelef, bien présentée hier aux présentations Brise-up. 3 000, 3 000 euros, c'est sûr. 3 000 euros en chair minimum pour débuter. 3 à 3 000 euros, qui m'appelle ? 3 000, 3 000 euros, la fille de Kelef, la mère sœur du gagnant de groupe, à 3 000 euros, le 4 ans gagnant depuis l'apparition du catalogue, à 3 000, c'est lu. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 3 000 à 3 000 euros, pas de regret nulle part. Dernière fois, dernier appel à 3 000, c'est vu. À 3 000, vous la laissez partir. 3 000, pas de regret, à 3 000 euros. Retirez votre enchère. Pas d'enchère pour le numéro 1, donc on va passer au numéro 2. Là, les choses vont changer sans doute parce que c'est une fille de Siouni. Et oui, Siouni, le grand Siouni, l'étalon le plus cher de France, à 100 000 euros, la saillie cette année. Siouni et Sage Mélodie. Elle-même par le remarquable Sedgebourg. Superbe famille maternelle, celle de la souche Bader, la meilleure souche Bader. Hein. Marie Dequen, la troisième mère, Douche, Charmois, Anna Marie, Anna Americana. Et puis la famille aussi, c'est celle de Morandi, l'étalon Morandi. Donc magnifique souche maternelle. On voit ici s'illustrer hier. Elle a fait un très très bon canter, cette pouliche présentée par l'écurie de Philippe Prévost-Barat. Elle est née le 31 mars. Et la mère est Black Type. La mère est troisième du prix du bois. Vraiment un symbole de précocité puisque le prix du bois n'est autre que la première course de groupe dans le programme des deux ans français. 30, 20, 20 000 euros, voulez-vous. La fille de Siouni à 20 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 20 000. À 20 000 euros, 20, 20 000 euros, 20 000. Voulez-vous 20 000, 20 000 qui m'appelle. La fille de Siouni, mère placée de groupe à 20 000 euros. Excellent canter hier à 20 000. 20 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, 10 000, pas trop bas, s'il vous plaît, 10. Allez, 1 000 euros, 10 000. Allez, c'est parti, la première enchère, 10, 15 directement. 15 000 euros, à trois de nouveau l'enchère à 15 000. Mettez vos enchères, 15 000. Siouni, à 15 000. 20 000, 20 000, Julien. Voilà, on va sans doute faire un des meilleurs prix de la vente directement avec cette numéro 2. Que fait-on à 20 000 ? 20 000 qui m'appelle, qui prend le relais, 20 000, la fille de Siouni, à 20 000. Une vente brise-up, on a déjà vu des chevaux se vendre jusqu'à 100 000 euros. Hein. À 25 000 euros, 25 000 euros déjà pour la Siouni, née le 31 mars, je vous le rappelle, la mère Sage Mélodie par Sedgebourg, Black Tie, pas plusieurs reprises. Julien, chez vous,
à 30 000 euros. 30,000 euros, we are now à 30. Puis remarquable Poulinière, hein, mère de deux vainqueurs sur trois produits en âge de courir, dont celle-ci, parce qu'elle a deux ans, elle est en âge de courir. Donc pour l'instant, 100% de réussite pour Sage Mélodie en tant que Poulinière. 5 000, 35 000, à 35 000 euros, 35,000 euros on the right side, 35, à 35 000 euros qui couvre l'enchère de 35 000, 35 000 euros Geoffroy chez nous pour le moment à 35, 35 000 euros, 38, si vous voulez, 38 000, à gauche de nouveau l'enchère à 38 000 euros pour aller à 40, si vous voulez à 38 000 euros que fait-on, l'enchère est à gauche toujours à 38 000, Siluni est à long tête de liste. À 38 000 euros seulement, nous sommes enchérés par vous, Julien, à gauche, pas en face, c'est plus là. À 38 000 euros, que fait-on? On met 40. Qui prend l'enchère? Qui couvre l'enchère de 38 000 euros? L'enchère à gauche, toujours à 38. Contre vous, Geoffroy, pas d'erreur. À 38 000. À 38 000 euros, 40 000. Fresh bidder, 40 000. 40 000. À 40 000 euros par vous, Laurence, l'enchère. C'est nouvel enchérisseur à la terrasse du restaurant. Ici, plus là-bas. À 40 000 euros. Siyuni, mesdames, messieurs. 40 000 euros. Regardez la page, regardez le pédigré. 5, 2, 2, 42 000 euros, toujours à droite, en bas l'enchère. En bas à droite, pas ici, et plus là-haut. Laurent. 5, Monsieur Cheboub. 45 000, 45,000 euros. À 45 000 euros, l'enchère est toujours là-haut. Écurie de la Gousserie. À 45 000 euros. Très bon canter hier. Très belle page. Siyuni, mesdames, messieurs. À 45 000 euros, l'enchère est là-haut. Pas ici, plus là. À 45 000 pour aller à 47 000. Ouais, ça part fort. Hein. Ça part fort. Bon, c'est une fille de Siyuni, évidemment. C'est le mot magique, Siyuni. On aura tout à l'heure un produit de Le Havre aussi, très intéressant, qui va faire monter les enchères. Camelot et puis un bouton de Bassette aussi. Mais là, pour l'instant, on est à 50 000. À 50 000 euros, qui couvre l'enchère de 50 000 euros, la fille de Siyuni, à 50, c'est vu. Très belle page, je le répète. À 50 000 euros, Laurence, c'est votre enchère. Pas là-bas, pas à gauche. À 50 000 euros. Laurence, on peut être jugé. Votre enchère, pas d'erreur, à 50 000 euros. Pas l'enchère de la spotteuse Laurence. Est-ce que tout à l'heure, c'est elle qui était avec Monsieur Cheboub. Fini, Julien. Last time, last call. On est. 50 000, Laurence. Le numéro 3 est présenté de nouvelle fois par l'écurie Prévost Barat. C'est un poulain alzan dès le 24 avril par Anodin et Shima. Shima est la mère de Sakura Zenzen qui vient de remporter le prix des feuillantines. Marc-Antoine Bergracht. Exactement. Avec Kamel Cheboub et son entraîneur marseillais. Kamel Cheboub est marseillais, bien qu'il ait son haras d'élevage en Mayenne, la Gousserie. C'est Kamel Cheboub, donc Marc-Antoine Bergracht avec son entraîneur Frédéric Rossi, qui vient de se faire adjuger la Siyuni pour la somme de 50 000 euros. À Chantilly, une mère qui produit ici pour le fils de l'excellent Anodin, étalon tête de liste évidemment. Une des révélations. Maintenant le numéro 3, un fils de Anodin, présenté de même par l'écurie Prévost-Barat. Philippe Prévost-Barat, installé dans le Calvados. La mère est par Théophilo. La famille de Chantou, étalon remarquable en Irlande. Famille d'Ossocharp, la craque Ossocharp, hein, quatrième mère, qui a gagné le Saint-Léger, les Aux, les Guinées. Elle avait fait le très rare, très rare triple couronne des femelles en Angleterre. Cette Ossocharp en gagnant les 1000 Guinées, puis les Aux, et enfin. 12 maintenant. 12. Le Saint-Léger de Doncaster. Donc une fille d'Anodin, étalon du Rat du Quesnay, qui a réussi un remarquable début en tant qu'étalon avec sa première génération de 2 ans en 2018. À 25 000 euros, toujours à droite, l'enchère à 25 000, toujours par là, l'enchère à 25. 5 000, 35 000, toujours en bas à droite, à 30 000 maintenant, 40 000 à droite. À 40 000 euros qui couvre l'enchère de 40 000, Geoffroy chez vous l'enchère à 40. 40 à 40 000 euros qui prend le relais à 40 000. 40 000 le fils d'Anodin. 40,000 à 40 000 euros. Deux partants, deux gagnants pour la mère. Une vraie belle page. Du black type à chaque génération. À 40 000 euros nous sommes. Geoffroy, c'est vous? On est d'accord. 40 000. À 40 000 euros et pas là-haut. Rien à gauche pour le moment à 40 000. Que fait-on? 5 000. 45 000. 40 000. Alors c'est assez étonnant. Hein. Autant le lot numéro 1 n'avait attiré aucune enchère, autant le numéro 2, on a fait tomber le marteau à 50 000 euros. Et là, peut-être mieux encore, parce qu'on en est à 45 000 euros pour ce Anodin qui avait bien bossé hier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout même pendant cette vente individuellement tous les canters et les photos même des canters, les vidéos des canters et les photos donc qui sont à disposition sur votre catalogue. On met 50 Tant celui de Osarus que celui de Francière d'ailleurs. 50 45 000 euros. Alors 47 000 euros. Mon enchère à 47 000 euros qui prend le relais. Cette fois-ci, c'est contre vous, Geoffroy.
47 000 euros. 47 000. 47 000 euros, we are now. À 47 000 euros, chic poulain, bon poulain, fils d'Anodin. À 47 000 euros. On met 50 Geoffroy, si vous voulez. 47 000 euros. Geoffroy, c'est là-haut. Pas d'erreur, hein. Pas ici, pardon. 47 000. Pas de rien nulle part. Je vais faire un tour à gauche à 47 000 euros. 47 000 euros, we are now. À 47 000 euros. 50, si vous voulez, quelque part. Dernière fois, dernier appel. Le marteau se lève. On va l'adjuger. Pas de regret. C'est contre vous, messieurs, à droite. Hein. Pas d'erreur. À 47 000, merci de votre aide. Simone Brodzi, inonde la tête. Ici, pas là-bas, plus là. Dernière fois. Donc, last time. Il sera underbidder. Voilà, le fils d'Anodin. 47 000 euros. Monsieur Mikalides. Merci, monsieur. Le numéro 4 est présenté par Pascal Bayer, Youbaba Poulich. Monsieur Mikalides. 16 avril par Planteur et Schindiger. Notez que la. Comment ça va santé. Bon achat, monsieur Mikalides, fils. Alors, achat à 47 000 euros, pourquoi avoir acheté ce lot numéro 3 de Golcombe, notamment. Merci, merci. C'est un très beau poulain, c'est un vrai cheval de course. Je vois la sœur à l'entraînement par Planteur tous les matins. C'est un cheval que j'ai très bien apprécié. Il a fait un très bon Calvados. Super. Comment va ton bon cheval qui avait gagné le gros cheval important qui avait gagné à Vichy l'année dernière? Écoutez, il est au Qatar là. Malheureusement, ça s'est pas trop bien passé et on va arrêter sa carrière là. Rappelle-moi son nom, j'ai bien trop de mémoire. C'est Nour Alaoua. Bien sûr. Merci et bravo et bonne chance pour sa succession avec ce lot numéro 3. Merci. 3 000 euros l'enchère minimum de 3 000 euros. 3 000, allons-y. 3 000 euros l'enchère à 3 000, à 3 000. La fille. Alors maintenant, on va passer au numéro 4. Qui m'appelle. 3 000 euros, 3 000. Julien l'enchère chez vous à 3 000. 3 000, 4 000, 4 000. Bah tiens, on parlait de Planteur puisque. 4 000 euros l'enchère est à droite toujours à 4 000. 4 000 euros pour aller à 5 si vous voulez. 4, 4 000, 4. 4 000 euros l'enchère à. Elias Mikalides qui vient nous dire d'ailleurs qu'il avait la sœur du lot numéro 3 à l'entraînement. Sakura Zensen, fille de Planteur. 4. Qu'il aime beaucoup, donc il a acheté le frère. Et maintenant, voilà une fille de Planteur, Youbaba. 5 000. 5 000 euros. Par vous, Julien, de nouveau l'enchère. À 5 000. 5 000 euros, 6. À droite. 6 000, Geoffroy, chez vous l'enchère. À 6 000 euros, que fait-on toujours à droite l'enchère à 6 000 vu. La fille de Planteur, la grand-mère gagnante du Calvados. À 6 000 euros seulement, nous sommes l'enchère toujours là. À 6 000. 6 000 euros, que fait-on? Pas de regret. Julien, contre vous. 6 000. Enchère à droite. À 6 000 euros, Geoffroy, 7 000. Donc la fille de Planteur. Planteur qui fait la monte désormais au haras du Grand Courgeon, que nous allons d'ailleurs visiter demain, faire un reportage sur le Grand Courgeon. Vous l'aurez dans quelques semaines. Vous et rien en face. À 7 000 euros, le marteau se lève. Je vais l'adjuger, la fille de Planteur. Dernier appel, pas de regret. Présenté par Pascal Beyer, petite fille de Chio Summit, qui a été très précoce. Elle avait gagné le prix du Calvados, groupe 3. Dernière fois, on adjuge. 7 000. Geoffroy. Vendu à 7 000 euros. Qui est présenté par l'écurie du Petit Angeois. Quel hasard. Alors, l'écurie du Petit Angeois, Benjamin Chauvet, la Mayennais d'origine, mais installée dans le sud-ouest. Est vendu sans TVA. Nous propose quel hasard. Un fils de Penny's Picnic. Alors, Penny's Picnic, dont on parle beaucoup, hein, qui a fait un gagné encore avant-hier. Notamment à Nantes. Tête de liste avec ses 2 ans. Et qui a fait un excellent automne. Un bon hiver. On le voit de façon très, très fréquente. Et donc, Penny's Picnic, le cheval qu'on voit travailler d'ailleurs à cet instant, qu'on revoit travailler, c'était hier après-midi. Sœur au global. La mère par Tertullian. Combien pour débuter les enchères pour ce bon poulain fils? Alors, une souche mixte, hein, parce qu'il y a eu des bons chevaux en obstacle aussi dans cette famille. Red Rocky qui a gagné le prix prédicateur à Auteuil. Le mal de Penny's Picnic. Qui a fait un canter assez sympa. 3 000 euros. La mère a gagné, Shine Line, Chantilly. À 3 000 euros, le poulain, bon poulain de Penny's Picnic ici à 3 000 euros, mettez vos enchères. 3 000 euros qui couvrent l'enchère de 3 000 euros seulement à droite. L'enchère qui prend le relais à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère est là toujours à 3. 3 000 euros. À 3 000 euros, 3 000. Que fait-on à 3? 3 000, Geoffroy, chez vous l'enchère. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 3 000. 3 000 euros, toujours en bas à droite. L'enchère à 3 000. Qui prend le relais? 3. Penny's Picnic, 3 000 euros. Vaut mieux que ça, ce poulain. À 3 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 3 000 euros, c'est chez vous, Geoffroy, pas d'erreur. À 3 000 pour le moment. 3. À 3 000 euros seulement, vous le laissez partir. Qui couvre l'enchère de 3 000? 3 000 euros. Il a fait beaucoup de gagnants l'an dernier, Penny's Picnic, je le répète. 3 000, enchères à droite. 4 000, Laetitia, 4 000. 5 000. Il était temps qu'il y ait des enchères parce que le poulain, il avait quand même pas mal bossé et c'est un joli modèle.
fils d'un étalon qui marche bien actuellement. Cher Geoffroy, chez vous toujours. On est la mère a gagné. Alors certes, elle n'a pas fait de gagnant avec ses quatre, enfin les trois premiers produits âgés de 3 ans et plus. Et Laetitia ? Mais je pense qu'à 5 000, le marteau va tomber. À 5 000 €, c'est toujours en bas à droite. Laetitia, je vous laisse faire, je n'ai pas vu en face. Rien là-bas. À 5 000 €, le marteau se lève. Dernier appel, fini. On la tue. 5 000 à droite. Les numéros 6 et 7 sont absents. 5 000 €. Donc on va passer à de la dentelle. Au numéro 8, car le 6 et le 7 sont absents. Le numéro 8 qu'on voit travailler actuellement, American Revolution. Ah, fils d'American Post. 50%. Et on salue d'ailleurs l'écurie de la dentelle. L'écurie de la dentelle, c'est Nicolas Martineau que vous avez pu découvrir il y a quelques jours sur France Cire. Dernière génération. Nicolas Martineau, c'est le fils d'Élise Drouet. Regardez-le, bien amené. Il a fait un excellent brise hier. Qui a créé le domaine de l'étang il y a quelques années dans la Sarthe. Et donc l'écurie de la dentelle a proposé deux chevaux très très bien présentés. On parlera du suivant tout à l'heure quand il va arriver sur le ring. Mais en tout cas, le premier, c'est American Revolution. Belle page ici, beaucoup de caractère gras. Un fils du très regretté American Post. Étalon très efficace qui nous représente ici sa dernière génération. Navan, évidemment, de It's Indy Post, vendu ici même hier à Ling, plus $1 million de gains de American Devil et de bien d'autres. Oui, bah, Emmanuel Viau est aussi très enthousiaste à l'idée d'American Post. Elle perdit Cindy Post, qui a plus $1 million de gains, qui a gagné 5 ou 6 courses de groupe de suite cet hiver. 5 000, voulez-vous 5, pas trop bas. Elle avait été vendue ici même, à la test, Yearling. En face, l'enchère, Laetitia, 5 000. American Post qui avait fait la majeure partie de sa carrière au Haras des Tréhants. Puis après, il est parti au Haras de Tréban, acquis par Promocir, Sylvie Le Gall. 12 000, 15 000. À 18 maintenant, 18 000, faut mettre... Mort accidentellement, malheureusement, mais c'est un super étalon. 18 000, 20 000... La mère et sœur de War Declaration, la mère c'est une Rainbow Quest, hein, gagnant d'Arc de Triomphe, on s'en rappelle, devant Sagas, qui avait été rétrogradée. La mère sœur de War Declaration, je crois qu'il a eu une grande carrière en Italie. Regardez-le, étalon. Bon canter hier, à 20 000 €, nous sommes... Mais un bon canter et puis une belle page. D'ailleurs, Page One, la sœur aînée de American Revolution, a été black type en Italie. À 20 000 € nous sommes. 20 000, Laetitia, c'est vous. Et nous en sommes à 20 000 €. À 20 000 € qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 20 000 € en face de moi, l'enchère là-haut. Pour un poulain alzan comme Robin Hofnavan, l'un des meilleurs produits. Vous voulez, 22 000, 22 000. D'American Post. Non, 25 000, 25 000 euros, 25,000 à 25, c'est toujours en face. Laetitia, vous l'emportez pour le moment. À 25 000 € en face de moi, pas là, pas là-bas. À 25 000, à 25 000 € qui couvre l'enchère de 25 000 €, Laetitia. Vous l'emportez pour le moment. À 25 000 €, le marteau se lève. Pas de regret. À 25 000 €, we are now in front of me. À 25 000 €, pas de regret nulle part. Dernier appel à 25 000. Le fils d'American Post. Dernière fois. Geoffroy, c'est contre vous. Hein. On est d'accord. Fini. À 25 000. Laetitia, à votre enchère. Dernier appel. On l'a tué. 25 000. Laetitia. 25 000 €, Nicolas. Nicolas en direct. Alors, ta première vente, Nicolas ? Super, beau résultat, on est content. T'étais un peu stressé quand même, c'est... Un petit peu, forcément, les premiers. Mais bon, t'es confiant, ils ont fait des bons canters. La voici. Sans que la pression est en train de retomber. Merci. Bravo Nicolas, et bravo pour tes présentations, c'était très bien hier. Reprise, elle est gagnante à Compiègne, notamment. Elle a fait de Viachoc, placée de Liston, la toute proche famille de l'excellente Princesse Choc qu'on a vue tout récemment, à très bon niveau, placée du Vento notamment. Combien voulez-vous pour débuter les enchères? La petite fille d'Indian Rocket. Le même croisement, donc Princess Shop, en l'occurrence, la fille du Captain Shop. Le du catalogue, 10, 8, 5 000, vous 5 000, voulez-vous 5 000, 5 000 pour débuter, 5 000, 5, 5, 5, 5, 5 000 euros, 5 000 euros. À 5 000 euros, la fille de Captain Shop, à 5 000 euros, Indian Rocket, 5 000. Allez. À 5, 3, voulez-vous 3, 3 000, on va passer au suivant. 3 000 euros, 3 pour débuter seulement, 3 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 3 000 pour le numéro 9. 3. Alors, Captain Shop, ah, les talons chers à Alain Chopard du Radéphone, puisqu'il a élevé Captain Shop. Bon, une souche qu'il connaît par cœur. Hein. Captain Shop et puis la mère Star Shop. Donc, c'est du pur Chopard.
Starshop, deux victoires. Sœur de Via Shop. Troisième du prix Texanita, Listod. 4000, c'est la même, 4000. À 4000 euros, Julien Lanchère à 4000. À 4000 euros, je vous laisse faire Julien à gauche, 5 maintenant. À 5000 euros. Regardez la page. À 5000 euros. Le sang d'Idiane Roquette ici. À 5000, 5000 maintenant, 5000. À 5000 euros, 5, 6000. Julien, reviens chez vous. À 6000, 6000. Toujours à gauche, Lanchère à 6000. 6000 euros, 6, 7, 7. Laetitia chez vous devant. À 7000, 7000. À 7000 euros, il faut aller à 8 maintenant, 7000, 7. 7000 euros, 8000 maintenant, 8000, 8000, Julien chez vous toujours. À 8000 euros, 8000, 10000 maintenant, 10000, 9, 9000, 9, 9000. À 9000 euros, de nouveau la l'enchère, 10000, 10000, Julien chez vous de nouveau l'enchère à 10000, 10000, 12, à 12000, 12000, 12000, l'enchère est là, lancée. À 12000 euros, par vous Laetitia, de nouveau. À 12000 euros, que fait-on à 12000, 12, 12. À 12000 euros, 14000 maintenant, 14000, 14000 euros, Julien chez vous de nouveau, 16, 16, 16000 euros, c'est à droite l'enchère, c'est en face l'enchère à 16000, à 16000 euros, toujours par vous Laetitia, pas d'erreur. À 16000 euros, 16000, 17, 17, 17000 si vous voulez, 17, 18. On met 20. 18000 euros donc pour Daily Shop, ça monte petit à petit. On peut mettre 10. Alors je n'arrive pas à repérer Alain Chopin, je ne sais pas s'il est en train de défendre son cheval. C'est contre vous Julien, à 18000 euros, 18000. Il est en train de manger, il a bien raison. Toujours à 18, 18000, Julien. C'est pas encore l'heure du Dédon 27. Merci de votre aide à gauche à 18000 euros. Allez, 18000 euros. À 18000 euros, le marteau se lève, pas de regret. Sûr, pas de regret. À 18000 euros, dernier appel, là, l'enchère. On va juger, rien là-bas. On l'a jugé. 18000. Laetitia. Place au numéro 10, présenté par l'écurie Yann Kreff. Aura, une pouliche B, elle est née le 1er. C'est Cédric Boutin. Par Very Nice Name et Summer Lemons. C'est Cédric Boutin qui achète. La fille de Very Nice Name. Cédric Boutin qui achète le numéro 9 pour 18000 euros. Proche famille de Sainte-Barbe de Xarino. Voici maintenant le numéro 10, présenté par l'écurie Yann Kreff. Une fille de Very Nice Name qui fait la monte aux côtés de Joshua Tree. Ouara du Grand Courgeon. Petite fille de Weeper, donc par l'excellent Very Nice Name. Voulez-vous 10 000, 8, 5 000. Voulez-vous 5 000 euros pour débuter les enchères. 5 000, 5 000, 5, 5. 5 000 euros, 5 000 euros. Il en face de moi, 5 000 euros. Laurence Lanchère, à 5 000. Allons-y, 5 000. À 5 000 euros, qui prend le relais. 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros. La fille de Very Nice Name, à 5 000 euros, 5 000 euros. Belle pouliche, qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 5 000 seulement. 5 000. Laurence, c'est chez vous pour le moment. À 5 000 euros, 5 000. 5. À 5 000 euros, qui prend le relais. Aura, présenté par l'écurie Yann Kreff. Very Nice Name. La famille de fameux voyageur, hein, il a même couru l'Arc de Triomphe. Il a gagné toutes les meilleures épreuves au Qatar sous l'entraînement d'Alban Demiol. Chez vous, Laurence. À 5000. Il a été d'ailleurs le premier, peut-être bien le seul cheval entraîné au Qatar ou à participer au prix de l'Arc de Triomphe. À 5000 euros. Une famille Nyarkos, puisque ça descend de Salpinx, la famille de l'émigrant. Laurence, chez vous l'enchère à 5000, la fille de. Pour les fans des années 80. Dernier appel à 5000 euros, l'enchère là-haut. À 5000, pas d'organe nulle part. Dernière fois, on peut adjuger. On l'adjuge. 5000. Laurence. C'est vendu. MC Thoroughbreds présente une pouliche B née le 27 mars par Famous Name et Summer Spice. Son frère Mazalé vient de remporter une victoire supplémentaire en Irlande le 15 février. Le numéro 11. On va regarder son canter avec attention. Elle arrive, la fille de Famous Name. Fille de Famous Name, grand champion international également. Famous Name qui fait la montée en Irlande. Oara national irlandais. La mère fille de Key of Luck, la toute proche famille. Présentée par MC. La mère et sœur. Petit article de Salford Express. Tous deux étalons. Mike Clee. Pour débuter les enchères, la petite fille de Danzili par l'excellent Famous Name. 10 000, voulez-vous 10 000 euros, 10 000, à 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10 000. Elle a fait un canter convaincant hier. 5 000, la fille de Famous Name à 5 000. 5 000 euros. Et la mère, elle est quand même sœur de Definite Article, hein, gagnant des National Stakes. La fille de Famous Name à 5 000. Deuxième de la Race Derby et étalon aussi. 3 000, 3 000. Et la mère, Summer Spice. À 3 000 euros, 3. Qui a gagné, elle a été aux portes des Listod, elle a été quatrième. Aux portes des Black Type, elle a été quatrième d'une Listod, les Swinless Stakes. Toute poche famille. Elle a fait 7 vainqueurs, dont la mère de Agnès Stewart. 3 000 euros. Deuxième du Phil Ismail. Et nous ne sommes qu'à 3 000 euros. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 3 000. 3 000 euros qui m'appellent pour la fille de Famous Name à 3 000. La petite fille de Danzili, du caractère gras dans la famille à chaque génération. 3 000 euros pour débuter. Qui m'appelle? Mettez vos enchères. 3 000 en bas l'enchère. J'ai 3 000 à 3 000 euros qui prend le relais. 3 000 par mois. Mon enchère à 3 000. Le marteau se lève. Vous la laissez partir à 3 000 euros seulement. C'est vu?
à 3000 euros. Regardez la page de Pédigré. La fille de Faye Mousnem, la petite fille de Danzili à 3000 euros. Dernière fois, dernier appel. On peut être jugé à 3000 euros. Pas de regret. On la juge. 3000 euros. Monsieur Daniel Collet, merci. Le numéro 12. Daniel Collet qui achète beaucoup de chevaux à moins de 10 000 euros à Deauville pour partir au Maghreb. Alors peut-être qu'il a acheté ses chevaux aussi pour prendre cette direction. Il y a beaucoup, beaucoup de courses. Hein, TVA, donc le marche très, très bien d'ailleurs au Maroc, en Tunisie et puis même en Libye. Hein, actuellement, la Libye est de nouveau d'ailleurs dans une situation politique extrêmement difficile, comme vous l'avez sans doute appris. Il y a eu des rixes violents, enfin des rixes, pas seulement des rixes d'ailleurs, des rixes violents qui sont revenus là malheureusement la semaine dernière, mais à l'origine de ces chevaux. Combien mais c'est un pays qui importe énormément, énormément, hein, des centaines et des centaines de chevaux français par an. Bref, passons désormais au numéro 12, Ganouve, présenté par HDG Consignment, c'est-à-dire... 3, voulez-vous 3000, 3000... C'est-à-dire Gaël Lermite, un fils de Swiss Spirit, mettez vos enchères, s'il vous plaît. Swiss Spirit et Substein, qui n'est autre elle, qu'une fille de Dockage, la grande matrone, qui prend le relais à 3000. Dockage, la grande matrone de l'élevage de Khalid Abdullah, d'où Relling, Crossembourg, Bensale, 4000 maintenant, Indazlad, à 4000 euros qui couvre l'ancien de bien d'autres. À 4000 euros, qui m'appelle? Qui prend le relais? La mère Substein, elle a fait Princesse Jenna, une fille de Choisir. 5000. Bonne jument, bien connue dans la région du Sud-Ouest, elle a gagné, où elle a gagné 4 courses. Elle s'est imposée notamment ici, pas ici, à Bordeaux, mais sur la piste de Bouscat. 5000 euros seulement, belle souche, je monte. 5000 euros, l'enchère est à droite, tout se passe à droite, pas là-haut, rien à gauche pour le moment. À 5000, we are now, 5000, enchère à droite, toujours à 5000. 5000 euros, qui prend le relais? 5000. À 5000 euros, le marteau se lève et on va la juger. À 5000 euros seulement, enchère à droite. On peut la juger, Geoffroy, c'est vous? On est d'accord. À 5 000 euros, dernier appel, fini. On la juge. 5 000. 5 000 euros. Bon, la vente vient seulement de commencer, mais pour l'instant, on a eu pas mal d'extrêmes. C'est-à-dire des chevaux vraiment pas chers, et puis par contre, 2 à 47 et 50 000 euros. Né le 20 avril. 50 000 euros, c'est le top price pour l'instant de la journée. Ça va peut-être pas le rester, mais pour l'instant, ça, c'est le cas. C'était le numéro 2. Ici, il arrive. La mère par Schinner et sœur de Don Diego de la Vega, placée du Palamini. Bon cheval en obstacle donc. Et c'est la souche maternelle de l'excellente frappeuse. Frappeuse gagnante de 15 courses. Près de 600 000 euros de gains pour les... Alors, le combien pour débuter 13, on ne va pas voir son canter parce que le 13 a subi... Ah, mais les Wolves, combien pour débuter? 10, 8, 5, voulez-vous 5 000 euros? 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5, 5 000. À 5 000 euros, 5 000. Oui, parce qu'en fait, le cheval n'a pas fini que son canter hier parce qu'il a éjecté son jockey à l'entrée de la ligne droite. À 3 000, la souche maternelle de frappeuse. C'est un fils de Amadeus Wolf et la souche maternelle de la craque de la championne frappeuse. Jacques Cortet, Christophe Pieux. 15 victoires en obstacle et des groupes 1. À l'époque, c'était Delistone, mais groupes 1, le prix Ferdinand Dufort à 4 ans à Auteuil. La grande course de printemps, le James Hennessy, la Barcale, la Péricole, le Léopold d'Orsetti en Anguin, le Morgec. Enfin, c'était une jument exceptionnelle. Répétons à 3000 euros, 3000. Et c'est aussi la souche d'ailleurs de plus près de nous de Don Diego de la Vega. 3000 euros, bien sûr. C'est bien vu d'enchaîner ta gauche toujours. Placé, 3000. Pas la mise. Damodeus Wolf, la proche famille de frappeuses, la mère sœur de Don Diego de la Vega. 3000 euros, l'enchaîner ta gauche toujours à 3000. 3000 euros qui prend le relais, 3000, 3000 euros, dernier appel à 3000. Amadeus Wolf qui est mort. 3000 euros l'année dernière. Pas jugé. Qu'il est vrai, était un étalon assez décevant. Julien, c'est vous? On est d'accord. À 3000 euros. Dernier appel, pas en face et rien à droite. Le marteau se lève. Fini. Alors, on a 3000. Julien. On passe au suivant. Un fils de Bated Brice. 22 janvier par Bated Brice. Étalon anglais. La mère Tree Rains, gagnante de l'Istud. Elle est belle, cette la famille de Thames. Ah, puis c'est une famille qu'on aime bien dans la région. Puisque c'est la souche non seulement de Tritroïcas, hein. Lauréat du prix de l'Arc de Triomphe 1979 sous la selle de Freddy Head et l'entraînement de Cricket Ed Marek. C'était la première fois qu'une femme entraîneur gagnait le prix de l'Arc de Triomphe en 1979. C'est bien. Et c'est aussi la famille de The Right Mind, le champion sprinter régional. Tritokaz, gagnante de l'Arc. Gagnant du Halco Sprint l'an dernier et qui a encore très très bien couru dans cette épreuve cette année. L'excellent Bad Brace, la mère a produit de nombreux gagnants. Voilà, Bated Brice, la mère gagnante de l'Istud, mère de nombreux vainqueurs, mère de 5 vainqueurs, la famille de Tritroïcas, et si vous voulez, c'est le cousin de The Right Man, le champion sprinter The Right Man. C'est parti. 5 000, 5, 5, 5, à 5 000 euros, 5 000, 5, 3 000, 3 000, 3,
à 3000 euros, 3000 euros, mettez vos enchères à 3000, 3000, l'enchère minimum, à 3000 euros, Geoffroy, 3000, à 3000 euros, qui équivaut l'enchère de 3000 euros, 3, la toute proche famille de The Redman, à 3000, 3000 euros, 3000 euros, qui équivaut l'enchère de 3000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 3000 seulement, nous sommes à 3000, 3000 euros, qui prend le relais, 3, 3000, à 3000 euros, qui équivaut l'enchère de 3000 euros seulement, vu, à 3000, l'enchère est là, toujours à droite, à 3000, 3, 3000 euros, le fils de Bad Brett ici à 3000 euros. À 3000 euros, regardez le pédigré maternel. 3000, à 3000 euros, l'enchère est là, toujours à droite, pas en face, rien à gauche. La famille toute proche de The Right Man, 3000 enchères. Chez vous, Geoffroy, 3000 euros, l'enchère à droite qui prend le relais. 3, 3000 euros seulement, c'est bien vu. L'enchère est là, on peut adjuger à 3000 euros. Vous le laissez partir, 3000 euros. Dernière fois, dernier appel. Fini ? Bon. 3000 à droite. Place au numéro 15, présenté par l'écurie du Petit Angeois. C'est un peu plat dans ce modèle, quand même. Hein. C'est sans doute la raison pour laquelle le cheval n'a pas suscité de convoitise. D'ailleurs, le cheval est racheté à cet instant. On le voit signé par Alain Chopard. Spirit, évidemment. La mère est une fille de Panis. Alors, Veil of Trek, présenté par l'écurie du Petit Angeois. Elle a gagné à 2 ans, à 2 reprises. Une fille de Veil of York. Et la mère et sœur de Trek, notamment. Combien pour débuter les enchères? La gagnante à 2 ans, Trek, le prix d'Albret à Bordeaux, très très précoce donc. Allons-y, 5 000. D'Albret, c'est l'une des premières courses, sinon la première course de 2 ans. La pouliche de Veil of York à 3. Et elle a déjà produit Carachop, une Indian Rocket qui compte 2 victoires à Lyon, dont le prix des Violettes, qui est l'une des premières courses, sinon la première course de 2 ans à Lyon-Paris. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, 3000 à 3000 euros. La famille de Belle Bleue, une souche, 3, bon ça remonte un peu, mais qui s'est illustrée sous la casaque Wilnatstein. Minimum de 3000, la mère gagnante à 2 ans, je le répète, produit une gagnante de 2 courses au même âge à 3000 euros seulement. 3000, mettez vos enchères, qui m'appelle? 3000, l'enchère minimum, 3000, c'est bien vu, 3000 euros, Geoffroy? Rien chez vous? 3000 euros. Qui m'appelle? L'enchère minimum. La fille de Veil of York, vous la laissez partir par le père de Afandem, notamment. Gagnant de Larenberg à 3000. 3000 euros. Pas de regret. C'est vu. 3000. Dernière fois. Laurence, rien chez vous? À 3000 euros. Retirez. Retirez, faute d'enchère. Place au numéro 16, qui est présenté par le Haras des Faunes. C'est Erafi, une pouliche B. Elle est née le 13 avril par Hunter's Light et toutes les salées et elle est vendue sans TVA. Hunter's Light, désormais présenté par le Haras des Faunes. Mesdames et messieurs, du poil blanc dans la queue. 17, oui. Signe de qualité. Champs-Élysées qui ne cesse de faire. Là, on change d'auctionneur. L'excellent suge maternel là. John O'Kelly qui va nous parler de Erafi, oui, qu'on voit actuellement s'illustrer en piste. Oui, Hunter's Light, oui. Une pouliche ici très typée de Duba, oui, d'une excellente suche, de la famille internationale de Whiskey Baron. Combien faut-il ici pour débuter? La sœur d'une gagnante à... La mère, tu te laisses aller. Ah, le fameux tube de Charles Aznavour. Voulez-vous maintenant 5000, 5000, 4000, 3000, 3000, voulez-vous 3000? Mère d'un vainqueur, mère d'une lauréate, Candeleda. Bonne souche maternelle. Deuxième du prix d'Albret, donc toujours pareil, des souches précoces. C'est la famille, c'est une famille, une ancienne famille Agacan, où on trouve Tachelka, la mère de Tazadeh. On trouve aussi Tashkandi. Voulez-vous 3000? À 3000 mètres, c'est vos enchères quand même. À 3000, c'est pas cher du tout. À 3000, une belle pouliche, c'est pour ce prix-là. La sœur des gagnantes à 2 ans. À 3000 euros, voulez-vous, de l'excellente famille de Whiskey Baron. À 3000, c'est vu, 3000, dernière fois, dernière chance, là, à 3000 euros. Un de ces visons. Le suivant, s'il vous plaît. Le numéro 17, présenté par HDG Consignment, Gaël Lhermitte, une pouliche B. Elle est née le 26 avril par Champs-Élysées et Lilo et elle est vendue sans TVA. Oui, voilà, une pouliche très bien née. C'est la sœur d'une place C à 3 ans hors C. C'est la sœur aussi d'une place d'une gagnant gros. Alors maintenant, on va passer à Champs-Élysées. Pas aux Champs-Élysées, mais à Champs-Élysées. Excellent. Puisque Champs-Élysées est le nom d'un. Origine, combien faut-on ici? Un cheval de course, très bon en course, né de Danuil et d'Ancili. De Asili, donc c'est le frère de Dancili, entre autres. Autre jeu, Bellison, gagnant de 1000 guinées à l'Angleterre. Un très bon cheval de course, étalon aux États-Unis. Non, en Irlande. Il a couru aux États-Unis, Champs-Élysées. Bref. Non, à 5000, mettez vos enchères à 5000, à 5000, à 3000 alors. À 3000, à 3000. 3000, mettez vos enchères à 3000. Regardez bien la suge maternelle d'une famille extraordinaire. 3000 bleus, 3000 à droite, l'enchaînement maintenant, 3000 Geoffroy,
vont trancher maintenant à 3000, à 3000, à 3000 le sable, à 3000 la fille de... Oui, donc Champs-Élysées, la mère Humililo, par M. Toto, est une sœur de Miss Keller, gagnante des Hippie Taylor Stakes, groupe 1, Canada. Regardez comme elle est née, à 3000 euros. Et tout de même, c'est la sœur d'un gagnant de Oaktree Derby, Fantastic Peak, et nous n'en sommes qu'à 3000 euros. Chance à 3000 euros. On adjuge. Adjugé. Merci, maître. Le iPhone présente le numéro 18, La Grâce Dieu, pouliche grise. Elle est née le... Ah, voilà une pouliche sympa qui a fait un très très bon canter hier. Une fille d'un étalon extrêmement intéressant qui s'appelle Kingston Hill. On va la voir travailler, cette La Grâce Dieu. Par Master Craftsman. Deuxième du derby. Voilà. Les talons, je vais vous en parler un peu après, mais La Grâce Dieu a été d'un des, à titre personnel, un des canters, mes canters préférés hier. Très belle action, fluide, en galop, la mère et sœur. Regardez-la évoluer, cette belle pouliche grise née tôt, hein, le 20 janvier, avec une grande action. 20 000, donnez-moi 20 000, à 20 000, à 20 000, mettez vos enchères à 20 000, à 20 000, à 10 000, mettez 10 000, 10 000 quelque part, 10 000, à 10 000, 5 000, alors qui a 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à... Très grande action. À 5 000, 5 000, à droite l'enchère maintenant, à 5 000. Alors Kingston Hill, un jeune étalon qui est très soutenu par Coolmore. C'est pas un Coolmore à la base, c'est assez un cas un peu particulier, c'est un fils de leur. Leur étalon Master Craftsman, auquel ils tiennent beaucoup, mais ils n'en ont pas de fils, alors ils ont acheté ce Kingston Hill. Vainqueur du Racing Post Trophy à 2 ans et du Saint-Léger de Doncaster. Ils ont acheté un cheval de Saint-Léger, mais pas pour rentrer dans la cour d'obstacles, bien pour bel et bien pour rentrer dans la cour de plat. La mère est Parnacus et la mère, elle est sœur de Espero, gagnant du Grand Prix de la Rivière à Côte d'Azur, c'est-à-dire le Grand Prix de Cannes-sur-Mer, Listed. Également sœur de Queen's Daughter, qui a gagné Listed aussi dans le prix Service. C'est la famille de Sayedati, championne qui avait gagné à 3 ans le prix Jacques Lemarois. Et de Golden Stake aussi, qui a un destin lui. Gagnant du Ghanais après être devenu étalon. Là, il était devenu étalon, mais comme il ne remplissait pas, il est revenu à l'entraînement et il a remporté le prix Ghanais. Il avait remporté le prix Jean Prat à 3 ans. 15 000, Jean-François, vous tranchez maintenant à 15 000. Pour l'instant, nous en sommes à 15 000 pour La Grâce Dieu. 17 000 maintenant à 15 000. À 15 000. 17, 17, 17, arrondissez maintenant à 17 000. À 17, 17, vous le pouvez mettre 20. À 20 000, enchaînez maintenant à 20 000. À 20 000, belle pouliche ici à 20 000. À 20 000, à 20 000. 22, 22, l'enchaînez maintenant à 22. À 22, 22. 25, 25, l'enchaîne maintenant à 27, 27, à 27, vous lui mettez 30 000, à 27, 30 000, à 30 000, nous sommes maintenant 30 000, à 30 000, tant mieux, une belle policier, 30 000, à 30 000 enchères, à 30 000, la seule par l'action Kingston Hill dans le catalogue, à 30 000, à 30 000, à 30 000, l'arrière-grand-mère, une fille de Dubaï, d'une excellente suge maternelle, à 30 000, tu se passes pas, Geoffroy maintenant à 30 000, à 30 000, c'est bien vu, à 30 000, à 30 000, l'enchaîne à la droite, à 30 000, c'est bien vu, on peut la... 32, l'enchaîne maintenant, 32 000. À 32, à 32, 32, 5 pour l'avoir. À 32 000, 5, voulez-vous maintenant, 32 000. À 32, Jean-François, votre enchaîne à 32 000. À 32 000, attention, le marteau se lève. À 32 000, 35, 35, 35, l'enchaîne maintenant à droite. À 35 000. Je n'arrive pas à voir qui met les enchaînes. À 35 000, vous ne voulez pas mettre 7. À 35 000, à 35 000, tu je vois Jean-François maintenant. Oui, sans surprise, c'est une fille de Kingston Hill qui avait bien bossé hier. Rien à gauche. À 35 000 en haut. Un bon pédigré. À droite, à 35 000. On va juger alors à 35 000. Fini là. Le marteau se lève. C'est bien fait. On va juger. On la juge. 35 000. Merci beaucoup, Geoffroy. 35 000. L'écurie Yonkef présente le numéro 19, Kiss Me Forever. Une pouliche baie foncée née le 22 mars par Soul City et Voix d'Itsar. Et elle est vendue sans TVA. C'est Cédric Boutin. Soul City. Soul City, grand gagnant, vainqueur du prix de la Rochette à 2 ans, classique en Irlande, derrière Master Craftsman dans le 2000 Guinness. Belle pouliche, précoce, prête pour les courses. Bon, that way too long, this filly, ladies and gentlemen, excellent sujet. Cédric Boutin, effectivement, qui achète à 37 000 euros la fille de Kingston Hill. Ici, à 20 000, à 20 000, 10 000, 10 000, allons-y, à 10 000, il y a 10 000, donnez-moi 10 000, à 10 000, 5 000, alors qui a 5 000. Portant le numéro 18, donc troisième top price pour l'instant de cette vente. C'est la fille de Soul City, ici, à 5 000, à 5 000, très, très court cette pouliche-là, à 5 000, laissez-vous le voir. On va passer désormais au 19, Kiss Me Forever, une fille de Soul City, présentée par l'écurie Yann Creff. Dans 3 000. On retrouve une souche de la chez Lagacan ici, une souche basse
de chez Lagacan. À 3000, à 3 de votre enchère. Celle de Sendawar, qui a été un champion en course. Les talons décevants, mais superbe mileur. 3000, 4000, très course à 4000, 5000 enchères à 5000. La mère est par Early March. C'est un croisement purement du Haras du Saz, puisque Soul City fait la monte au Haras du Saz. 10 000 enchères maintenant. Early March faisait la monte au Haras du Saz. Nous sommes dans 10 000, à 10 000. Nous en sommes à 10 000 euros. Soul City ici à 10 000, à 10 000, à 10 000 enchères maintenant, à 10 000. Et oui, a bien montré son travail là hier. 12 000, à 12 000, enchaîne maintenant, une belle, belle action à 12 000, à 12 000, à 12 000, qui prend le relais maintenant à 12 000, à 12 000, enchaîne, Antoine, à 12 000, enchaîne ou pas, à 12 000 et à droite, enchaîne, où est l'enchaîne, 15 000, 15 000, enchaîne maintenant, 15 000, à 15 000, 15 000, 15 000, enchaîne maintenant, 15 000, à 15 000, je vais pas mettre 17 à 15 000, à 15 000, 15 000, oui, aidez-moi, s'il vous plaît. 13 000, alors, à 13 000, 13 000. L'enchaîne maintenant, 13 000. Plus voilà, excusez-moi, l'enchaîne ici, à 13 000. À 13 000, commence à l'arrière maintenant, 13 000. À 13 000, Geoffroy, vous lui mettre 15. À 13 000, 13 000, 13 000, l'enchaîne maintenant, 13 000. Prête à courir cette pouliche-là, à 13 000. À 13 000, l'enchaîne en haut, à 13 000. En haut, à gauche, l'enchaîne. À 13 000, l'enchaîne maintenant, 13 000, c'est bien vu. À 13 000, on va juger alors, à 13 000, dernière fois là. Dernière chance, plus voilà, Geoffroy. À 13 000, à gauche, l'enchaîne, à 13 000. On est juge. Antoine, merci beaucoup, à 13 000. Il n'y a pas de numéro 20. Place au 21, présenté par le Haras de la Barrelière. Boeing Barrelière, une pouliche alsane. Dès le 18 avril, elle est par Palamos et Waterez. Bravo, Nicolas de Valanda. 21. Une petite fille de Night Shift ici, bonne famille, espagnole, née et élevée en France. Qualifiée pour les primes, la sœur de Deseado, 5 victoires, 7 victoires en Espagne, Wide Vision, 9 victoires. Donc, vous connaissez bien la famille. Combien de temps ici pour le début? Allons-y, 5000, vous l'avez à 5000. Qui a 5000, donnez-moi 5000 quelque part, 5000, 5000, 3000, à 3000, à 3000, alors mettez vos enchères. La petite fille de Night Shift ici à 3000, à 3000, vous l'avez à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, nous sommes maintenant à 3000, mettez votre 3000 enchères à droite. À 3000, la sœur de 3 vainqueurs, donc 2 très bons vainqueurs, 3000, à 3000, à 3000, à 3000, enchères maintenant à 3000. Boeing Barrelière, fille de Palamos, très typée de son père, qui n'est pas très connu, Palamos, mais qui a exactement le même physique, qui fait la monte au Haras de la Barrelière. 5000, l'enchaîne à 5000, les plus beaux là, monsieur. Et le cheval, la pouliche s'appelle Boeing Barrelière, du nom de l'avionneur, né le 18 avril. 7000, 10000, à 10000, à 10000, à 10000, nous sommes maintenant à 10000. Bon, c'est sans doute le patron de la Barrelière, il est espagnol, et la famille s'est illustrée en Espagne essentiellement, puisqu'il y a deux frères qui ont gagné respectivement 7 et 9 courses en Espagne. 12000, à 12000, enchaîne maintenant. Et puis plus récemment, la fille de Soyoufing qui a gagné en Espagne l'année dernière, qui a pris 50 000 euros de gains. 350, vous là. Pas mal quand même. Et malgré un canter où la pouliche était restée plus au galop de chasse qu'au canter hier, eh bien écoutez, les enchères. 12000, pardon. Nulle part, à 12 000, méfiez-vous, le marteau se lève, à 12 000 dans l'Air France. Les enchères se monter pour l'instant jusqu'à 12 000 euros. On est juge. Dominique Mahani, grazie, muchas gracias, à 12 000. Place au numéro 22 qui est présenté. Ça part en Espagne, j'ai l'impression, oui. Un poulain B, né le 31 mars, un fils de Power et Wing Diva. Il est vendu sans TVA. Ah, très beau poulain ici, par Power, l'excellent vainqueur, classique. Les 2000 guinées en Irlande, les gagnants d'à 2 ans. Allez, on va passer désormais au numéro 22. À 2 ans aussi. Très bien travaillé hier, beau poulain. Bon boulot, comme vous le voyez actuellement en direct. Bien de ce 22, fils de Power. Les gagnants aussi. Combien et Wing Diva, par Hawkwing. À 20 000, mettez vos enchères à 20 000. Très, très beau poulain ici à 20 000. À 20 000. La mère Wing Diva est elle-même issue donc de Sassimoto, gagnant de Liston en Italie. C'est la grande famille américaine derrière. Bon, c'est un peu loin, mais enfin quand même. El Prado sous la quatrième mère. El Prado, le père de Spanish Moon et de Kitten Joy. À 5000, à 5000, à 5000, mettez vos enchères, s'il vous plaît. Fils de Sardol Swells, gris, le seul fils de Sardol Swells qui est vraiment réussi en tant que talon. Il y a eu très, très peu de fils de Sardol Swells qui ont fait la monte aux États-Unis. El Prado est celui qui a réussi le plus de loin. T'es gagnante aussi à 5000, à 5000. Black Type dans la famille aussi à 5000. À 5000, à 5000, à 5000, 6000, voulez-vous? À 5000, nous sommes sur l'enchère là maintenant. Je vous laisse passer maintenant à 5000. À 5000, très beau poulain ici. À 5000, bien profond. Regarde la profondeur, l'envergure et de la force. À 5000, à 5000, à 5000, nous sommes. À 5000 qui prend le relais.
à 5000 euros, c'est bien vu, à 5000 euros, c'est sûr, pardonnerez-nous pas, à 5000 euros, le marteau se lève, on va juger alors, à 7000 euros, chez madame, à 7000, à 7000 là-haut, à 7000, nous allons chez nous, à 7000, à 7000, 7000, j'en ferai contre vous là, 7000, vous le fameux, 8, 8000, vous le voulez maintenant, 7000, vous avez mis qu'une seule quand même, remettez-en une, à 7000 euros maintenant, à 7000, tu t'en roules là, à 7000, nous sommes, c'est bien vu, fini là, à 7000, on va juger alors, à 7000 euros, c'est pas cher du tout, franchement, à 7000, nous sommes, 8000, 8000 euros, oui, nous sommes à 8000, à 8000 euros, je sais maintenant, à 8000, à 9000, vous le voulez, à 9000, vous le voulez. Alors Mike Lee, c'est le jeune homme qui présente le poulain, MC Thoroughbred, c'est pas un nouveau disc jockey qui s'appelle MC Thoroughbred, c'est Mike Lee Thoroughbred. Une seule, c'est sûr, pas de regret, à 8000, un Irlandais. Dernière fois, dernière chance, on la juge. Laurence, votre enchère, 8000 euros, merci, Laurence. Présenté par l'écurie La Freinée, le numéro 23, Autumnal, une pouliche B. Elle est née par Sidestep et Winter Robin. Elle est née le 27 mars et elle est vendue sans TVA. Action légère, belle pouliche qui a bien travaillé hier. Modèle précoce, une famille plutôt des deux ans aussi, par l'excellent Sidestep. Le père des Kiamichi, grand vainqueur de groupe 1 Golden Slipper en Australie. La plus grande course, c'est deux ans en Australie. Combien de temps ici pour le début du débat? Allons-y, 10 000, voulez-vous? À 10 000, 10 000, mettez vos enchères à 10 000. À 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, voulez-vous maintenant? À 10 000, à 10 000, 5 000, alors 5 000. Qui a 5 000? Donnez-moi 5 000 quelque part à 5 000. À 5 000, 5 000, allons-y, 3 000. 3 000 enchères minimum ici, à 3 000. À 3 000, pour les modèles précoces ici, à 3 000. La petite Fidex ici de Nexel, à 3 000. À gauche enchères, non, c'est la même? Partout, à 3000, 3000 par Laetitia, ok? À 3000, c'est maintenant, à 3000, à 3000, suivant, s'il vous plaît, à 3000, 4000, ça fait 6000 enchères, à 6000 euros, à 6000 là-haut, toujours maintenant, à 6000, vous là, Julien, l'enchère par Laurence, à 6000, à 6000, à 6000, c'est maintenant, à 6000, et par cher du tout, vraiment, à 6000, à 6000, à 6000, qui prend l'enchère, 7000, on prend 7000. 7000, 7000 euros maintenant, 7000, 7000 euros, nous sommes à 7000, à 7000, modèles précoces, une famille précoce, une famille dans la famille, à 7000 euros, nous sommes maintenant à 7000, Laurence, vous avez mis qu'une seule là quand même, à 7000, remettez-en une là s'il vous plaît, à 7000 à gauche, l'enchère, par Julien, à 7000, je vous entends plus pas du tout là, Laetitia, à 7000, nous sommes maintenant à 7000, à 7000, à 7000, nous sommes, à 7000, dernière fois, la marque se lève, on peut la juger, à 7000, à gauche, 8000 enchères là-haut, à 8000, nous sommes une nouvelle enchère, à 8000, Julien, c'est contre vous là. 10 000, 10 000 enchères maintenant, à 10 000, à 10 000, à 10 000, nous sommes maintenant, à 10 000, elle est vraiment très court, très court cette pouliche. À 10 000, à 10 000, à 10 000, plus voilà, monsieur, maintenant, à 10 000, à 10 000 enchères maintenant, à 10 000, à 10 000, la bonne famille des toutes belles Lily again, à 10 000 à gauche, l'enchère maintenant, à 10 000, par Julien, tout se passe à gauche, à 10 000, fini là, fini là-haut, fini à droite, à 10 000, nous sommes, dernière fois, dernière chance là, à 10 000, on est juge. Julien, merci beaucoup, Dieu Julien. Voici le numéro 24 qui est présenté par l'écurie Yann Kreff. Zenith Trauland, mâle alzan, il est né le 10 avril. C'est un fils de Milan. Alors celui-là, il était bien celui-là. Vous allez revoir le canter de ce Zenith Trauland, il a fait un super boulot. Très typé du père, milanais, talon qui a très peu sailli, mais qui était un super cheval de course, fils de Dim Diamond. Fana. Et ce poulain-là, il a vraiment bien travaillé, présenté par l'écurie Yann Kreff. C'est une belle action. Très, très belle action. Il n'est pas grand, mais c'est un vrai cheval de course. Marre à 5 000, 5 000. Mettez vos enchères à 5 000, vous débutez. La mère, elle part Skid Chief. 5 000, voulez-vous maintenant à 5 000. Lui, un sprinter. 5 000, à 5 000, 3 000. Oui, 5 000 là-haut. À 5 000, à 5 000, à 5 000. Et la mère, elle a déjà produit Boise, qui est troisième du premier 7 Amixa durant l'hiver. Travaillé hier aussi à 5 000. À 5 000, à 5 000, à 5 000, enchaînement maintenant à 5 000. À 5 000, à Deauville. C'est loin d'être sur la PCF. À 5 000, c'est maintenant à 5 000. À 5 000, à 5 000, à 5 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. À 5 000, on boupoulin ici. À 5 000, le petit-fils de Diem Diamond. À 5 000, 7 000 enchères. À 6 000, nous sommes. À 6 000 enchères maintenant à 6 000. À 6 000, plus vous là. À 7 000, à 7 000 là-haut. Et plus vous en bas, monsieur, maintenant à 7 000. À 7 000. Nous sommes encore 8, voulez-vous? Oui, 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 8 000 enchères maintenant à 9 millions, 9 millions, 9 millions, arrondissez au moins si vous voulez, monsieur. À 9 000, à 9 000, à 9 000, là-haut, là, Laurence. À 9 000, 9 000 enchères maintenant à 9 000. À 9 000, le fils de Milanais ici, à 9 000, vraiment modèle très court ici, à 9 000. C'est bien vu, 10 000 enchères qui m'appellent, 10 000 Julien, à 10 000. 12 000, 12 000, 12 000 enchères maintenant à 12 000. À 12 000, 12 000, Julien, c'est contre vous là. À 12 000, tout en haut là, par Laurence, à 12 000. À 12 000, 15 000, 15, 14 000, 14, 14, 16 000, 16 000 enchères. À 16 000, 16 000, plus haut encore maintenant, Julien, 16 000. À 16 000, par Laurence, à 16 000. À 16 000, nous sommes maintenant à 16 000. À 16 000, 18, 18, dans 18. Là. C'était parti mou, mais ça monte. C'est normal parce que c'est un bon poulain. 20 000 enchères à 20 000, à 20 000, le fils de Milanais. Et apparemment. Très beau poulain ici. Il y a pas mal de monde qui a repéré son bon canter hier.
Zénith Traouland. L'enchère là-haut, plus haut là, Julien, rien à droite là, je vois. À 20 000 sommes par Laurence, à 20 000. Très typé du père milanais. 1000, dernière fois, dernière chance, 21 000 l'enchère, tant mieux. À 20 000. Bah, je trouve que ce cheval-là, c'est tout à fait le prototype du cheval à dénicher à la vente Brisop d'Ozarus. C'est pas forcément un étalon hyper connu, hyper commercial. À gauche, l'enchère, à 22 000. Un papier convenable, mais pas non plus le papier le plus commercial du monde. Fils milanais. Mais voilà, il a le droit de passer à cette vente. Il se présente bien et il est vendu 20. On est juge. Julien, 21 000. Merci, Julien. 21 000. Place au numéro 25 qui est présenté. Ma main a coupé qui va gagner les courses, celui-là. Zénith Traouland. Zinouyi. Ensuite, on va passer à Zinouyi. Oula. Par Siyuni. Alors, Siyuni, on va regarder son canter avec intérêt. C'est l'excellent souche de Lord Letters. Lord Letters qui était. Ah, bah, la souche de Morandi, la souche de Marie de Ken, dont on a parlé tout à l'heure, la famille Bader. La mère est gagnante, elle est sœur de Morandi, qui est gagnante de Crotillon de Saint-Cloud. Excellent souche maternelle aussi. Il était aussi deuxième du Jockey Club aussi. Combien de temps ici pour débuter? Beaucoup de deux ans ici. Par. Donc Siyuni, que vous voyez actuellement évoluer en direct. Enfin. Combien de temps ici? 60 000. C'est le canter d'hier. Télois 60, 40, 20 000 qui est à 20 000. Mettez vos enchères à 20 000. À 20 000, le fils de Siyuni ici à 20 000. Mettez vos enchères à 20 000. 10 000 alors qui est à 10 000. Donnez-moi 10 000 quelque part. À 10 000. À 10 000. 10 000. La mère est gagnante elle-même. Elle est gagnante à Maison à Longchon. Elle est passée à Deauville. À Longchon aussi à 10 000. À 10 000, 5 000. Voulez-vous à 5 000. Mettez vos enchères à 5 000. À 5 000, 5 000 à gauche, l'enchère à 5 000. À 5 000, suivant, s'il vous plaît. Et rapidement, s'il vous plaît. À 5 000 à gauche, l'enchère à 5 000. À 5 000, à 5 000, à 5 000, 5 000, 5 000. 5 000, à 5 000 suivant s'il vous plaît, à 5 000, à gauche, 5 000, 7 000 enchères, à 7 000 du Sam, à 7 000, c'est la vente, c'est 10 000, 10 000 enchères maintenant, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, Julien, 15 000, 15 000, 15 000, 17 000, voulez-vous, à 15 000, à gauche, l'enchère maintenant, 15 000, 17 000, 17 000, 17 000, l'enchère maintenant, à 17 000, à 17 000, 20 000, 20 000, nous sommes maintenant, à 20 000, à 20 000, à 20 000, le père d'Epic Hero. 22, 22, l'enchère maintenant, 20 000, 22 000, 22, 22, la Brevido, 22, 5, 25, 27, l'enchère maintenant, à 25, City Life, mesdames et messieurs, Sacred Life, 25, 25, vous voulez 27, maintenant, Jean-François, à 25 000, 25 000, Laurence, gagnant 5 courses au groupe 1 aussi, à 25 000, à 25 000, à gauche, l'enchère ici, à 25 000, à 25, 25, et 27, 27, 27, l'enchère maintenant, à 27 000, à 27 000, 30 000, à 30 000, à 30 000, un fils de Sayuni ici, à 30 000, 32, 32, l'enchère maintenant, 32 000. À 32, 32, 32, 35, 35, l'enchère maintenant, 35 000. À 35 000, 35 000, l'enchère à 37, à 37 000, à 37 000. La mairie gagne elle-même à Longchamp. 40 000, 40 000, 40 000, 2, voulez-vous. À 40 000, lentement, mais sûrement, à 40 000, 2, 42, 42, l'enchère. À 42, 42, 5, voulez-vous. À 42 000, 5, 45, voulez-vous, 50. À 45, 50, voulez-vous. À 45 000, 47, alors. À 47, 47 et 50 000 à gauche, là, si vous voulez, maintenant, Julien. 50 000, à 50 000, 50 000, 50 000, l'enchère maintenant à 50 000. À 50 000 à gauche, l'enchère maintenant à 50 000. Un beau fils de Siyuni. Voilà, Siyuni, 50. 52, 52. Le top price actuellement qui est en train de se faire, enfin, le top price provisoire. 5, 55, à 55. Le neveu de Morandi. À 55, 55 000, nous sommes dans 60. Le fils de Zinablou. À 60 000 et le fils de Siyuni. À 60 000. Qui s'appelle Siyuni, à 60 000 euros, 60, 65. À 65 000, à 65 000, plus vous la Jean-Fois, à 65 000, à 65 000 enchères, 70 000, 70 000, 70 000, vous le même 80, à 70 000, 80 000. Alors attention, présenté par Gaël Lhermitte, HDG Consignment. 80 000 enchères. 80 000. À 80, 80, 85, voulu encore maintenant, 80, à 80, 85, voulu encore maintenant, 80, Jean-François, c'est plus vous là, à 80 000, enchères à gauche ici, à 80 000, un tout beau poulain ici de Jean-François de Sayoni ici, à 80 000, le père. Gaël Lhermitte qui présente lui-même son poulain. 80 000 par. Il sera peut-être le top price de la vente, ce qui ne sera pas étonnant, hein. C'est un Sayoni tout de même. 80 000, on va juger, à 80 000, dernière fois, dernière chance là, à 80 000. On la juge. Julien, merci beaucoup. Julien, 80 000. Le numéro 26 est présenté par Pascal. 80 000 euros pour Ziuni, le numéro 25. Top price provisoire de la vente. Ce sera évidemment un cheval qui va rentrer dans le top 3 de toute façon. D'une famille, bonne famille Black Type, allemande, dans laquelle souvent les mâles sont souvent meilleurs que les femelles. Le père de Andover, Insandy Harmless.
typé de la ligne maternelle, famille allemande, combien fait-on ici pour débuter, on débute à 20 000, vous voulez qu'il y a 20 000, 20 000, donnez-moi 20 000, quelque part, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 5 000, 3 000, 11 000, 3 000, mettez vos enchères à 3 000, toute la main de pression à lever à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, enchaînez le fils, Anno Dan ici, mesdames et messieurs, jeune métallant, vous connaissez très bien, tête de liste ici en France, achetez, premier produit, à 3 000, à 3 000, mettez vos enchères à 3 000, l'enchère peut-être, madame là-bas, à 3 000, mettez vos enchères, un enchère là-bas, Laetitia, oui, à 3 000, à 3 000, nous sommes dans 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 suivants, 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, le frère de trois vainqueurs, à 3 000, à 3 000, le frère d'Alberto ici. Donc, rachetez le numéro 25. Donc, effacez ce que je viens de dire, le cheval n'est pas le top price prévu dans la vente, il ne rentrera pas dans le trio, dans le top 3, puisque le cheval est racheté. Maintenant, c'est le 26, un fils d'Anodin. La mère par Lomitas. Votre enchère, ok, n'est-ce pas? Oui, à 5 000, à 5 000 gauche, l'enchère maintenant à 5 000. À 5 000 qui prend la relève maintenant à 5 000 euros. À 5 000, à 5 000 suivant, s'il vous plaît, 5 000, 6 000. Ou c'est de la même? 6 000 par Laetitia, ok? Par Laetitia, l'enchère maintenant à 6 000. À 6 000, à 6 000, à 6 000, l'enchère maintenant à 6 000. À 6 000 qui prend la relève maintenant à 6 000 suivant, s'il vous plaît, à 6 000. À 6 000, à 6 000, à 6 000, l'enchère maintenant à 6 000. C'est bien vu? À 6 000 euros, l'enchère maintenant à Laetitia. Plus voilà, Julien. À 6 000, fils anodin quand même. À 6 000 euros, c'est sûr. Pas de relève nulle part. À 6 000. Dernière fois, dernière chance, 7 000 euros maintenant à 7 000, Laetitia. À 7 000, 7 000, 7 000 enchères maintenant à 7 000, mettez vos enchères plus vite, s'il vous plaît. À 7 000 euros maintenant à 7 000, 7 000, fini là, à droite de l'enchère par Laetitia. À 7 000, dernière fois là, à 7 000, on est juge. Laetitia, merci beaucoup. Ah, c'est vendu à 7 000 euros le 26. Petit Angevin nous présente le numéro 27, Altea de Kelef, une pouliche noire. Maintenant, on va voir en action Altea de Kelef, une fille de Kelef et allergie par Alzao. Vendu sans TVA. Donc vendu sans TVA, présenté par l'écurie du Petit Angevin. C'est l'essai dans les deuxièmes dans les Zetland Stakes. En Angleterre, elle est sœur de la mère de Missit, qui était gagnante de Providencia. C'est-à-dire Benjamin Chauvel. Unis, deuxième de Rockfell Stakes, la famille. Pouliche qui avait beaucoup de gaz, en digne fille de Kelef. Donc c'est la famille de la reine de l'Angleterre avec la mère Stromberg. Et qu'on attend sur le ring. Oui. Elle est sœur de Hay Fever, trois victoires, 22 fois placée en Allemagne. Excellent suce maternel et elle galope cette pouliche. Pouliche énergique qui va bientôt venir. Alors elle est allée, elle va arriver. Elle est allée se promener un petit peu toute seule et elle revient. Elle arrive. Elle a montré une bonne fréquence au paddock là. Pouliche énergique. La voilà. La voilà, la Kelef. Altea de Kelef. Le numéro 27. Oui, c'est elle-même. Oui, oui, oui. C'est le sœur de Hay Fever. Trois victoires, 22 fois placée en Allemagne, mesdames et messieurs, de l'excellent suche. Mère Black Tide, deuxième des Zetland Stakes. Porte bleu, Scream Blue Murder, combien de temps ici pour débuter la. Le maire parle Zao. Kelef, le père de Blocade, Charlie M, Majestic Queen, Perko Little. Bon, Kelef, étalon archi confirmé, qui fait la monte au Haras des Faunes. Il avait commencé sa monte, sa carrière de course outre-Manche. Sa carrière d'étalon, pardon, outre-Manche. Et il est arrivé il y a 3 ans au Haras des Faunes. Il devait être vendu en Arabie Saoudite et finalement l'opération ne s'était pas déroulée. Donc il est arrivé au Haras des Faunes. Le choix n'était pas facile, mais Alain Chopard, il a su s'en aider. Perko Little, la sœur de Hay Fever, 3000. À 3000, à 3000, à 3000, nous sommes dans 3000. À 3000. La mère par Alzao, la grand-mère par cadeau généreux. Avec ça, à 3 000, nous sommes dans 3 000. À 3 000, suivant à 3 000. À 3 000, une seule enchère à 3 000. À 3 000, nous vendons pas d'erreur. Méfiez-vous à 3 000. À 3 000, à gauche, l'enchère maintenant à 3 000. À 3 000, c'est bien vu. À 3 000 euros, c'est sûr. À 3 000 euros, attention, mesdames et messieurs. 4 000, 4 000, 4 000 enchères. À 4 000, 4 000. Lancez-vous, Laetitia. 5 000, 5 000, la gauche, l'enchère maintenant à 5 000. Plus vous là-haut. À 5 000, à 5 000, à 5 000. Julien, à 5 000. À 5 000, à 5 000, à 5 000 enchères. Plus on trouve à droite là. Là-haut, là, Laurent, c'est plus haut. À 5 000, la gauche, l'enchère. En bas, à 5 000, à 5 000, à 5 000, nous sommes la mer par Alzao. À 5 000, placez les sud aussi en Angleterre. À 5 000, à 5 000, nous sommes maintenant à 5 000. À gauche, nous sommes finis là. À gauche, nous sommes. L'enchère, bon, Julien, à 5 000. On est juge. Julien, merci beaucoup. 5 000.
Présenté par l'écurie Yankreff, le numéro 28 est une pouliche alsane. Elle est née le 30. 5 000 euros pour Altea de Kelef. Alors on va passer à une fille de Dragon Pulse présentée par l'écurie Yankreff. Famille d'Agacan, une famille Azamour. La famille d'Azamour, on va la voir. On va la voir déjà refaire son canter. Elle est bien dessinée cette pouliche de Dragon Pulse. Par le père de Magical Fire, qui était deuxième du groupe 2, Duchess of Cambridgeshire Stakes, en Angleterre. I'll have another Soul Silver et beaucoup d'autres. Comme on est ici pour débuter, allons-y, 10 000, voulez-vous qu'il y a 10 000, donnez-moi 10 000 quelque part, 10 000, 5 000, à 5 000 euros, voulez-vous maintenant à 5 000, à 5 000, à 3 000, alors qu'il y a 3 000, à 3 000 la fille. À 3 000 l'enchère maintenant, à 3 000, j'en fois. À 3 000, à 3 000, à 3 000 l'enchère, à 3 000. La mairie gagne, ont-elle même pas m'a dit s'il y en a 3 000. À 3 000, à 3 000, nous sommes les deux. Oui, c'est la bonne famille de Azamour aussi, mesdames et messieurs. À 3 000 euros une salle. À 3 000, à 3 000, à 3 000, pressant quand même. À 3 000 euros, à 3 000. À 3 000, belle pouliche ici. À 3 000, elle est pas chère du tout, vraiment. À 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, l'enchère maintenant. 4 000, on se réveille. À 4 000 enchères. À 4 000 qui prend le relais maintenant. 4 000, à 4 000 à droite. À 4 000 pas chaque fois. À 4 000, nous sommes maintenant. À 4 000, à 4 000, c'est bien vu. À 5 000 enchères. À 5 000, nous sommes maintenant. À 5 000, easy action filly here. À 5 000 enchères. À 5 000, à 5 000, à 5 000 par Dragon Pulse qui ne cesse de faire des grands gagnantes. À 5 000, à 5 000, plein de. Voilà, 6 000 enchères maintenant, à 6 000, à 6 000, à 6 000, suis-je la gacan, ici à 6 000, à 6 000 enchères maintenant, à 6 000 à droite, à 6 000, à 6 000, à 6 000 enchères maintenant, à 6 000, c'est bien vu, à 6 000 euros, à 6 000 par jour, fois toujours maintenant, à 6 000, à 6 000 d'élections, suis-je la gacan ici, famille Azamour, à 6 000 euros l'enchère à droite, à 6 000, nous sommes maintenant, à 6 000, c'est bien vu, à 6 000, on peut la juger, à 6 000, on va juger alors à 6 000, finis là, à 6 000, on les juge, 6 000, merci Geoffroy, 6 000. L'écurie Yankreff nous présente maintenant le numéro 29, Santo Domingo, un mâle B né le 10 février. C'est un fils de Joshua Tree et Aroma Bella. Modèle plutôt classique, qui fait un solide travail. Très beau poulain ici. Qui ressemble beaucoup son grand-père. Bon jeu. Donc 6 000 euros pour la fille de Dragon Pulse. Donc on passe à Santo Domingo. Et pas King's Best. Yankreff, de nouveau. Combien de temps ici pour débuter 30 000 velours à 30 000, 30 000 beaux poulains ici. Il y avait beaucoup d'action, le fils de Joshua Tree, neveu de Very Nice Name. Bah, Joshua Tree et Very Nice Name sont désormais voisins de boxe puisqu'ils font la monte tous les deux au ras du Grand Courgeon, au Lion d'Angers. Tout beau poulain ici à 10 000, vraiment beau poulain ici à 10 000. Donc un poulain imposant comme son père Joshua Tree, comme son grand-père paternel Mongeu, le père de Joshua Tree. Monsieur là, non. Alors, non, oui, 5 000, merci, 5 000. À 5 000, à 5 000, à 5 000, enchaîne maintenant à 5 000. À 5 000, à 5 000, suivant, s'il vous plaît. À 5 000, beau poulain ici, à 5 000. À 5 000, le petit-fils ici de Mongeu, à 5 000. À 5 000, enchaîne maintenant à 5 000. À 5 000, son enchaîne maintenant à 5 000. Je chouetterie, ici, à 5 000. Qui a ses premiers 3 ans cette année. 5 000, enchaîne maintenant à 5 000. 7 000. Donc, la famille de Very Nice Name et Too Nice Name, c'est la souche de Vidéo Rock, donc la famille maternelle de Vidéo Rock, des Albata, Germinal, Best Name. À la table là, à 10 000, à 10 000, enchaîne maintenant, vous là, monsieur, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 15 000, 15 000, à 15 000, enchaîne maintenant, 15 000, 17 000, 17 000, 20 000, 20 000, 20 000, enchaîne 22, 22, enchaîne 22, 22, 22, 25, à 22, 22, enchaîne à gauche, à 22 000, à 20, vraiment beau poulain ici, à 22 000, à 22, 25, 25, modèle classique ici, à 25 000, à 25 000, petit vis de mon jeu ici, à 25 000, contre vous là, à 25 000, c'est plus vous, à 25 000, vous m'enchaînez maintenant, à 25 000, à 25 000, vous aimez bien quand même, 27, 27, enchaîne maintenant, à 27 000, à 27 000, 27 000, 27 000, beau modèle ici, 27 000. Faites pour les classiques, à 27 000. À 27, 27, 27 l'enchère. À 27 000, 27, 27, 30 000. 30 000 l'enchère maintenant, 30 000. À 30 000, à 30 000 l'enchère à droite ici, à 30 000. À 30 000 l'attitude ici, maintenant. Et donc, une enchère qui monte, hein. 32, 32 l'enchère. Une enchère qui monte, c'est vrai que c'est un chouette poulain. 32, un jeu chouetterie. À 32 000, à 32 000. Vraiment très beau poulain ici, à 32 000. À 32 000. Est-il soutenu par Alban de Mieul, le propriétaire du Grand Courgeon qui accueille Joshua Tree. Très, très dur en course ici, à Joshua Tree, à 32 000. À 3 fois vainqueur de Canadian Sex Group 1, à 32 000, à 32 000. Plus haut là, à gauche ici, à 32, 32, 33 kilomètres, comme c'est le kilomètre 5, si vous voulez. À 32 000, c'est pas facile à dire. À 32, plus haut là, Laurent, c'est contre vous. À 32 000, mon enchère à 32 000. À 32, 32, 30, 34. À 33, 33, à 33 000, comme on dit. À 33, aidez-moi là, monsieur. 33 000, 4, s'il vous plaît. 34, oui, bravo, merci. À 34 000. À 34, 34 000. Pour l'instant, le troisième top price de la vente.
On a eu 50, 47 et là 33 000 pour ce Santo Domingo, né le 10 février 2017. À 34 000, fini là, fini à droite, à 34 000, maître se lève à 34 000. Le cheval a effectivement été soutenu par Alban Domiol, mais ce n'est pas lui qui a l'enchère finale. 34 000, on a juge. Bertrand Lemaitier est associé, merci beaucoup mesdames et messieurs, là, 34 000. Le numéro 30 est présenté par l'écurie Prévost-Barras. Bertrand Lemaitier, pardon, BLM Bloodstock. Dès le 23 mars, Bertrand Lemaitier est associé. Il est ici à côté de David Salabi. Ici, mesdames et messieurs, très très course. D'une fille et de Jean-Marie Callier, Bertrand Lemaitier, qui achète le produit de Jeux Chouetterie, qui a donc dominé au jeu des enchères. Aujourd'hui et hier, combien veut-on ici 20 000 bleus par l'ex. Qui a dominé au jeu des enchères Alban Demiol. Golden Slipper qui a Michi, combien faut-on ici? Allons-y, 20 000, qui a 20 000, de l'heure 20 000, belle police ici à 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 5 000. Ici, on a Phosphen qui passe le numéro 30. À sa minute, les manœuvres s'élevaient à 5 000, 3 000, voulez-vous? À 3 000, à 3 000, à 3 000, mettez vos enchères à 3 000, belle police ici à 3 000, à 3 000, à 3 000, par l'excellent jeunesse. C'est Jean-Marie Callier finalement qui signe le bulletin à 34 000 euros. L'enchère à 3 000, à 3 000, les amendons à 3 000, à 3 000. Ce Joshua Tree, très beau cheval, c'est vrai. Précoce ici à 3 000. À gauche, 3 000, 4 000. Jean-Marie, tu peux nous en dire un petit peu plus? 2 minutes? D'accord, tu vas acheter le prochain, c'est ça? Oui, d'accord. Julien, je vous connais. Ah oui, vous le voulez mettre 10 000 maintenant, 8 000. 10 000, 10 000 enchaînement maintenant, 10 000, à 10 000. Oh, à 10 000, à 10 000, à 10 000, contre Julien maintenant. Donc l'écurie Prévost-Barras qui propose Phosphen. 15 000, à 15, 17, 17, l'enchaînement maintenant. Petite nièce d'Axos. 30 votre enchaînement maintenant, 17, 17, mais des 20. Fameux cheval de course allemand, Axos, gagnant de l'Oppenheim Union Rennen. Si, elle demande, elle précoce. Deuxième du Grand Prix de Paris. 17 000, vous le mettre 20, à 17 000 enchaînement, à 17, 18. La mère est par peintre célèbre. 18 000, à 18, 18, arrondissez au moins, s'il vous plaît, main. 20 000, 20 000 enchères. Alors, Jean-Marie, oui, explique-nous. Jean-Marie Callier, on est tous là en train de se demander les raisons qui ont poussé à acheter ce produit de Joshua Tree, un étalon en plein devenir, mais qu'on ne connaît pas encore bien. C'est vrai qu'on ne le connaît pas encore bien, mais j'ai trouvé le cheval très beau. Pour moi, j'étais plutôt venu regarder des chevaux à vocation course de plat précoce. Celui-là, pour moi, est plus à 3 ans, qui, pourquoi pas, pourrait sauter. Enfin, ça n'empêche pas d'être bon en plat, ce cheval, mais je le vois plutôt... Je pense que c'est un cheval qu'on va castrer, certainement, et puis faire un plutôt pour l'obstacle, le reconvertir là-bas. C'est la famille de Vidéroc aussi, hein, qui était un fameux producteur en obstacle. Bah oui, c'est Vidéroc, c'est un voisin, hein, donc on retourne toujours à ses origines. Au numéro. Mais non, voilà, le cheval était très beau. Le canter n'était pas hyper démonstratif, mais bon, pour son truc, il est beaucoup de qualité. Joshua Tree, je pense que ça va être intéressant pour le commerce. Bonjour. Donc voilà, c'est un cheval qu'on va faire avec une association assez sympathique et il va rejoindre l'entraînement de Sylvain Dehaez. Très bien, merci beaucoup, merci. Merci Jean-Marie. Eh ben voilà, on vient aux Arus, au Brise-Up pour acheter des chevaux d'obstacle. Tout arrive. Benjamin, le père de Bramto, la famille d'Avenue Marceau, Square Marceau, bon pédigré ici, chic pouliche, grande pouliche ici, belle propre. Ah, combien débutons les enchères ici? Allez-y, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000 euros qui débutent, 10 000 euros, 5, 5 pour aller vite. Rajaman, 5 000 euros, à 5 000 euros qui débutent. Il fait plusieurs gagnants en ce moment, Rajaman, 5 000, 3 à 3 qui débutent, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, le père de Bramto, à 3 000 euros, à 3 000 euros, merci à gauche, à 3 000, c'est pour vous, à 3 000, à 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000 euros qui débutent. 4 000, Geoffroy, 4 000, 4 000, 5 si vous voulez, c'est la même, oui. À 4 000 euros, j'ai l'enchère de 4 000. Receive Philly here, à 4 000 euros, 4 000 only, à 4 000 euros, à 4 000 euros, 5 si vous voulez, 4 000, 4 000 euros. Le père d'Olympico, Prince Holding, à 4 000 euros seulement, 4 000, 4 000 euros, à 4 000 euros, le père de Bramto, Poule DC, Jockey Club, 5 000, à 5 000 euros, la famille d'Avenue Marceau. 6, 6, welcome Millennium, Pinson, à 6 000 euros, maintenant j'ai 6 000 euros, 6 000, 6 000 euros, 6 000 euros à droite, Geoffroy, 6 000 euros, puis vous à gauche. À 6 000 euros l'enchère, 6 000 only, à 6 000 euros, Rajaman Philly now, à 6 000 euros, c'est bien vu, à 6 000 euros, 6 000, 6 000 euros, Good Worker Philly, nice pedigree, à 6 000 euros, pas d'erreur, l'enchère à droite, plus rien à gauche, rien en face, à 6 000 euros. Alors la Rajaman est actuellement en tête des étalons en termes de nombre de vainqueurs, victoires, depuis le début de l'année. Il fait énormément de vainqueurs. Présenté par l'écurie. 6 000 euros, d'accord. On va passer au 33, Banderille. Ah, une Olympique Glory qui a gagné hier son premier groupe avec Watch Me. Allez, on la voit galoper. Watch Me qui vient gagner le groupe 3 à la Prudence, la fille d'Olympique Glory.
déjà 6 black type, gagnant de liste et maintenant gagnant de groupe 3 avec ses premiers 3 ans. La petite fille de Red Ronson, la famille de Buenos Dias, Mayan Power, Matat of Honor. Ah, quand il y a un débutant ici, la fille d'Olympic Glory. 10 000 euros, Chic Pulis ici à 10 000. Bonne réussite avec ses femelles Olympic Glory en début d'année. 10 000 euros. À 10 000 euros, qui débute 10 000 euros, 15, 10 000 euros, 8, 5, 5 000 alors. 5 000 euros. 5 000 euros qui débute Olympic Glory, Watch Me, 5 000 euros. Fosséenne qui a gagné la listed aussi. 5 000 euros, 3 qui débute 3, 3 000. 3 000 euros qui débute 3, j'ai en face de moi 3 000, 4. On y revient maintenant, Laurence à 4 000 restaurant. 4000 maintenant, les 4 000, 5 qui m'appellent. À 4, 5, 5 000 euros. En bas, 6, 5 000, 5 000. À 5 000 euros, j'ai vu 5 000. À 5 000 euros qui débute enchères de 6 000, 6 000, 6 000, j'ai 6 000. À 6 000 euros, c'est la même. À 6 000 euros, 6, 8, 10, 8, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, j'ai 12, 12, 10 000 euros, 10 000 euros. 10 000 Olympic Glory à 10 000 euros, 12 Fresh Beater now 12 000, à 15, j'aimerais en 15 000 euros, Watch Me, Fosséenne, Grand Glory à 15 000 euros, 17 000, maintenant 20 000, we got now 20 000, à 20 000 euros, j'aimerais en 20 000 euros, Menos Diaz à 20 000 euros, Time for War à 20 000 euros, j'aimerais en 20 000 euros, Olympic Glory à 20 000 euros, à 20 000 euros, 22 000 euros, maintenant 22 000 euros, à 22 000 euros, les enchères à 22 000, 25 si vous voulez. Allez, Olympic Glory, bah là, Olympic Glory, c'est le bon moment. Avec vous, donc gagnant, perd de son première gagnante du groupe Olympic Glory hier dans le prix Prudence, Watch Me, Olympic Glory, les talons du haras de Boucto. 22 000 euros qui fait les gagnants de ses 3 ans. Qui nous présente ici donc sa deuxième génération de 2 ans. La mère est par Red Ransom. Laurence, Laetitia, à 22 000 euros, on a du jeu. La famille de Might and Power et de Beauty Parlour, Might and Power, Melbourne Cup. 34 qui est présenté par le haras. Et Beauty Parlour. Ou Nikita. Poule d'essai des Pouliches. Pouliches B foncé. Elle est née le 11 mars, une fille de Penny's Picnic et Beauchamp and Burr. Penny's Picnic, le père de Mr. Picnic, placé de groupe 3, Ilanga, La Pergola, Galan Listed, Goto Bollywood, El Patron et bien d'autres. La famille de Pain Perdu devant vous, Aquamarine ici à Morani. À combien débutons les enchères pour la fille de Penny's Picnic ici, qui est bien faite en 2 ans. 3-year-old Racy Philly here. Allez-y, allez-y, 10 000 qui débute 10 000 euros, 5 000 euros. À 5 000 euros qui débute, à 5 000 euros, 5 000 euros. Racy Philly here, Penny's Picnic. 3 000, j'ai maintenant 3 000 euros. À 3 000 euros, 3000, we are now. À 3 000 euros qui continue les enchères, à 3 000 euros par le père de Mr. Picnic. À 3 000 euros, 3 000 euros. Alors, 3 000, Nikita Tsorizi désormais, le numéro 34, présenté par le haras de Saint-Arnoux. 3 000 euros, la famille de Pain Perdu. Une fille de Penny's Picnic. Ah, la famille de Pain Perdu. Oui, Pain Perdu, troisième du Jockey Club. Grande famille Yunmont derrière, puisque c'est la famille de Infragreen, gagnante du Ganet. Bon, ça remonte un peu, qui avait fait Infrasonic et écologiste, et Toulon, gagnant du Saint-Léger pour chez Fabre Toulon. Gagnant du Saint-Léger, c'est le dernier gagnant français du Saint-Léger, je pense. J'ai l'enchère de 4 000, essayez 5 Geoffroy, j'ai 4 000. Bon, t'es pas Tédry. 4 000 euros l'enchère à 4 000, les 5, on est maintenant. Ça a mis aussi de Royal Dolois, gagnant du Grand Prix du Nord. 5 000 euros, essayez 6 tout de suite à 5 000. À 5 000 euros pour aller à 6, si vous voulez. À 5 000 euros, 6, merci, j'ai maintenant 6 000 euros. À la tribune à 6 000, 6 000 euros, Geoffroy, que fait-on à 8, si vous voulez. À 6 000 euros, l'enchère est avec nous en face. À 6 000 euros, 6 000, we are Penny's Picnic. À 2-year-old call here, à Philly, pardon. À 6 000 euros, c'est bien vu. Le marteau peut se lever. 7 000, on est à 7 000 euros. Fini en face. À 7 000, c'est à droite avec Geoffroy. À 7 000. 7 000 euros, bien vu. L'enchère à 7 000. À 7 000 euros, l'enchère est à droite de moi. Fini en face. 7 000 euros. 8. Geoffroy, que fait-on? J'ai 8 000. On essaye 10. À 8 000 euros, l'enchère est en face de nous à la tribune à 8 000. À 8 000 euros, la famille Larani à 8 000. Voilà Dolois à 8 000 euros. Green Creef à 8 000 euros. L'enchère en face de moi, pas d'erreur. Fini à droite à 8 000 euros. On a du jeu à 8 000. Monsieur Didier Guillemin, merci beaucoup. Ah, Didier Guillemin. Ah, le fameux Didier Guillemin. Fameux entraîneur de 2 ans, fameux entraîneur d'anglo, fameux entraîneur d'obstacles, fameux entraîneur de tout. En fait, Didier Guillemin, c'est le, je pense, c'est l'entraîneur le plus éclectique de France. Qu'il est vendu. Il arrive à atteindre le meilleur niveau, parce qu'il entraîne aussi des Arabes, d'ailleurs, des puissants Arabes. Il arrive à atteindre le meilleur niveau dans tous les domaines. Il a gagné de bonnes épreuves à Auteuil, il a gagné la poule d'essai des poulains
des poulains, oui, avec Tinors. Bon père de. Il a gagné les groupes 1 en pur sang arabe. Il a quasiment les meilleurs anglos depuis, en plat depuis de nombreuses années. Et Didier Guimin qui a repéré cette Nikita de Cerisy. Et Didier Guimin qui est l'un des champions pour les premiers deux ans. Rajaman. Alors maintenant, Raj Saman, avec un poulain qui a fait un super boulot. Le poulain de Pascal Beyer hier, Raj Saman et Bayno Town. Raj Saman est en train de remonter dans les cœurs. Il était descendu dans les cœurs et il est en train de remonter dans les cœurs parce qu'il ferait beaucoup de gagnants quand même. Bon, ça reste le recordeur historique avec 219 juments saillis il y a 3 ans. Donc il a beaucoup de produits à courir, mais de très nombreux vainqueurs au point où il est donc leader des étalons français. Au registre du nombre de victoires cette année. Raj Saman et Bayno Town. C'est donc le frère de Out of Town, l'un des meilleurs produits de Kentucky Dynamite. Pardon. Deuxième du prix Rose de mai et une pouliche qui était à l'arrivée du derby du Languedoc. Deuxième du derby du Languedoc face au mal. C'est la famille de Germans. Hein. Germans, c'était super Germans. Hein. Le Saint-Alary hein, pour Jean-Claude Rouget. Deuxième du Diane. La grande souche du Mézeray, hein, d'où actuellement on a McTal dans cette famille-là. Si on remonte plus loin, il y a même des champions internationaux tels White Muzzle, Laetitia pour vous et contre vous, Almuta Wekel. Le Fédéral Jamen Merosorais à 6000. À 6000 euros, c'est bien vu, à 6000. À 6000 euros, l'enchère était là en face de moi, à 6000. À 6000 euros pour vous, Laetitia, votre enchère, le marteau pouce levé. Rien à gauche ni à droite, en face de moi avec Laetitia, rien au restaurant. À 6000 euros, bien vu, Merosorais Rajaman, le père de Bramto, à 6000 euros. On adjuge. Laetitia, 6 000, merci. Ça, c'est pas cher du tout, 6 000 euros. 36 est absent, nous passons au numéro. Pas de 36. On arrive au 37. Il s'agit d'un plat noir né le 11 février. Très bien, ça. Wooten Bassett. Très, très bien, ça. Wooten Bassett et Brianka. On en attend beaucoup de ce Wooten Bassett. Magnifique poulain de Wooten Bassett qui a fait un excellent travail hier, comme vous pouvez le constater sur ces images. Confirmé, Wooten Bassett ici avec une mère Anama Blue. Ça va monter. Gagnant d'ailleurs à 3 ans et qui a plus de 10 000 euros de gains. La finie de Baran. Ça va monter, celle-là. La mère gagnante, Parana Bablou. La mère de Baran qui a gagné la force. Troisième du Jockey Club. Bon, du pédigré, du black tie, pas tous les étages, évidemment. Père, à combien débute-t-on ici les enchères? Allez-y, 20 000, 20 000 qui débute, 20 000, 20 000, 20 000 euros qui m'appellent. Wooten Bassett, 20 000 euros. À 20 000 euros, 20 000 euros. Le père de The Black Album, à 20 000 euros, un milliard. À 20 000 euros qui débute, 15 15 000 euros qui m'appellent. À 10 000, 10 000 euros. Alors 10 000, 10 000 euros qui prend l'enchère de 10 000, 10 000, 10 000 euros. Qui m'appelle? On va y revenir. Who's calling me for 10,000 only? À 10 000 euros, Wooten Bassett, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros. 5, 5 pour aller vite alors. On débute très bas. 5 000 euros, mais ça va pas rester là. 5 000, j'ai maintenant 5 000. 5, 6, on vient avec vous au restaurant, 6 000. À 6 000 euros, l'enchère de 6 000 euros, j'ai maintenant 6 000, 6 000 euros. À 6 000 euros, 6 000. À 6 000 euros, 6 000 euros, 6 000. 6 000 euros, 6 000 euros, qui continue, 8 000, 8 000, on y est. À 8 000 euros, l'enchère de 8 000, à 8 000, 10, 10, maintenant 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros pour aller à 12, à 10 000. À 10 000 euros, par l'excellent de Merlin Bablou, 12, 15, 15 000, 15 000. À 15 000 euros, l'enchère de 15 000, 15 000, 20, 20, 18 000, 18 000 euros, l'enchère 18 000. À 18 000 euros seulement, 18 000. À 18 000 euros, 18 000 euros, 20 000, on y vient, à 20 000, maintenant j'ai 20 000. À 20 000 euros, l'enchère pour vous, Geoffroy, à 20 000. 20 000 euros. À 20 000 euros, l'enchère est avec vous. Benoît. Geoffroy, pardon. À 20 000. À 20 000 euros, que fait-on au restaurant? Ou alors à 20 000 euros, 20,000. Fresh Builder, 22 now. À 22 000 euros, maintenant 22 000. J'ai 22 000, 22 000. 22 000 euros, 25 000. 25. À 25 000 euros, l'enchère de 25 000. 25 000, 25 000. J'ai maintenant 25 000 en haut à droite. À 25 000 euros, 28 000. J'ai maintenant 28 000 euros, maintenant 28,000. We are. À 28 000 euros, j'ai maintenant 20. Wooten Bassett, 28 000 euros. The Black Album, 28 000 euros. Almanzor, gagne en groupe 1, 28 000. À 28 000 euros, j'ai maintenant 30, si vous voulez. À 28 000 euros, c'est bien vu, 28 000 euros. Laurence, que fait-on? J'ai 28 000 euros. Ça monte, voilà, ça monte. Je crois 30 000, fresh bidder 30 000. Je vous rappelle que pour l'instant, le top price est à 50 000 euros. 32 000 euros, 5. Le deuxième top price à 47. Je pense qu'on est capable d'atteindre les mêmes gammes avec ce fils de Wooten Bassett. 5, si vous voulez. À 32 000 euros, Laetitia, votre enchère en face de moi. À moins que ça ne 32 000 euros, plus vous, Laurence, se tasse égal ici. 35. Non, ça continue. 35 000. Laetitia, que fait-on? 40. 37 000. 37. 37. 37 000 pour aller à 40. Chiffre rond, Geoffroy, faites-le tout de suite. À 37. 37 000. Nicolas de Vatrigan avec Simone Brogi. Très, très bon poulain, fils de Wooten Bassett.
à 42 000. Qui, de l'autre côté de la tribune, j'ai pas pu voir qui c'était. Une marche à 41 000. À 41 000, très bon poulain par Wouton Bassett. Le fil. 42 000. 42 000, j'ai. Geoffroy, votre enchère, 42 000. 45. 43, excusez-moi, 43. 43 000 alors. 43 000, que fait-on ? Geoffroy, essayez 45. Geoffroy, que fait-on ? 5, 45 000. Attention, on approche du top price. Très, très chic poulain, Wouton Bassett qui confie. 45 000. Pour l'instant, il est troisième du top du classement. 48 000. 50. 48 000 euros, j'ai l'enchère maintenant. 50. 50 000, merci. 50. Ça y est, on est au niveau du cut-off price. 50 000 euros, l'enchère est à droite, à 50 000 euros, le marteau va se... Et je crois que... Il est en face. Ça va être bon. Pardon. J'ai une carte. 50 000 euros, à vous à droite, Geoffroy, à votre enchère. Ça va être bon pour Nicolas Vatrigan. Bon, le juge. Mandeur Agency, merci beaucoup. Le numéro et c'est bon. Est présenté par Pascal Beyer. Il s'agit d'un Malalzan né le 14 mars. Par à 50 000 euros tout rond, c'est Mandor Agency, Nicolas de Vatrigan. Le fils de Rio de... Qui s'est fait adjuger le cheval. Il était en compagnie de... La famille Literato ici. De l'entraîneur Simone Broggi. Il se présente devant vous. Et on va aller les voir, bien sûr. Faire de Greens, placé de groupe 1. Tourny, Rio de la Plata, le père Slave of Del Rio, Thaïs, à combien les butons ici, les enchères, les 10 000. On va aller les voir, ainsi que le vendeur. On va commencer par le vendeur, tiens, on va jamais les voir, les vendeurs. Yann, on se connaît depuis au moins 20 ans, à peu près, et ça fait vraiment plaisir de te voir signer vendre un cut off price, c'est un long travail, j'imagine, Yann Kreff. Oui, tout à fait. Non, vraiment très content parce que c'est un poulain qui nous a toujours plu et qui on pense qu'il y a un petit peu de classe, qu'il y a beaucoup de chic et qui est venu avec le travail. Donc c'est sympa pour toute l'équipe, pour le travail qui a été fait. Rappelle-nous, où est-ce que tu es installé ? 3000. On est installé à Mont-de-Marsan. Et pourtant, tu n'es pas d'origine du Sud-Ouest ? Non, tout à fait. Un petit breton. Un petit breton qui a fait ses classes au Mézeray, en Normandie. Comment tu repères les chevaux que tu vas présenter ? Parce que là, t'en as un bon lot. Comment tu les repères ? En général, ce sont les éleveurs ou les propriétaires qui font appel à nous. Et, 3 000 euros. On n'est pas vraiment dans le pinoking. On a beaucoup de gens qui nous connaissent maintenant depuis le Sud-Ouest. Qui fait de rail ici. Tous les gens nous font confiance. À 3 000 euros. Et puis, écoutez, les résultats sont plutôt satisfaisants. Donc, 3 000 euros. Ça s'améliore. Merci Yann. Bravo. Et bonne suite. Il y en a encore. On a juge. 3 000, Geoffroy, merci. Les numéros 39 et 40 sont absents. Nous passons au numéro 41, présenté par Yann Kreff. Il s'agit d'un Malbé né le 9 février par Le Havre et Changeable. Alors, Simone Broggi, après le vendeur, on va parler avec l'acheteur. Simone Broggi, un vendeur. Oui, mais tiens, non, on va parler à l'entraîneur. Nicolas, on le voit souvent, t'inquiète pas. On va parler à l'entraîneur. Donc, le cheval est pré-entraîné sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Et donc, il ne va pas faire beaucoup de voyages parce qu'il va arriver sur l'hippodrome de Pau. Pourquoi, avec Nicolas de Mandor Agency, Simone, puisque tu étais juste à côté, pourquoi vous avez choisi ce poulain qui a fait 50 000, le Wouton Bassett ? Grande victoire pour c'est un des poulains qu'on préférait de la vente. 9 à combien des bulletons ici, les enchères 30 000 qui débutent le Havre, 30 000 euros qui débutent à 30 000. Sûrement, il va pas 20 000 courir très très vite. Il y a eu un poulain pour septembre-octobre, mais il nous plaisait bien. Voilà. Alors, je vais poser une question peut-être un peu bête. Quel est l'intérêt de venir voir des brise-up, donc des chevaux normalement qui sont bien avancés, pour ne pas les courir rapidement? 10 000 euros, 5. J'aime pas acheter des chevaux pour courir rapidement dans des brise-up. On l'enchère à 6 000. Chaque cheval que j'achète. 8 000 euros, l'enchère de 8 000 à 8 000. Septembre-octobre, j'aime bien voir leur action, leur attitude. Mais on vient pas ici pour chercher des chevaux à courir après-demain. Alors qu'est-ce que tu viens chercher? Donc c'est vraiment pour les voir évoluer, pour les juger plus facilement, ces chevaux-là, que tu viens les voir au brise-up? 10 000. On regarde les physiques. 10 000 euros, 12 si vous voulez. C'est votre enchère, je crois, à 10 000. Parce que, voilà, à 10 000 euros, 12, merci. À 12 000, mon enchère à la tribune. À 12 000 euros, maintenant. Quelque chose en plus. Le Havre, la crèche, à dire certains, 12 000. C'est à nous de faire le travail à la maison. 12 000, mon enchère à la tribune, à 12 000. On achète avec quelques infos en plus. Seulement fini. Merci, Simone, bon courage et bonne chance avec ce poulain.
15 000, merci à gauche, Fresh Bidder, 15 000 euros. À 15 000 euros, l'enchère de 15 000, j'ai maintenant le plus vous Geoffroy. À 15 000 euros, 18, j'ai maintenant mon enchère à la tribune à 18 000. 18 000 euros, l'enchère à 18 000, 18 000 euros, c'est moi à 18 000. À 18 000 euros, 20 si vous les voulez. À 18 000 euros, à 18 000 euros, 18 000 euros, 18 000 euros, 18 000. À 18 000 euros, 18 000. Mon enchère, 20, 20,000 we are, à 20 000 euros pour le fils de Le Havre, on se réveille, à 20 000 euros, à 20 000 euros, un Le Havre à 20 000, à 20 000 euros, quelle opportunité, à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000. Alors le 41 pendant l'interview. À gauche, 20 000, 20 000, 20,000, fini à droite, 22. J'ai 22, que fait-on à gauche? Ah bah oui, Le Havre, Le Havre qui fait feu de tout bois en ce moment. Hein. Il a eu une année 2018 assez calme et puis... 25 000. Et puis alors, après le calme, la tempête, 25 000, j'ai mal en Le Havre, la puisque là, cette année, il y en a partout, partout, partout. La gagnante du Vento, il y a eu la bonne jugement une année prometteuse. Comment, au Japon, une gagnante de groupe aussi, bah, Rimska, bien sûr, 25 000. Aux États-Unis. 1 000 euros finis en face. Et les 3 ans, enfin, il y en a dans tous les pays, là, il y en a partout. La semaine dernière, il a battu son record personnel, il a fait 8 gagnants dans la semaine, dont un gagnant de groupe. Cool. On a du jus. Mais c'est une bonne opportunité, oui. 25 000 euros pour un Le Havre, beau cheval, présenté par Yann Kreff. 42 est présenté par le Haras du Sauboisse, Night of Love, Poulish B. Alors maintenant, on passe au numéro 42. Et Ciao My Love. Night of Love, présenté par le Haras de Sauboisse, Paul Basquin. Une fille de Anodin. Et c'est la sœur de Hello My Love. Souche allemande, celle de Lord of England, Lirung, Lac Goodness, Lomitas aussi, Lady Marianne, qui se présente lauréate du prix de l'opéra, à la fille de la famille de Lavirco. Beaucoup d'étalons dans cette famille. La famille de Lord of England, Loriango, bonne famille allemande derrière, pardon. Le père Anodor de Armlaise, Azandi, qui est même sœur de Black Type ici, Anodin. Étalons à la mode ici, à combien débutons les enchères? Très très belle pouliche, allez-y, 20 000 qui débute 20 000, Recife Philly here Anodin, à 20 000 euros qui débute 20, 20, 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros qui débute 20, 20, 15 000, 15 000 euros, à 15 000 euros qui débute les enchères de 15 000, 15, j'ai en face Laetitia 15 000, à 15 000 euros l'enchère de 15 000, 20, 20, on y est maintenant 20 000, à 15 000 euros, 20 000, 20 000 euros, à 20 000 euros, 20 000 euros, 20, 20, 25 000, 25 000. Allez, c'est parti pour Night of Love, Anodin. 25 000, 25 000. Ben, c'est parti, et très bien parti, hein, parce qu'on est déjà à 20, 30, oh là, bah 30, 35. 35 000, 35 000 euros, j'ai maintenant 35 000. 30. Le frère, la sœur de Hello My Love. À 40 000, 40 000. Deuxième du prix Daniel Wodenstein, hein, Hello My Love. 40 000. Gros, gros papier allemand, donc un papier d'étalon, même si elle c'est une jument, mais un papier d'étalon. De 40, 50. Lagunas, Lord of England, Lirung, Lavirco, Lomitas, le père de Dendrim, gagnant d'arc. 55 000, le top price, mes amis. Le top price, qui est en train d'exploser, le top price même, 50, 60. 65, si vous voulez. 65. Alors, on s'enflamme, on s'enflamme. À 62 000 euros, l'enchère de 62 000 euros, Geoffroy, 62 000. Je vous rappelle que tout à l'heure, il y avait un cheval qui a été adjugé 80 000 à Sioni, mais c'était un rachat. 65 000, 65 000, à 70 000 au Fresh Bidder, maintenant 65 000, 70 000, à 75 000. 75 000, à 75 000 euros, 78 000, 80 000, 80 000, la sœur de Hello My Love, 80 000, à 80 000, 80 000, 85 000. 85 pour aller à 90, 85 pour aller à 90. Oula, on en est à 85, 90, est-ce qu'on va atteindre les 100 000 ? À 90 000 euros pour aller à 100. À 90 000 euros, l'enchère est ici avec vous, Geoffroy, à 90 000. À 90 000 euros, le marteau se lève. À 90 000 euros, merci. À 90 000 euros, c'est bien vu, qui m'appelle pour 100 ? 95. À 90 000 euros, c'est vous. Geoffroy, votre enchère pour la fille Anodin à 90 000 euros. Chic Police ici, la sœur de Hello My Love à 90 000 euros. Fini en face, rien à gauche. Votre enchère Geoffroy à 90 000. On la juge. 90 000, Geoffroy, merci. Le numéro 43 est présenté par l'écurie La Freinée, Sagabi, Pouliche B foncé, né le 19 février par Dragon Dancer et Circus B. 90 000 euros. La Smose. La fille de Dragon Dancer ici, Mère Cape Cross, très bon père de Mère Cape Cross, le père de Mère d'Australia, de Concessus, John Charles Strauss, le père de Mère de Lawrence aussi. Bonne famille ici, la famille de Oiseaux Rares.
Yann Bravo, à combien débute-t-on ici? Allez, 6, 5 000, qui débute une chic pouliche très gazée comme ça, très 2 ans, 10 000, allez, 10 000, 10 000 euros, 5 000, 3 000 pour aller vite à 3 000, 3 000 euros qui débute de l'enchère de 3 000 à 3 000. Qui m'appelle? 3 000 et c'est Christophe Ferland qui va signer le bulletin à 90 000 euros. Julien, votre enchère. Le top price. Que fait-on? Ah, 3 000 euros seulement, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 4 000. Tandis que le 43, lui, tire beaucoup moins d'enchères, parce qu'on en est à 3 000 euros seulement. Elle avait fait un très bon canter pourtant hier. Et donc Christophe Ferland, qui a juste fait quelques pas, puisqu'il est installé ici à la test. Bravo Christophe, félicitations, donc le local de l'étape. Qu'est-ce qui t'a plu chez Night of Love? 90 000 euros quand même. Ouais, 90 000 euros, bah, écoute, c'est une bonne pouliche. J'ai bien aimé la façon de se déplacer, les beaux points de force, pedigree correct, non, c'est sympa. Voilà, j'ai acheté ça pour Didier Crin qui manage l'écurie Vivaldi, voilà, on est super content. On va essayer de faire un truc bien pour Didier et tout son groupe de propriétaires. Dont le fameux Bruce Toussaint, le présentateur célèbre, qui est donc copropriétaire désormais de cette Night of Love. Alors. Voilà, il est copropriétaire au sein de l'écurie Vivaldi et voilà, et je trouve que Didier est un homme remarquable qui sait faire les choses pour ces groupes de propriétaires et voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble et je suis ravi d'avoir pu acquérir cette pouliche pour lui. Merci beaucoup, merci Christophe. Donc voilà, vous l'avez appris. Bruce Toussaint, copropriétaire du Top Price. Ah bah ça c'est bien, c'est people. C'est people, c'est bon pour les affaires, au sein de l'écurie Vivaldi. Les yeux qu'elle vous fait à 10 000, à 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 5, 5, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 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 qui m'appelle, 5 000, 5 000 euros, pouliche de l'Oman, 5 000 en face de moi au restaurant. Donc voilà, au sein de l'écurie Vivaldi, donc dites... 000 euros. Didier Crenc. Qui continue les enchères à 5 000 euros avec un regard comme ça, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 6 000. Ah oui, alors juste avant de finir l'histoire, regardez ce 44 Blue Eyes. Il s'appelle Blue Eyes tout simplement parce qu'il a les yeux bleus, c'est une rareté. Laetitia, on vient avec vous les enchères à 5 000. Il a les deux yeux bleus, c'est très très particulier. À 7 000 euros l'enchère de 7 000. C'est très très spécial. À 7 000, à 7 000 euros de Mercier Black Type qui a produit Story City. Ici à 7 000 euros. Vous allez voir, si on fait un plan serré sur ses yeux, ah, c'est fait. Il a les deux yeux bleus, c'est très surprenant, les deux yeux, dis-donc. À 8 000 euros, 8 000, 8 000 euros, 10, 10, on y revient à 10 000. 10 000, qui m'a appelé? Merci Laetitia, à 10 000. 10,000, we are. À 10 000 euros, mélangés, on est en 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros. L'Oman est allongé, confirmé, qui est revenu sur notre territoire à 10 000, à 10 000 euros. Et donc, il s'appelle Blue Eyes, il a 10 000 euros. 10 000, à 12 000 euros. Mais il est bien né, hein, la mère Coimbra a gagné le Critérium de l'Ouest. Pour aller à 12. À 11 000, 11,000 we are. À 11 000 euros, j'ai maintenant 11 000 en face au restaurant. Excellente course de 2 ans dotée du label Listed à Deauville. À 11 000 euros, à 11 000. Descendance de Comtesse de Loire. De mer aussi, il faut le noter ça. Et donc je vous rappelle que le top price à 90 000 euros va aller chez Christophe Ferland, entraîneur de la test. C'est rare, tout ce qui est rare doit être. Acheté par Christophe Ferland pour le compte de Didier Crenc. À 11 000, à 11 000 euros. Pour le compte de Didier Crenc. En tant que dirigeant de l'écurie Vivaldi. Vivaldi qui est propriétaire de Pizzicato, qui vient de gagner une listode et qui va courir 12 000 euros pardon, dans 11 jours, dans 10 jours, à Lingfield, devant les caméras de Francir d'ailleurs. Et au sein de l'écurie de Vivaldi, eh bien, il y a un présentateur vedette de la télé et de la radio, Bruce Toussaint. Laurence, tout ce travail pour le laisser partir à 4 000. Bruce Toussaint. Merci. Pour aller à 20, 18,000 we are, à 18 000 euros, à 18 000 euros, Blue Eyes, fille de l'Oman, à 18 000 euros seulement, 20, à 18 000 euros seulement, 20, à 18 000 euros, 20, 20, 20, 18. Laurence, cher à 18, c'est bien vu, à gauche, fini Geoffroy, je vous entends plus, à 18 000 euros, le bateau peut se lever alors, à 18 000 euros, last chance, 18,000 we are, à 18 000 euros, on la juge. Laurence, 18 000, merci. Le numéro 45 est absent. Nous passons au numéro 46, présenté par l'écurie Yann Kreff. Il s'agit d'une pouliche B le 11 février par Wooten Bassett et Cracovia. A noter que dans la deuxième mer, Cracovie est la mère de Rosé Or, qui compte 2 victoires et 3 places en 6 sorties à 2 et 3 ans. Elle est vendue sans TVA. Alors, Wooten Bassett. On va retrouver un beau Wooten Bassett.
une belle Wooton Bassett. Wooton Bassett et Cracovia, très belle origine à la base du Mézeray, puisque c'est la descendance de Lutte de Saron. Bref, et vous avez... La mère Cracovia par Delamy est une sœur de Coquerelle, gagnante de groupe 1 dans le Saint-Alary, et de Springmaster qui avait remporté, lui, le prix du Lys sur 2400 mètres à Chantilly. Famille de Trampoli, roi normand, enfin bon, plein de bons chevaux. La mère Cracovia avait gagné elle-même, à Nîmes. Les enchères, la mère est gagnante elle-même. Elle a mère de 6 produits en âge de courir. Mézeray, Moussac, je pas de vainqueur pour l'instant. Combien pour débuter les enchères? La fille de Wooton Bassett qui s'est très bien présentée en piste hier. Voulez-vous 20 000 euros, voulez-vous 20 000, 20, 15 000. Et une pouliche qui a fait un bon canter, c'est vrai. Et 10 000, voulez-vous 10, là, Wooton Bassett à 10 000, 8, 5, 5 000 pour débuter, bas les enchères, allons-y, 5 000. À 5 000 euros, la fille de Wooton Bassett, 5 000, là-haut, mon enchère, 5 000. Laetitia, là-haut, l'enchère à 5 000, 5 000. À 5 000 euros, qui couvre l'enchère de 5 000 seulement, Wooton Bassett, à 5 000 euros, 5 000. Bien présenté hier, la mère... Sœur de gagnante de groupe 1, 5 000, mettez vos enchères s'il vous plaît, 5 000. 5 000 euros, c'est mon enchère, Laetitia Pao, 7 000 maintenant, Julien, 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000, 10 000, 10 000, là-haut l'enchère à 10 000, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros, Wooton Bassett, 10 000 euros. 10 000 euros, mon enchère là-haut, par vous, Laetitia, toujours à 10 000, à 10 000. À 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 10 000, elle vaut mieux cette pouliche, la fille de Wooton Bassett, à 10 000 euros. 12 000 euros, 12, 15, 15 000. 15 000 à gauche, l'enchère. À 15 000 euros, contre vous, Geoffroy. 18, 18, de nouveau chez vous. Laetitia, faut mettre 20. Qui met 20? À 18 000 euros, qui couvre l'enchère de 18 000. À 18 000 euros, mettez 20 à droite si vous voulez. À 18. À 18 000 euros. Qui couvre l'enchère. 18 000. À 18 000 euros pour aller à 20, c'est contre vous. Laetitia, c'est vous? À 18, là-haut, pas d'erreur. 18 000, 20 000. Allez, ça y est, on a cru qu'on n'allait pas atteindre 20 000. Si, ça y est, c'est fait. 20 000. 20 000. Fiche de Wooton Bassett, 22 000, 22 000, 22 000. Laetitia, de nouveau chez vous, l'enchère à 22. 2 à 22 000 euros pour aller à 5, si vous voulez, 22. 22 000 à 22 000. Là-haut, l'enchère, pas d'erreur, à 22. 2 à 22 000 euros qui couvre. Notre trio Nicolas de Vatrigan, qui a l'air très, très intéressé par cette fille de Wooton Bassett. Le poulain est passé, il est vendu. Vous avez... cette pouliche après. Voilà, deux Wooton Bassett au catalogue. Le poulain, il est déjà passé. Il reste cette pouliche. Pas trois, il y en a deux. 22 000. À 22 000 euros, la fille de Wooton Bassett. Qui prend le relais? 2 à 22 000. C'est toujours chez vous? Laetitia, pas d'erreur. 22. 22 000. À 22 000 euros, messieurs, à gauche, à droite, pardon, contre vous. Que fait-on? On peut la juger. On met 25 si vous voulez. À 22 000 euros, le marteau se lève. Pas de regret. Geoffroy. Merci de votre aide. À 22 000, rien ici. L'enchère est là-haut. Pas de regret nulle part. Fini à gauche, à 22 000 euros, le marteau se lève. Dernière fois, on la touche. 22 000, monsieur Guy Petit. Ah, merci. Guy Petit. Le Guy Petit. Le 47 est présenté par Pascal Beyer. Pour le 46. Pouli. Alors maintenant, le 47, Pascal Beyer qui nous présente une fille de Captain Marvelous. La mère par cadeau généreux qu'on voit travailler maintenant. De Captain Marvelous. La mère est une fille de cadeaux généreux, elle arrive. La mère a gagné à 4 reprises dans plusieurs pays. Combien pour débuter les enchères? Le lot 47 donc. 10, 8 000, 5, 5, voulez-vous 5, 5 000 euros, 5, on débute à 3 si vous voulez. 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3, 3 000, à 3 000 euros, 3 000, à 3 000 euros, 3 000 euros, 3, 3 000, là 3 ans à l'entraînement en France, à 3 000, à 3 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. 3 000 euros, 3 000 euros, que fait-on? 3 000 euros, là, 3 000 euros, la fille, petite fille d'Ahmed Sibol Spirit par Captain Marvelous, à 3 000, 3 000 euros, 3, 3 000 euros qui m'appelle, mettez vos enchères s'il vous plaît, 3 000 euros, enchères minimum, 3, à 3 000 euros, que fait-on? 3 000, 3 000 euros, c'est vu. 3 000 euros seulement, c'est bien vu pour débuter. 3, dernière fois, dernier appel à 3 000 euros, pas de regret. Retirez faute d'enchère. Le numéro 48 est présenté par le Hara de Saint-Arnoux. Il s'agit d'une pouliche B née le 15 mai par Swiss Spirit et Crystal Curling. A noter, dans la deuxième mère, Bob the King compte une victoire et une place supplémentaire. Elle a remporté le prix du Molton à Chantilly le 5 mars. A noter également que dans la deuxième mère, Libran s'est placée deuxième du Bisley Neville Selwood Stakes à Rose Hill Group 3. Elle est belle cette famille, la famille de Zelzal notamment, la mère est placée de course principale, elle a produit plusieurs gagnants. Le 3 ans en l'occurrence est gagnant à Paris depuis l'apparition du catalogue, la souche maternelle. Bon, pas d'enchères pour le lot précédent, on va passer directement au 48. Appelez-vous pour débuter les enchères, la fille de Swiss Spirit.
fille de Sue Spirit. La petite fille d'Invincible Spirit. Voulez-vous 20, 15, 10 à 10 000 euros. Voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000 euros. Le lot 48, 10 000 euros, 10 000 euros, 10. Voulez-vous 10, 8, 5 000, 5 000, 5 000 pour débuter. 5 000 à droite, à 5 000 euros, elle vaut beaucoup mieux cette pouliche. 5 000 à 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000, 5 000, 5 000 euros qui prend le relais, 5, 5 000 à droite. 7, 7 000 Geoffroy par vous et contre vous l'enchère à 7 000, 7 000 euros pour aller à 10 si vous voulez, à 7 000, 7 000 à 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7, 7 000, 7 000, à 7 000 euros l'enchère à droite toujours à 7 000, la famille de Zeltal ici à 7 000, à 7 000 euros de 3 ans gagnant, 10, Geoffroy toujours chez vous. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, à 12 000 euros. Voilà, Swiss Spirit, la vitesse, la précocité, un fils d'Invincible Spirit, la mère également. 15 000 euros toujours à droite, l'enchère. À 15 000 euros, qui prend le relais, 15 000, 15, à 15 000. Cousine de Zelzal, 15, 10, un mileur, gagnant du Jean Prat, étalon désormais à Boucto. Qui prend le relais, pas en face et rien à gauche, à 15 000. 15, c'est la famille aussi de Okovango, qui avait remporté un prix Greffule. À droite, Crystal Music, gagnante des Feliz Miles. C'est un beau pédigré hein, d'ailleurs. Les acheteurs font monter téléphone, les enchères, 15 000 euros. En bas. La mère qui a été Black Type, donc troisième des Cheshire Oaks. Nous sommes d'accord, c'est chez elle a déjà donné naissance à deux lauréats. Ici, belle page, bonne souche maternelle. À 15 000 euros seulement, l'enchère est à droite. Le marteau se lève, pas de regret, pas en face. Rien à gauche pour le moment à 15 000. C'est bien vu, Philly. Enchère chez vous, Geoffroy. On peut la juger à 15 000 euros seulement. Vous la laissez partir. Dernière fois. Geoffroy l'enchère, pas ici, rien à gauche. Le marteau se lève. Dernier appel. Fini. On a juge. 15 000, Geoffroy. Le Hara de Saint-Arnoux présente le numéro 49. If Only Desdemona, pouliche alsane. Elle est née le 14 février. 15 000 euros. Ah, Seize the Moon. Pour la 48. Alors on passe à la 49. On arrive à peu près à la moitié du catalogue. The Stars. Qui comporte 95 lots. Stars. La fille de Seize the Moon. 49, If Only Desmona. If Only Desdemona. Américain, gagnant du Kentucky. Seize the Moon qui a été le premier étalon par Seize Stars à faire la montée. Cheval qui a fait un drôle de boulot. Hein. Une pouliche qui a fait un excellent travail. Combien voulez-vous 10 000 Voulez-vous 10 000 euros 10 000 euros, 10 000, 10 000. La fille de Seize the Moon. La mère, elle est par Compton Place. Père de Black Type d'ores et déjà. 10 000. Alors, sous la troisième mère, c'est extraordinaire. Grosse souche allemande, mais qui s'est illustrée également aux États-Unis avec le crack américain Animal Kingdom, gagnant du Kentucky Derby, mais aussi de la Dubai World Cup. Qui prend le relais 5 000 euros, elle vaut mieux cette pouliche 5 000, 5. 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000. 5 000 euros qui prend le relais 5 000. Laetitia, chez vous, l'enchère à 5 000 euros, 5. 5 en face, 7. 7 par vous à droite, l'enchère Geoffroy maintenant, 7 000. Laetitia contre vous, 8 000. C'est la même, 8 000. 8 000 euros l'enchère par vous et contre vous, 8 000 par vous. Geoffroy l'enchère en face à 8 000. 8 000, 8 000 euros qui prend le relais, 8 000, 8, 8, 8. À 8 000 euros pour aller à 10 si vous voulez, à 8 000. La fille de Seize the Moon à 8 000. 8 000, à 8 000 euros l'enchère à droite toujours par vous et contre vous, Geoffroy à 10. Allez 1 000, allez 1 000, allez 1 000, allez 1 000 euros toujours là l'enchère à droite. 10 000, 10 000, 12 maintenant, 12 000, à 12 000. À 12 000 euros, que fait-on à 12 000 toujours là l'enchère à droite. À 12 000 euros, la proche famille de Zelzal à 12 000 euros. La proche famille, pardon, Animal Kingdom, pardon, 14 000 maintenant, à 14 000 euros. Animal Kingdom, crack, cheval, aux États-Unis, est à 16 000, 16 000, à 16 000 euros, toujours en face de moi, par vous, Geoffroy, à 16 000 euros, que fait-on à 16 000 16, à 16 000 euros pour aller à 18 000, si vous voulez, 18 000, à 18 000 euros, Seize the Moon, à 18 000 euros, 18 000 euros, pardon, la petite Seize the Stars, 20, 20 000, 20 000 euros, l'enchère est à droite, Geoffroy, chez vous, tout est chez vous. À 18 000, à 20 000, pardon, 20 000 euros l'enchère à droite, toujours à 20 000, à 20 000, on fait 22 si vous voulez, 20 000 l'enchère à droite, 2, 22 000, 22, 22 000, contre vous là l'enchère à 22 000 euros, le marteau se lève et on va adjuger à 22 000, 24 000 maintenant, 24 000, toujours là l'enchère à 24 000 euros par vous et contre vous l'enchère, c'est chez vous Geoffroy, toujours à 24 000, 6, 6, 26 000, à 26 000 euros, voulez-vous 30, à 26 000 euros, 26, à 26 000 euros, on fait 28 si vous voulez, à 26 000, 26, à 26 000 euros par vous et contre vous Geoffroy, 26 000. Bon, c'est monté petit à petit, hein. 26 000 euros pour la Seize the Moon. 26 000, Geoffroy, enchère à droite. Je vous rappelle que le top price pour l'instant, il est à 90 000 euros. 28 000 euros pour une fille de Anodin, acheté. 28 000 à 28 000 euros pour aller à 30 si vous voulez. Par Christophe Ferland pour le compte de Dunny Crank, donc pour le compte de l'écurie Vivaldi, dans laquelle participe Bruce Toussaint. Seulement, vous numéro 42, Night of Love. Là-bas, rien à gauche. Et après, c'est 50 et 47 000. Dernier rappel. Tout à fait en début de catalogue. C'est votre enchère, Geoffroy. À 28 000 euros, pas de regret nulle part. On a tué. 28 000.
Le de Saint-Arnoux présente le numéro 50. 28 000 euros donc pour la Six Moon. On va passer au 50. 7 février. Et on reste avec le rat de Saint-Arnoux qui nous propose une fille de sidestep. Qui a donné entre autres Panthéra. Une fille de sidestep qu'on voit travailler ici. Du prix Mont Argentan le 27 mars. Et ce donc à cette performance depuis la semaine. Par Green Desert. Exactement. Sidestep. Déjà paire de gagnants de groupe 1. On en a déjà parlé. Mais donc paire de gagnants de groupe 1 en Australie. Avec Yamichi qui a gagné les Golden Slipper. La mère est une fille de Green Desert. Elle a produit deux gagnants d'ores et déjà, dont Modely Wind, gagnante dans l'Ouest notamment. Sa famille maternelle de Goldland notamment, du caractère gras dans cette page. Combien voulez-vous pour débuter les enchères? La petite fille Dixie Denexel par l'excellent Sidestep, père de gagnants de groupe 1, déjà pour sa première production. Voulez-vous 10 000 euros? 10 000, allez 1 000 euros, 10 000, allez 1 000, allez 1 000, allez 1 000 euros, la fille de Sidestep, allez 1 000, allez 1 000 euros, mettez vos enchères, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000. Sidestep, étalon australien par Exceed Excel. 5 000 euros pour débuter, 5 000 euros, 5 000, 5 000. Ouara du logis, s'il vous plaît, sous la bannière d'Arley. La mère par Green Desert. Voulez-vous 3 000 à 3 000 euros. La mère qui a donné naissance à deux vainqueurs. 3 000 à droite, l'enchère, 3 000. Faster et Mandolin Wind. 3 000 euros qui couvrent l'enchère de 3 000. C'est illustré à nouveau depuis l'apparition. 3 000 euros. Peu d'intérêt manifestement pour cette 50. Deux gagnants, 3 000 euros seulement nous sommes. Sidestep, étalon prometteur. Tandis que normalement la police qui pourrait faire le top price du catalogue est en 52. Par vous Geoffroy, on est d'accord. Une fille de Kaamelott. On a beaucoup aimé hier, lors de son travail. Et peut-être va-t-elle, cette 52, dépasser les 90 000 euros du 42. Mais c'est ce qu'on va voir dans très peu de temps. Le numéro 51 est présenté par l'écurie Prévost-Barat. Don't be quiet, Polish B. Mais d'abord, on va voir le 51. Don't be quiet. Et donc, fille du jeune étalon Gutefan, lui-même premier fils de Dark Angel à faire la monte. C'est très bien. Au côté de son père d'ailleurs à Yeomanstown, stud chez la famille O'Callaghan. Gutefan, le fils de Dark Angel. En Irlande. Excellent, deux ans lui-même. La mère est par Invincible Spirit. Voilà. Le croisement de Dark Angel sur Invincible Spirit, autant dire que ça doit aller vite et tout de suite. Combien voulez-vous pour débuter les enchères pour cette pouliche, petite fille de Dark Angel, par Gutefan, la mère étant elle une fille d'Invincible Spirit. Les premiers deux ans de Gutefan, voulez-vous 20 000, 20 000 euros, voulez-vous 20, 15, 10 000, allez 1 000, allez 1 000 euros, 10 000, 10 000, voulez-vous 10 000, allez 1 000 euros, 10 000 euros, la fille de Gutefan, elle s'est bien présentée vraiment, 10 000, allez 1 000 euros, mettez vos enchères, 10 000, qui m'appelle, 10 000, 10 000 euros, 10 000, voulez-vous 5, 5, on débute à 5 000, allons-y, pas trop bas s'il vous plaît, 5 000, 5 000 euros, la fille de Gutefan, 5 000, Julien l'enchère, à 5 000 euros, qui prend le relais, 5 000, 5 000, à 5 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 5 000, enchère à gauche, à 5 000 euros, qui prend le relais, 5 000, 5 000 euros, mettez vos enchères, 5 000, elle vaut mieux cette pouliche à 5 000 euros qui m'appelle, à 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000 seulement, 5 000 euros c'est vu, à 5 000 euros regardez le pédigré, la mère gagnante à 2 ans, petite fille de Dark Angel, 7 000 euros l'enchère à droite à 7 000, 7 000, allez 1 000, allez Marc-Antoine Margras qui est en train de mettre des enchères, allons-y 10 000, allez 1 000, 12 000 maintenant, 12, 12 000, 12 000 à droite, par vous et contre vous l'enchère, faut mettre 15 maintenant, à 12 000 qui couvre l'enchère de 12 000, 12 000, à 12 000 euros, belle pouliche, fille de Gutefan ici, 15 000 à 15 000, on revient chez vous, Julien, à 15 000, à 15 000 euros, à gauche l'enchère, 15 000, à 15 000 euros, que fait-on à droite à 15 000 18, 18 000, 18 000, à 18 000 euros, l'enchère à droite, toujours à 18 000, à 18 000 euros, Julien, je vous laisse faire, 18, à 18 000 euros, faut mettre 20 si vous voulez, 18, à 18 000 euros, regardez la poule. Voilà, c'est un motif, comment dire, un type de vitesse et de précocité pour cette pouliche née le 30 mars. Allez, 10 000 euros. Alors là, je ne crois, ce n'est plus Marc-Antoine Bergrache qui a les enchères. Je n'ai pas réussi à repérer qui était tout à fait de l'autre côté de la tribune. À 20 000 euros qui prend le relais, 20 000, c'est chez vous, Julien. Pas d'erreur. Pas là, plus à droite, à 20 000. On essaie 22. 20 000 euros l'enchère à gauche. 20, 20 000, toujours à 20 000, à 20 000 euros. Étalon très intéressant. Si Gutefan, 2, 22 000, 22 000, 22 000, 21, 21 000. C'est bien, c'est lui qui vient d'en mettre une à 21 000. Enchère à droite à 20 000. Mabadjan de 6. Intéressé donc par cette Don't be quiet, ce qui veut dire ne sois pas sage. Cette fois-ci, c'est contre vous, Julien, à gauche. À 21 000, que fait-on? Regardez la pouliche. Excellent canter hier. Belle page. Première production de Gutefan, Dark Angel.
à 21 000 euros seulement, nous sommes. Enchère à droite, toujours à 21 000. À 21 000 euros. Le marteau se lève, je vais l'adjuger cette fois-ci. Julien, fini à gauche. À 21 000 euros, pas là-bas, rien là. Enchère à droite, à 21 000 euros. Le marteau se lève, c'est votre enchère. Geoffroy, on est d'accord ? 21 000, ici à droite, pas là-bas, rien à gauche. Dernière fois, dernier appel, le marteau se lève. Fini, Julien ? Dernière fois ? On adjuge. 21 000. MAB Agency, merci. C'est ça, MAB Agency, oui, qui vient d'acheter à 21 000 le 51. Alors attention les yeux maintenant, c'est le 52. Très attendu. La fille de Kaamelott, le père de Latrobe, gagnant des Riches Derby, de Athéna, gagnant des Belmont Oaks, et de Wondermount qui a remporté le Critérium de Saint-Cloud. L'année dernière, elle a vraiment un étalon qui, a, avec sa première production de 3 ans, et de 2 ans, puisque Wondermount c'est une 2 ans, a vraiment marqué l'année 2018. Et là, Jennifer Pardano de l'écurie de la Freinée en Normandie nous présente une très très belle fille de ce Kaamelott avec une mère par Annaba en plus et la grand-mère par Linamix de la famille de Montmartre. Alors là vraiment il y a tout ce qu'il nous faut. La mère a gagné, drôle de dame avec Aix-les-Bains. Certes elle n'a pas encore produit de gagnant avec 4 prochevaux en âge de courir plus celle-là. Mais vraiment la Kaamelott très belle, elle est issue d'un étalon très à la mode, bien présenté et elle a fait un super boulot hier. 20 000 euros, la fille de Kaamelott à 20 000, 20 000, à gauche l'enchère. Voilà, à 20 000, c'est déjà pris. À 20 000 euros, nous sommes seulement 20 000, 20 000, 20 000. À 20 000 euros, qui m'appelle, qui couvre l'enchère de 20 000, faut mettre 25, 20. À 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros. Pouliche exceptionnelle, voilà, 25 000, 25 000, 25 000. Laetitia, bien sûr, à 25. À 25 000 euros, qui couvre l'enchère de 25 000. 30 000 maintenant, 30 000 à gauche, l'enchère. À 30 000 euros, regardez la page, regardez le canter. Regardez le physique de la pouliche. À 30 000 euros, 30, 30 000. À 30 000 euros, l'enchère est là, toujours à 30. 30 000, à 30 000 euros, qui m'appelle, qui couvre l'enchère de 30 000. La fille de Kaamelott à 30 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît. À 30 000, 35 000, Laurence, l'enchère. À 35 000, là-haut, au restaurant, 35 000. À 35 000 euros, qui couvre l'enchère de 35, 35, 40 000, 40 000, Julien, toujours à gauche, l'enchère. À 40 000 euros, c'est 40. À 40, 40, à 40 000 euros, Geoffroy, je ne vous entends pas. 40 000, à 40. Donc pour l'instant, elle est numéro 4. 40 000. Très belle pouliche, fille de 4. Numéro 5, pardon, parce qu'il y a eu deux choix à 50 000. Là, donc, première, le top price, le 42 à 40 000. 90 000, après, il y en a deux à 50, après, il y en a un à 47. Et là, la 52, elle rentre dans le top 5. Non, 40 000. Julien, toujours chez vous, pas d'erreur. À 40 Nicolas Vatrigan quand même. 45 000 euros. Antoine, fresh bidder. 45 000. À 45 000 euros, l'enchère est là. 50 000. 50 000. 50 000 euros. Regardez le physique de la pouliche. Regardez son canter. À 50 000 euros, nous sommes seulement. 50 000. À 50 000 euros. Julien, chez vous toujours, à 50 000. À 50 000 euros, je vous laisse faire, Antoine. À 50 000, 50. 50 000 euros, que fait-on à 50 000, c'est bien vu. Elle vaut mieux que ça, cette pouliche. 50 000. 55 52. 55 000. 55 52 000 euros. À 55, 50 non, 55 000 euros pour Nicolas Vatrigan, Mandor Agency. Alors, 52, oui. 52, si vous voulez, contre vous, Julien. 52, ici. 52, là. 55, 55. 55. 55 000. Voilà, c'est le numéro, c'est le deuxième top price de la journée, sans surprise. Vraiment une très, 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 très bon produit ici, que cette pouliche née le 5 mai, elle est née tardivement pourtant. Ici, 55 000, c'est Julien, ici en haut à gauche, à 55. 55 000 euros, mettez vos enchères, pouliche, avec un vrai physique ici. 55 000 euros, que fait-on ? Pas de regret. Le marteau se lève, vous la laissez partir à 57 000. 57 000. 57 000, si vous voulez. À 57 000. 57. C'est le jeu. À 57 000. Votre enchère, à 57. 57 000, pas de regret. À 57 000 euros, je vous laisse faire. À 57 000, c'est contre vous, Julien, on est d'accord. Hein. À 57. Normalement, c'est Nicolas Vatrigan qui a l'enchère, là. À 50. 57. Alors, attendez. 57, on est d'accord ? Ouais. 57. Demandez-lui, Antoine. 57, on est d'accord. 57 000, ici. 57, c'est mon enchère. L'enchère d'Antoine à 57 000, pas d'erreur. À 57. 57 000 euros, pas de regret. Pas ici et pas là-bas. À 57 000, le marteau se lève. La fille du Kaamelott. Dernier appel. La Jennifer. 000 euros. Entre vous, Julien. Elle va sans doute être très contente de sa vente. Et de quoi ? On la juge. 57 000, Mandor International, merci. Le numéro 53 est présenté par... Et voilà, c'est fait. Un mâle
né le 20 mars par... C'est fait pour Nicolas de Vatrigan. Feeling. Le poulain est positif à la pyro. Il y a également une ordonnance du docteur... C'est Hélène fait pour Nicolas de Vatrigan à 57 000 euros. Que le cheval Liaise, présenté ici par l'écurie Lafrenée, a reçu un traitement anti-inflammatoire ce jour, Metacam, pour traiter une atteinte au postérieur, fait pour valoir et servir ce que de droit. Le fils de Sidestep, il est là. Beau physique, ici également la mère paralysive Quality est gagnante. Elle a produit plusieurs gagnants, la souche maternelle de l'excellent cheval américain Eddington. Combien pour débuter les enchères? On est en train de regarder le canter du 53, présenté également par l'écurie Lafrenée, Jennifer Pardano. 15, 10 000, allez 1000, allez 1000 euros. Un fils de Sidestep qui est positif à la pyroplasmose. Déjà gagnant de groupe 1 dans sa production, on l'a dit. Allez 1000 euros, 10 000, voulez-vous 10 000, 10, 8, 5 000, 5 000 euros, 5 000. Voulez-vous 5 000, 5 000 pour débuter les enchères, 5 000, 5 000 euros sur le marché à 5 000. Mettez vos enchères, 5 000, Geoffroy à l'enchère à 5 000. Nicolas Vatrigan qui est en train de signer le bulletin d'achat à 57 000. Le bulletin d'achat à 57 000 de l'écurie du 52. 7 000, oui, à 7 000 euros pour aller à 10. Avec une mère par un là-bas. Allez 1 000 euros, toujours à droite l'enchère, allez 1 000, allez 1 000, allez 1 000, allez 1 000 euros. Tenta de la famille de Montmartre. Allez 1 000 euros, ça va être... Oui, Julien, 12. 12, 12 000, à 12 000, 12 000 à gauche l'enchère, à 12 000 euros pour faire 15, 12, à 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000 euros, 12 000, à 12 000 euros qui couvre l'enchère, qui prend le relais, 15 000 maintenant, 15 000 Geoffroy chez vous toujours, à 15 000, 15, 15 000, à 15 000 euros l'enchère est là à droite, pas d'erreur, à 15, Julien, contre vous, cette fois, à 15 000, à 15 000 euros qui prend le relais, 15 000, enchère à droite, à 15 000 euros, bon poulain, fils de Sidestep ici, à 15 000 euros. L'enchère est là à droite, toujours à 15 000. Geoffroy, chez vous. 18. 18 000. Allez, 8 000. Par vous et contre vous, l'enchère. Allez, 8. 18 pour faire 20. Allez, 8 000 euros. Qui couvre l'enchère? 18. Julien, contre vous cette fois. Merci. Le poulain s'énerve un petit peu, Liaise. Allez, 8 000 euros. Qui prend le la mère est paralysie de Colity. C'est quand même assez particulier, hein, parce que Lesif Colity a été un grand amélioreur. À 18 000 euros, pas en face. C'est plus la famille aussi du Eddington. Que fait mon cheval américain, l'un des meilleurs de sa génération à 3 ans. Sidestep ici, frère de gagnant, à 18 000 euros seulement, vous le laissez partir. L'enchère est à droite. Dernière fois, dernier appel à 18 000. Paul Adjugé, dernier appel fini, Julien. On est d'accord? On a touché. 18 000 à droite. Geoffroy. HDG Consignment présente le numéro 54, un mâle B. Né le 5 mars par Dreamerhead et Emona Queen, il est vendu sans TVA. Par les talons ultra confirmés. Alors, un fils de Dreamerhead, maintenant le 54. Notamment de Turley Bush, de plusieurs excellents autres performeurs Black Type. Nous vous présentons ici le frère. Un Dreamerhead, le frère de Gamart, dites donc. Gagnant de groupe à plusieurs reprises, l'excellent Gamart. Double. Lauréat du prix de Sénoise sur 1200 mètres. Donc là, c'est le frère par Dreamerhead, le frère d'un super sprinter. Une vraie belle page ici pour ce fils de Dreamerhead, étalon très confirmé. Et on va demander un petit mot à Nicolas. Nicolas de Vatrigan, rapidement, donc tu as acheté. Donc notamment, voulez-vous 20 000. Non, là, c'est le 54, ne t'inquiète pas. 15, 10 000, allez 1 000 euros, 10 000, allez 1 000 euros, 10 000, voulez-vous 10 000, allez 1 000 euros. On n'y est pas encore. Allez, rapidement, donc 57 000 euros, la Kaamelott. Alors, elle avait tout pour plaire, cette pouliche. Oui, physiquement, super pouliche de Kaamelott. À 5 000 euros, mettez-vous. Une Véoara du cadran. Le frère d'un excellent cheval. Une magnifique pouliche, beaucoup de points de force qui a bien brisé. Prend le relais, mettez-vous. Beaucoup d'espèces, beaucoup de force. Vraiment une très très belle pouliche. C'est vrai qu'elle rassemblait. Père de mère à Naba, bon voilà. Dynamics, mon mât. Voilà, exactement. Elle rassemblait beaucoup de choses. Je pense qu'on l'a payé 57 000 euros, c'est pour Monsieur Jatière. Je pense qu'on a fait une belle affaire. Voilà. Ouais, d'accord, parce que finalement c'est très raisonnable par rapport à l'achat d'un yearling. Une telle yearling aurait coûté quasiment peut-être plus cher même. Je pense, ouais, tout à fait, tout à fait. Elle devait passer aux ventes de yearling, elle avait été scratchée parce qu'elle avait un petit abcès au pied. Voilà, donc je pense que yearling aurait fait un petit peu plus d'argent. Là, on est avancé dans la saison, ça nous permet de les voir sur la piste. Donc on a un peu plus d'informations, donc c'est toujours, on voit le comportement qu'ils ont, etc. Moi, ça, j'aime beaucoup acheter le ventre de Breeze Up, ça me donne beaucoup plus d'informations, bien entendu, forcément que les ventes de yearling. Mais même si c'est pas pour faire du 2 ans ultra précoce, on est bien d'accord. Ah non, mais on est tout à fait d'accord, c'est une pouliche qui va peut-être courir une fois en fin d'année à l'automne, et j'espère qu'elle a tout pour faire une pouliche classique, en tout cas, voilà.
Merci Nicolas. Tout ce que je souhaite à M. Jatière, qui est un investisseur français, qui vit à l'étranger, mais qui est investisseur français, qui investit continuellement, qui supporte Ozarus, Arcana, et qui a des chevaux, beaucoup de chevaux à l'entraînement, et voilà, qui est un chic monsieur. Et, 5 000 euros, l'enchère est à droite. Je remercie en tout cas pour nous renouveler sa confiance. Super. Elle va aller chez qui le cheval ? Je ne sais pas. Encore. Merci beaucoup, merci Nicolas. On peut la juger. On la juge. 5 000. Geoffroy. Le numéro 55 est absent. Le numéro 56 nous est présenté par WH. Et donc, en l'absence du 55, nous allons passer au 56 Fashion Princess, présenté par WH Sourcing, une fille de Prince Gibraltar, qui a fait un bon travail hier. Moi, j'aimais bien cette pouliche-là. Tardive, à mon avis. Mais bon, c'est que mon avis. Gagner le prix de Saint et avec une grande action. Elle lève les genoux encore et tout, mais c'est une pouliche qui a un petit truc. Et alors, c'est la famille de Essina qui a été une championne Essina que j'ai vu remporter la Breeders' Cup Distaff. C'était l'an 2000 à Churchill Downs, ou en 98 d'ailleurs même, à Churchill Downs, et c'était hallucinant. Essina, c'était la Kazakh d'Aradzi, la Kazakh Paulsen, Alan Paulson d'ailleurs. Dont une tout récemment. Phénoménal. Et c'est donc cette famille américaine, celle de Essina, et c'est aussi la famille de Calacastafiore. Belle page, combien pour débuter ? Une pouliche qui a gagné en steep. Belle pouliche, fille. Oui, c'est ça, qui a gagné 5 courses d'obstacles et après avoir gagné une course plate. Donc, vraiment, des talents très variés ici, dans le pédigré de ce 56. À 5 000 qui couvre l'enchère de 5 000 euros. 5 000, 7 000, 7 000 euros maintenant. 11 victoires pour Essina. Et il n'y a pas indiqué les gains, mais ça doit se compter en millions de dollars parce qu'elle a remporté 1, 2, 3, 4. Groupe 1. À 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros seulement. 10 000, mettez vos enchères s'il vous plaît. À 10 000, l'enchère à droite, à 10 000. À 10 000 euros par vous et contre vous, Geoffroy, l'enchère. À 10 000. À 10 000 euros qui prend le relais, à 10 000, 10. 10 000 euros qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 10 000 euros. Première génération de Prince Gibraltar. À 10 000 euros. Un gagnant de groupe 1 à 2 ans et à 4 ou 5 ans, je ne sais plus quand il a gagné le Grand Prix de Baden-Baden. Toute récente. Dans l'Ouest, à 10 000 euros. Claude Rouget. À 10 000 euros, la petite fille. À l'arrivée de l'Arc de Triomphe également. Par le gagnant de groupe 1, Prince Gibraltar. À 10 000. L'enchère à droite, toujours à 10 000. À 10 000 euros, pas de regain nulle part, dernière fois. À 10 000 euros, pas là, rien à gauche. Le marteau se lève et on va la juger. La fille de Prince Gibraltar, pas de regret. Dernière fois, enchère Geoffroy chez vous. Nous sommes d'accord. À 10 000 euros, l'enchère est là, pas de regret. Dernier appel. On la juge. 10 000. Geoffroy. 10 000 euros. Le numéro 57 est absent. Place au numéro 50. Donc on va passer au 58. Par l'écurie. Ah, un fils de On est bien, qu'on aime beaucoup, On est bien. Et le frère. Par On est bien. Le frère d'autres bons vainqueurs de On est bien, Ami Intime, Scandaleux et Apollo Creed. Donc la mère, et Choc Bass aussi qui vient de gagner. Donc voilà, la mère, elle a fait 4 gagnants avec On est bien et elle nous propose un nouveau produit On est bien qui est Ongre. Très joli poulain. Petit-fils d'Enrique, donc. Présenté par l'écurie de la Freinée. La production de la jument, un sans faute avec les talons, puisque Chuck Bass, lui-même, par On est bien, est gagnant depuis l'apparition du catalogue en obstacle. Donc, 4 produits du même étalon, 4 gagnants. La grand-mère Jean, c'est une excellente jument d'obstacle. Une belle page, donc, pour ce fils de On est bien, le seul produit de l'étalon du catalogue. Combien pour débuter les enchères ? Regardez-le. On les bute à 10 000. À 10 000 euros, voulez-vous 10 ? À 10 000 euros, 10 000. Très joli poulain. On est bien. On est bien qui fait la monte aujourd'hui au Harad de Limmarzel. Il a longtemps fait la monte en Normandie. 5 000, 5 000. Allons-y, 5 000. Au Harad du Camp Bénard, sans en saillir plus que 2 ou 3 ou 4 juments par an. Avec le croisement, 5 000. Après, il a fait une saison de monte au Harad de la Rousselière. Après, il était à Corlay et là, il est à Limmarzel, à La Roche-Bernard, pas très loin de La Baule. 7 000 à droite, Geoffroy. 7 000 euros, 7 000 euros pour aller à 10, à 7, à 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000, 10 000, à 10 000 euros, 10 000 maintenant, 10 000, 10 000, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros, 10, à 10 000 euros que fait-on à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros l'enchère est là à gauche, toujours à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, vaut mieux que ça, à 10 000, à 10 000 euros, Geoffroy, que fait-on ?
C'est contre vous, Geoffroy. 10 000. Ali 1 000 euros qui prend le relais. 10 000. Ali 1 000 euros. 10 000. 10 000. 10 000. Toujours. Julien, chez vous, on est d'accord. 10 000. Ali 1 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros seulement. Pas de regret nulle part. À 10 000. À 10 000 euros. Toujours. 12 000. 12 000. 12 000. 12. Bah, je préfère 12. 11. 11 alors. 11. 11 000, 11 000, enchère à droite à 11 000, à 11 000 euros, toujours à droite l'enchère, 11 000, à 11 000 euros l'enchère est là, toujours à droite à 11 000, il vaut mieux que ça ce poulain, vraiment intéressant, un sans faute, je le répète, dans le croisement, bon poulain, bien présenté, 12 000, je vous l'avais dit, Geoffroy, c'est vous, 12, voulez-vous 14, alors 12 000, c'est à droite, Julien, cette fois-ci, c'est contre vous. 12 000, enchère à droite à 12 000, à 12 000. À 12 000 euros, Geoffroy, chez vous, l'enchère toujours. À 12 000, pas de regret. Le marteau se lève et on va la juger. Le fils de, on est bien, à 12 000 euros seulement. Pas de regret nulle part. 14, si vous voulez. Bon, ça monte petit à petit. À 13 000, à 13 000 euros, l'enchère. 14, 15, 14, 14 000, si vous voulez, 14 000, à 14 000 euros, toujours à droite l'enchère, à 14, à 14 000 euros, Geoffroy, par vous et contre vous, pour faire 16. 14 000, l'enchère à droite, toujours à 14 000, c'est vraiment un chic poulain, ce fils de on est bien, à 14 000 euros, 14, 14 000 euros par vous, Geoffroy, l'enchère, toujours à 14 000, pas de regret, le marteau se lève, pas là, plus à gauche, dernier appel à 14 000 euros, on met 16 si vous voulez quelque part, non ? Dernière fois, à 14 000 euros, Geoffroy, chez vous, l'enchère. On la touche. 14 000, Geoffroy. Place au numéro 5. Voilà, 14 000 pour le On est bien. C'est bien acheté, ça. Dermissim, Mal ouais. P, né le 9 février. On salue notre ami David Lumet. Dermissim et Green Delight. Notez que Green Delight est la mère d'Alma Rosa, mère de Californium, qui vient de gagner le prix du chemin des sergents à Chantilly le 28 mars. Exactement, Californium, que nous avions eu le plaisir de vous vendre l'an dernier à cette même vente, qui vient de gagner à Chantilly. Combien voulez-vous donc pour débuter les enchères? Le bon poulain, fils de Dabir Simi, regardez, le frère de deux Black Type, la famille classique de Talismanic, de Deep Impact. Vraie belle page ici donc pour le poulain de Dabir Simi, étalon très confirmé, gagnant de groupe 1, champion Dabir Simi. Voulez-vous dire... Alors maintenant, c'est un fils de Dabir Sim et Green Delight, pas Green Desert. Ah, c'est rare aujourd'hui de trouver des filles de Green Desert dans les catalogues. Voulez-vous 8, 8, 5 000. C'est la famille de Talismanic. À 5 000 euros, 5 000. Vainqueur de Breeders' Cup, Talismanic. 5 000, Laetitia. C'est la famille aussi de Deep Impact. 5, 5, 5, 5 000. À 5 000. Le crack Deep Impact, dont le seul échec avait été essuyé dans le prix de l'Arc de Triomphe. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. Troisième et puis après disqualifié pour contrôle positif. Bonjour Laetitia, chez vous. Deep Impact qui domine aujourd'hui outrageusement l'élevage au Japon, comme le fit avant lui son père, Sunday Silence. Enchère en face de moi, 7 000, 7 000. Nouvel intervenant à 7 000, maintenant 7 000, 7 à 7 000 euros la l'enchère, par vous et contre vous, Laetitia, à 7 000, à 7 000 euros la valenchère à 7 000, à 7 pour aller à 10. Qui met 10 ? 7 000. À 7 000 euros, le fils de Dabir Sim. À 7 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît. 7 000 euros seulement, 7. 7 000. À 7 000 euros, l'enchère en face de moi. 7. 7 000 euros, Laetitia, chez vous. À 7 000 euros, pas de regret. 10 000. Laurence. Laurence, au restaurant, 10 000. À 10 000 euros, nouvel intervenant, 10 000. À 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, la l'enchère. À 10 000 euros, 10 000. Qui couvre l'enchère de 10 000 euros, le fils de Dabir Sim, la proche famille de Talismanic, de Deep Impact. 10 000 euros seulement, nous sommes là où l'enchère. Qui prend le relais? À 10 000 euros. Dernière fois, Laurent, je vous laisse faire à 10 000. À 10 000 euros, Laetitia, c'est contre vous cette fois et rien à droite. À 10 000, 10 000 euros, dernier appel, dernier tour. 10 000 euros, vous le laissez partir. Fini, on peut adjuger. Dernière fois, on adjuge. 10 000. Laurence. Le numéro 61 est présenté par l'écurie La Freinée. C'est un mâle B, né le 23 mars. Un fils de McPhee et Guérande. Le docteur Emmanuel Boutin, Emmanuel Boutin certifie que le poulain a reçu ce matin des anti-inflammatoires suite à la plaie qu'il s'est faite sur la pointe du jarret droit. Certificat juste et sincère. Sur le produit de McPhee dans le catalogue, faut noter dans le catalogue aussi la mère et sœur de Geoffroy. Geoffroy était mère de Nierling qui a fait plus qu'un million. Il y a un million d'euros il y a deux ans à Deauville.
Donc, c'est le proche frère, c'est ce fils de McPhee. Le frère de 4 vainqueurs, combien pourtant ici pour le début du débat d'une. Très bien, né, c'est pour moi. Pas mal travail non plus, combien pourtant ici pour le début du débat. Allons-y, 20 000, voulez-vous qui a 20 000, donnez-moi 20 000, quelque part, 20 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, alors que 5 000, voulez-vous. 5 000 pour le début du débat, allons-y, allons-y, 5 000, 5 000, 5 000, 3 000, alors qu'il y a 3 000. 3 millions, le fils de McPhee ici à 3 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 3 000. Là-haut, l'enchère maintenant, à 3 000, à 3 000, l'enchère maintenant, à 3 000. C'est Laurence là-haut? Oui, là-haut, à 3 000, à 3 000, à 3 000, c'est maintenant à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, le petit-fils de bah oui, ici, à 3 000, 4 000, 4 000, 4 000, Julien, à 4 000, le père de McBelief, ici, à 4 000, Fabricat, Midstory, Magic Circle, à 4 000, 4 000, 4 000, le gros changement maintenant, à 4 000, les parcs chers du tout, vraiment, à 4 000, 5 000, 5 000, l'enchère, j'en vois, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, 7 000, l'enchère maintenant, à 7 000, à 7 000, à 7 000, à 7 000, 10 000, 10 000, l'enchère maintenant, à 10 000, à 10 000, 12 000, voulez-vous maintenant, à 10 000, Julien, voulez-vous là, l'enchère à droite à 12 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, l'enchère maintenant à 12 000, à 12 000, l'enchère pour poulain solide, 12 000, à 12 000, à 12 000, à gauche, l'enchère maintenant à 12 000, à 12 000, 4 000, 15 000, 15 000, 15 000, l'enchère maintenant à 15 000, à 15 000, frère d'une black type aussi, un poulain black type aussi, 15, 17, 17, l'enchère, à 17 000, 17, 20 000, à 20 000, 20 000, l'enchère. À 20 000, la gauche, tu sens maintenant à 20 000. À 20 000, à 18, ok, à 18, tant mieux, ok, à 18 000. À 18 000, 18 000, arrondissons même, au moins maintenant, j'en vois. À 18, 18, 18, vous voulez pas mettre 20? À 18 000, 18 000, le seul pas McPhee dans le catalogue, 18 000. À 18, le père de McBelief, à 18 000, à gauche, l'enchère, nous sommes. À 18 000, à 18 000, attention, on va juger à 18 000. L'enchère à gauche, à 18 000, la mort se lève. À 18 000, plus vous là, j'en vois. Rien en face, rien là-haut, Laurence, à 18 000. Je vous entends pas du tout là-bas, Laetitia. À 18 000, la gauche l'enchaîne maintenant à 18. Fini là, à 18 000 euros. Maître, on la juge. Merci beaucoup, 18 000. Voici le numéro 62 qui est présenté par l'écurie Prévost-Barat. Un poulain B né le 11 avril. Voilà, 18 000 euros pour le 61. Maintenant, on regarde le 62. Tiens, un galop intéressant produit hier par... La forêt, fils de Dutch Art. Qui a très bien réussi l'année passée pour ses premiers produits. Pour ce fils de Garswood qui avait gagné le Maurice de Guest Garswood. L'année passée, les deux, la bonne pouliche, Carla Tarida, Little Kim aussi. Poulain bien profond, la grande action, avec de l'os, bien clip. Il y avait une belle action hier. Le 62. On arrive déjà dans le dernier tiers du catalogue. Une vente qui va donc être assez courte. Aussi à 10 000, à 10 000 enchères, à 10 000, 5 000, 3 000, allons-y à 3 000. Une vente qui s'est très bien tenue, notamment, enfin, surtout pour le haut du panier. 3 000 à droite, à 3 000 enchères, à 3 000, 4 000, 4 000, 4 000 le savent, à 4 000, 4 000, j'en vois, je vous entends pas du tout là, 3 000, à 4 000, 5 000, 5 000 enchères, à 5 000 le savent, à 5 000, l'Amérique gagnante elle-même, à Maison Lafitte quand même, c'est le premier produit, à 5 000, 5 000, 7 000 enchères, maintenant 7 000, à 7 000, à 7 000, à 7 000, à 7 000 enchères, à 7 000, 8 voulez-vous maintenant, à 8 000, à 8 000. La mère est par Soldier of Fortune et c'est la famille de Alpine Rose, fracassant, Fragrant Hill. Donc une souche qui avait été importée en France par Jean-Luc Lagardère. 10 000, à 10 000. Le seul bagarzo dans le catalogue, à 10 000, à 10 000, à 10 000, le seul maintenant, à 10 000. À 10 000, perdu de bon, vainqueur de groupe l'année passée, à 2 ans, premier produit, 10 000, 12 000. À 12 000, j'en vois, à 12 000, 12 000, 12 000 enchères. À 12 000, à 12 000, 12 000, 15 000, 15 000 enchères maintenant, à 15 000. À 15 000, 15 000, la fin de bonne famille, 17, 17 l'enchère. À 17 000, la fin de toute propre famille de Fragrant Mix, à 17 000, à 17 000, 17 000, 17 000, 18 si vous voulez maintenant, 18 000. 17, 18 000, ouais. Oula. Attention, cheval. À 18 000, à 18 000, enchère maintenant à 18 000, enchère à gauche à 18 000, à 18 000, 20 000, enchère à 20 000, le sein, à 20 000, à 20 000, à 20 000. Poulain puissant, présenté par l'écurie Prévost-Barat. Les oiseaux aussi à 20 000, la mère passe sur le hollow, à 20 000, à 20 000, enchère maintenant à 20 000, du gagnant d'un maison, la fille, à droit de l'enchère, à 20 000, nous sommes si bien vus, à 20 000 euros, pas de nulle part, rien au-dessus, rien en bas, rien à gauche, rien en face, l'enchère par Jean Foy, à 20 000, nous sommes de la dernière chance, à 20 000, on est juge. Geoffroy, merci beaucoup, 20 000 euros. Le numéro 63 est absent. Allez, 20 000 euros pour le 62. Présente le numéro 64. Ondélie Barrelière, un mâle alezan né le 30 avril par Diogène et Arda Arda. Frère de 4 vainqueurs, l'arrière-grand-père. Pas de 63, on passe désormais au 64. Ondélie Barrelière, un fils de Diogène. De Galilée, l'action Galilée. Neveu de Phantom Breeze. Donc il est inbred de La La Lune, mesdames et messieurs, né le 20 avril, pour un bienfait.
peut très bien galper à la maison, là aussi. Grand sujet, je gagne en combien votons 10 000, donnez-moi 2 000, c'est pour le DBD, allons-y à 10 000. À 10 000, 10 000 enchères à 10 000. Le fils sélection Galileo ici à 10 000. À 10 000, 5 000, 5 000, 3 000. 3 000, allons-y à 3 000. À 3 000, pour le DBD, allons-y à 3 000. Le petit fils de Galileo, mesdames et messieurs, à 3 000. À 3 000, à 3 000, à 3 000. Mettez vos enchères, 3 000, vos agotes enchères à 3 000. À 3 000, nous sommes dans 3 000. Le frère de Strike Rate, à 3 000. À 3 000, le frère de 80 cœurs à 3 000. À ton grand sujet, c'est gagnant à 3 000. À 3 000, nous sommes à 3 000, un seul. À 3 000, à 3 000. Donc, fils de Diogène. Super bien né, hein, ce poulain, parce qu'il est. 5 000. Il est frère d'une gagnante, de Listed. Il est neveu de Phantom Breeze. De Vision. Alors, je ne me rappelle plus, hier, je ne me rappelais plus déjà. Phantom Breeze, il a donné un champion multiple vainqueur de la Stayers Hurdle à Cheltenham sur l'entraînement de François Domaine et son nom échappe. À droite, l'enchère ici à 5 000. À 5 000, c'est bien vu. À 5 000, pas cher du tout, vraiment, mesdames et messieurs, méfiez-vous. Un petit-fils de Galileo ici, le frère de Black Type. À 5 000, son frère de 80 cœurs. À 5 000, son le marteau se lève. À 5 000, dernière fois, dernière chance, dernier tour ici à 5 000. On est juge. 5 000, merci beaucoup, Geoffroy. Le Haradéphone présente le numéro 65. Allez, on passe au Haradéphone désormais avec le 65. Né le 27 mars. Lavina Shop, une fille de Captain Shop et Harmonies Shop, un pur produit du Haradéphone. Contre la mère de Shopshoot, qui vient de se placer en obstacle, deuxième du prix Pierre Valentin à Mont-de-Marsan, couru le 3 mars. Et Harmonies Choice est également la mère de Shop Ola. Qui s'est classé deuxième du prix des Parcs Auxerre en cross et troisième du prix Sarbac en obstacle. C'est-à-dire issu d'une famille très vivante, utile en plat et aussi en obstacle. Voilà, une souche qui marche en plat en obstacle, puisque cette pouliche, Lavina Shop est la sœur de Shopshoot à Soave qui avait gagné le prix de France, la meilleure course pour les Gentleman Riders à Auteuil. 3000, à 3000, à 3000, une famille très vivante ici à 3000, à 3000, nous sommes maintenant à 3000, mettez vos enchères à 3000, à 3000, la petite fille d'Indian Rocket ici à 3000, à 3000, la fille de Captain Shop à 3000, à 3000, mettez vos enchères maintenant à 3000 euros, voulez-vous maintenant à 3000, à 3000, la sœur de Chopshoot, 7 victoires, 16 fois placées. 3000, à 3000, vous maintenant à 3000, mettez vos enchères à 3000, à 3000, à 3000, enchères là maintenant à 3000, prenez le 3000, donnez-moi. À droite, l'ange qui m'appelle, Geoffroy, à 3000, à 3000, nous sommes maintenant à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, l'enchère maintenant à 3000, suivant, s'il vous plaît, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, l'enchère maintenant à 3000, qui prend l'enchère maintenant à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, nous sommes maintenant à 3000, c'est bien vu, une seule, à 3000, une famille très vivante, ici à 3000, 4 vainqueurs, dont 3 cette année à 3000, à 3000, dernière fois, dernière chance, à 3000, à droite, l'enchère à 3000, dernière fois là, on va juger à 3000, une seule, à 3000. On les juge. Geoffroy, merci beaucoup. 3000. Les numéros 66 et 67 sont absents. Place au 68. Bon, 3000 euros, donc on va passer au suivant qui ne sera ni le 66 ni le 67 puisqu'ils sont absents. Né le 30 mars, fils de Morpheus et Intellibet One. On souhaite la bienvenue à Hyde Park Sud d'Irlande, là, avec le fils Morpheus. Morpheus est le frère de Alors, Morpheus, le frère de Frankel. Monsieur, d'une fille de Captain Blaze, l'arrière-grand-mère, une fille d'Alifar. Avec une grande famille des suites gagnantes. Alors, ce poulain est irlandais parce que Morpheus faisait la monte en Irlande. En début de carrière, il est arrivé cette année au Haras du Grand Chenet, en Mayenne. Et il y a une quinzaine de jours, il a fait un sacré coup. Il a gagné 3 courses le même jour. Enfin, c'est produit. Impressionnant, 10 000. Samy, voulez-vous à Samy, mettez 5 000. À Samy, là, Samy pour la frère de Frankel ici à 5 000. À Samy, voulez-vous maintenant à Samy, 3 000. 3 000 alors, mettez vos enchères. À 3 000, à 3 000, à 3 000 enchères maintenant. À 3 000 avec de l'envergure. Maintenant, à 3 000 à droite de l'enchère. À 3 000, ça maintenant à 3 000. À 3 000, à 3 000, à 3 000, suivant 3 000. À 3 000, à 3 000, qui prend l'envergure. Elle est maintenant à 3 000 euros. À 3 000, à 3 000, le frère de 5 vainqueurs à 3 000. Quel sujet de gagnant d'ici à 3 000? À 3 000, une seule enchère à droite à 3 000. À 3 000, à 3 000, par l'action Morpheus ici à 3 000. Petit fils de Oasis Dream ici par le frère de Frankel à 3 000. À 3 000, 4 000, 4 000, 4 000 euros. À 4 000, à 4 000, à 4 000, le frère de Taurus Twins, grand vainqueur, 11 courses, 4 000 à 4 000. Il ressemble à son père, ce fils de Morpheus. La mère Intellibet One. Maintenant à 4 000. Une Compton Place. À 4 000. Alors, il est irlandais, hein, donc évidemment, il ne profite pas des primes françaises.
pas cher du tout à 5000. C'est français, il vaudrait un petit peu plus cher. À 5000 qui prendront les madons, à 5000, tu passes à droite ici, à 5000. À 5000, à 5000 suivant, s'il vous plaît, maintenant à 5000. À 5000 l'enchère maintenant à 5000. 5 winners under the dam, an 11 time winner as well. À 5000, à 5000, à 5000 qui prendront les madons, à 5000, un seul enchère maintenant à 5000, à droite l'enchère. À 5000, nous sommes si bien vus. À 5000, on 6000, 6000, 6000 enchères. À 6000, nous sommes à 6000, à 6000, à merde. Compton Place, à 6000, ça donne la vitesse, à 6000. À 6000, à 6000, à 6000 enchères maintenant. Prolific winning family here. À 6000, à 6000, à 6000 enchères maintenant. À 6000, c'est bien vu. À 6000, fini là. C'est un beau poulain, ce fils de Morpheus, présenté par Hyde Park Stud. À 7000 enchères maintenant. À 7000, à 7000, à 7000, à 7000 enchères. À 7000, plus vite, s'il vous plaît, là-bas, là, je vois. À 7000, nous sommes maintenant. La mère, elle est confirmée. Hein, 10 produits en âge de courir, dont un gagnant de 10 courses, de 11 courses, Taurus Twins, par Deportivo. Sur le poulain, ce prix-là, à 8000, à 8000 pour le frère de Frankel, à 8000. C'est bien vu, à 8000. Fini là, je crois. Tout se passe par vous. À 8000 enchères maintenant, 8000. Marc, 9000, 9000 enchères maintenant, là-haut. Julien. Ça y est, ça part. 9000, à 9000, à 9000, à 9000, à 9000 enchères maintenant, à 9000, vous le mettez 10000. Arrondissez au moins maintenant, Jean-François. À 9000, nous sommes. À 9000, dernière fois, 10000 enchères maintenant, 10000. À 10000, vous avez mis qu'une seule là-haut, là. À 10000, à 10000, 11, vous le mettez maintenant, 10000. À 10000, n'arrêtez pas maintenant, à 10000. Insistez un petit peu là, Julien, s'il vous plaît. Il a mis qu'une seule enchère. À 10000, à 10000, à 10000, à 11000, 11000 enchères maintenant, oui, à 11000. À 11000, à 10000 enchères, excusez-moi, à droite, à 10000. À 10000, vous le mettez 11000. À 10000 enchères, 11, would you like to be 11? I think it's you, is it? À 10000 enchères, one more if you want to go. À 10000, à 10000 enchères ici, à droite, à 10000. Fini là. Juger à 10 000, dernière fois, dernière chance, 11 000, oui, c'est à 11 000, à 11 000, 11 000 enchères maintenant, 11 000, à 11 000, et plus vous la genre froid maintenant, 11 000, à 11 000, l'enchère en face, en haut, à 11 000, dernière fois, dernière chance, plus vous la, Martin se lève, à 11 000, on la juge. Madame Vicky, et merci beaucoup, 11 000. Le numéro 69 est présenté par l'écurie du Petit Anjouan. C'est un mâle B, né le 28 mars, un fils de Montmartre et Ismaïlia. Joli poulain de Montmartre, petit fils de mon jeu qui est montré en grande action. Hier au cours, ça va faire un très beau 3 ans. Plutôt d'une famille de 3 ans et plus, mesdames et messieurs. Très beau poulain ici. Combien faut-on? On débute à 10 000, allons-y, on démarre 10 000 euros, 10 000, allons-y, à 10 000, à 10 000, joli poulain ici, à 10 000. Action fluide ici, à 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 3 000, voulez-vous? À 3 000, voulez-vous maintenant? À 3 000, à 3 000, 3 000, en face, à 3 000, Julien. À 3 000, à 3 000, à 3 000, en chien maintenant, à 3 000. À 3 000, quel beau poulain ici, à 3 000, à 3 000. Regardez comme il est beau, à 4 000, 5 000, 5 000, j'en fois. À 5 000, nous sommes maintenant, à 5 000, plus voilà, là, ici, à 5 000, à 5 000, 6 000, 6 000, en chien maintenant, à 6 000, à 6 000. 6 000, à 6 000, 7 000, 7 000 euros maintenant, à 9 000, 9 000, 9 000, 10 000, 10 000 enchères à Laetitia, à 10 000, à 10 000, à 10 000 enchères, à 10 000, 12 000, à 12 000, à 12 000, regardez comme les beaux, à 12 000, à 12 000, 12 000, 12 000 enchères maintenant, 12, 15, 15 000 enchères, à 15 000, regardez comme les beaux, à 15 000, à 15 000, Fred gagne 17, 17, oh oh oh, l'enchère par Geoffroy maintenant, Laetitia contre vous, à 17, 20 000 là-haut, à 20 000 enchères maintenant, à 20 000, à 20 000, à 20 000. Ah, le 69, le Montmartre, qui a fait un super boulot hier, présenté par. Benjamin Chauvel de l'écurie du Petit Anjouan, il appartient à Jean Birabin. La mère est part Dunkerque, la mère c'est une sorte de Maxwell, c'est une souche du Kenet, hein. C'est une souche Ed. Le Maxwell c'était un gagnant de l'Istud dans le prix Altipan. À 30 000, à 30 000, oui, il est très très poulain qui a fait un très très beau poulain qui a fait un bon boulot hier. Plein de qualité aussi, à 30 000. À 30 000, tu t'en l'enchaînes maintenant. 30 000, plus vous là, j'en vois 2, 32, 32, 5, 35 à gauche, l'enchaîne. À 35 000, c'est 20, 35 000. À 35, 37, 37, l'enchaîne maintenant. 37 à droite, ici, à 37. À 37 000, 30... Et il fait monter les enchères. 37 000 euros déjà. À 37 000, 37 000, l'enchaîne à droite. Plus vous là, oh, Julien, plus vous à gauche, Sylvain. À 37 000, 37 000, vous lui mettre 20, 30 000. À 37 000, à l'enchaîne à droite, ici, à 30 000. Très beau poulain, à 37 000. J'avais failli l'avoir. À 30 000, l'enchaîne à droite ici, à 37 000. À 37 000, le marteau se lève. À 37 000, l'intention n'est pas que le marteau tombe. 38 000, à 38 000, à 40, voulez-vous maintenant, 38 000, à 38, 38, Julien, plus vous là aussi, à 38 000, à tout de suite. Ouais, un des beaux prix de cette vente, 38, 40 peut-être bientôt. 40, à 38 000, enchaîne maintenant, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 49, 39, 39, enchaîne maintenant, 39 000, à 39, 39, 39, l'enchaîne, à 39 000, Geoffroy, 40, s'il vous plaît, à 39 000, voulez-vous, à 39 000, enchaîne maintenant, 39, 39, va faire, enfin, si on va faire un très, bel, très beau 3 ans, à 39 000, d'une famille que des 3 ans et plus, à 39 000, à 39 000, l'enchaîne en haut, à 39 000, fini là,
40 000 enchères. Ouais, ça on continue de monter gentiment. Si mon trade quand même à 40 000 enchères à droite. À 40 000, nous vendons pas d'erreur. À 40 000, pas de regret nulle part. Attention là, à 40 000, méfiez-vous. Calmement, ouais. Mais il y a le chiffonnet qui est parti. Bon, c'est pas grave, on va l'enlever. Maintenant, on part plusieurs fois à 40 000. On va la juger quand même, on la juge. Ok, oui. 40 000, merci beaucoup Geoffroy, 40 000. Et c'est vendu à 40 000. Peut-être, merci beaucoup. Merci mademoiselle, merci beaucoup. Le numéro 70 est présenté par l'écurie du Petit Angevin, Miss Wolf, une pouliche bée. Elle est née le 18 mai par Amadeus Wolf et Jacques Ali. Amadeus Wolf, grand vainqueur. Sprinter, mesdames et messieurs, le père de Hamza, le père aussi de Papagena Star, vainqueur groupe 3, Hamburger Student Prize en Allemagne, Mr. Seawolf aussi, combien retourne ici de la bonne famille. Et c'est Nicolas de Vatrigan de Mondor Agency qui va signer le bulletin. Richmond Stakes, troisième de Jersey Stakes à Royal Ascot, combien retourne ici, excellent croisement ici de Dane Hill, Machiavelli. Et on arrive au 70, Miss Wolf, une fille de Amadeus Wolf. Quelque part, à 3 000 euros, voulez-vous maintenant à 3 000, mettez vos enchères à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, à 3 000, enchères maintenant à 3 000, à 3 000, le père de Hamza à 3 000, à 3 000, à 3 000, preneur à 3 000, donnez-moi 3 000, quelque part à 3 000, le père de Papagina, c'est Papagina Star à 3 000, à 3 000, oui, à 3 000, voulez-vous maintenant à 3 000, voulez-vous à 3 000, à 3 000, mettez vos enchères à 3 000, toutes les mains devraient s'élever à 3 000 euros, c'est pas cher du tout, vraiment à 3 000 euros, c'est sûr, à 3 000 euros, voulez-vous, à 3 000, de la même famille de Hunting Lion, excellent 2 ans, à 3 000, c'est sûr, pas de regret nulle part, 3 000 euros, voulez-vous. Lot suivant. Le lot suivant est le numéro 61. Allez, on passe au lot suivant. Carmucho, un fils de Elusive City présenté par Yann Kreff. Né le 24 février. Famille de Kouroun. Et la mère par Karbayuna, une fille de Kouroun aussi. Mesdames et messieurs, regardez bien la profondeur ici. Un très beau poulain. Ouais, très beau poulain qui a fait un bon boulot hier. Comme tous les chevaux de Yann Kreff d'ailleurs. Ils sont vraiment super bien présentés. Qu'on a interviewé tout à l'heure, Yann Kreff. Installé à Mont-de-Marsan. Un breton installé à Mont-de-Marsan après avoir fait ses classes en Normandie. D'autres, la mère y gagne 4 courses elle-même et c'est le frère d'un gagnant. D'une gagnante, 3 courses. Combien faut-on ici pour dévider ? Allons-y. Et Karbayuna, qui est une jument efficace, 4 victoires sur les pistes. Et mère de Karbayan, une fille de Artif Marshall, qui compte, elle, 3 victoires. 52 000 euros de gains. Ici à 3 000. 30 000 euros, voulez-vous, avec de l'os aussi à 3 000. À 3 000, droite, l'enchaîne maintenant à 3 000. À 3 000, nous sommes à 3 000. À 3 000, à 3 000, de la même famille de Connaître à 3 000. Inbred Connaître aussi à 3 000. À 3 000 euros maintenant à 3 000, 4 000, 4 000, 4 000 enchères. Là-haut, Julien, votre enjeu, oui, à 4 000. À 4 000, 4 000, 4 000, le sable. À 4 000, tout en haut maintenant à 4 000. À 4 000 euros maintenant à 4 000. À 4 000, 5 000, 5 000, qui m'appelle? Oui, 6 000 enchères, 6 000 enchères en haut, à 6 000, 6 000 enchères maintenant, à 6 000, à 6 000 tout en haut maintenant, à 6 000, Geoffroy, c'est plus vous là, à 6 000, à 6 000 enchères maintenant, regardez l'os, à 6 000 aussi, à 6 000, nous sommes maintenant, à 6 000, le fils est Luce City, l'enchère en haut par Julien maintenant, à 6 000, 7 000 euros maintenant, à 7 000, à 7 000, 8 000 enchères, à 8 000, nous sommes, à 8 000, sommes, à 8 000 enchères maintenant, en voir, on disait au moins, s'il vous plaît. 10 000 enchères maintenant, à 10 000, à 10 000, 10 000, 12 000, à 10 000, beau poulain, bien rond ici, à 12 000, à 12, avec du cadre aussi, à 12 000, 15 000, 15 000 enchères, à 14 000, 14, 15 000, 15 000 enchères maintenant, à 15 000, à 16 000, 16 000 enchères maintenant, à 16 000, 18 000, 18 000 enchères, à 18 000, 20 000, ouais. 18 18 18 il intéresse du monde, hein, ce Elusive City, Carmucho. À 18 18 plus vous là, Geoffroy, à 18 000 enchères maintenant, à 18 c'est à Julien qui gagne encore maintenant, Geoffroy, c'est plus vous là, à 18 000, 19 voulez-vous. Vous voulez pas mettre 19? Non? À 18 000 enchères, tout en haut, à 18, 18 000. Rien à gauche là, à 18 000, rien en face. En haut l'enchère, à 18 000, on va juger alors à 18. Fini là, à 18 000 euros. On les juge. Julien, merci beaucoup, 18 000. Le numéro 72 est présenté par l'écurie du Petit Angevin. C'est un poulain B, né le 29 janvier, un fils d'Olympic Glory. Et la Marisma, nous avons un certificat du docteur vétérinaire Emmanuel Boutin qui certifie que le poulain a reçu ce matin des anti-inflammatoires suite à une petite blême sur le pied antérieur droit. Ouais, fils de l'excellent Olympic Glory qui ne cesse de faire des grands vainqueurs pour l'instant. Merci. Hier, le gagnant de l'Estade, Watch Me, Pétion aussi, les poulains Glory, Glory Stein. Beaucoup d'autres, Minted aussi, la mère et sœur de Literato. Alors, le 72.
Poulain d'Olympique Glory. Tandis que c'est Antoine de Vatrigan qui signe le bulletin d'achat pour le lot précédent. Carmucho, le numéro 71. Antoine de Vatrigan. Et là, nous avons Olympique Glory, donc, qui s'est illustré hier en sortant sa première gagnante de groupe, Watch Me, dans le prix Imprudence. Olympique Glory ici à 3000. À 3000, vous avez certainement vu la course hier de Watch Me à 3000, c'est le même père. La mère et sœur de Literato, le champion Literato, gagnant des Champion Stakes pour Jean-Claude Rouget et deuxième du prix du Jockey Club. 3000 euros qui prend la relais maintenant à 3000. Une seule à droite de l'enchère. On va juger à 3005. La bonne famille de Literato, le mère et sœur de Literato, à 3000, dernière fois, dernière chance. À 4000 enchères. À 4000 enchères en haut là, dans 4000. À 4000, Laurence, votre enchère à 4000. À 4000, Jean-Foy, c'est plus vous là. À 4000, vous avez mis qu'une seule là, Jean-Foy. Remettez-en une là, s'il vous plaît. À 4000, nous sommes. À 4000, tout en haut là. À 4000, fini, c'est sûr. Rien à droite, rien à gauche, l'enchère en haut. 5000 enchères maintenant à 5000. À 5000, nous sommes maintenant à 5000. Olympique Glory ici à 5000. À 5000, le père de Watch Me à 5000. À 5000, enchères maintenant à 7000. Excellent poulain de course aussi à 5000. Le petit-fils est choisi ici à 5000. À 5000, tout en haut, l'enchère par Laurence, n'est-ce pas? Laurence, c'est vous. À 5000, nous sommes dans 5000. C'est bien vu. À 5000 euros. Dernière fois. Tenez là. On est juge. Paul Murphy, sorry for keeping you up. 5000. Merci beaucoup. Le numéro 73 est absente. Le 73. Bon, 5000 euros seulement pour l'Olympique Glory. Donc, on va passer au 74 en l'absence du 73. Né le 6 mars par ordonnance, c'est une fille de Anodin présentée par Pascal Bayer pour le compte de Daniel Collet. Fille de Anodin, issue d'une suge. C'est la petite nièce de Terre à Terre, gagnante du prix de l'opéra, et donc c'est la petite cousine également de Nonza, gagnant du prix Jean Romanet, groupe 1. Joli modèle, précoce. Bonne suge, c'est pour les groupes aussi. Combien faut-on ici pour débuter la fille de Anodin? 10 000, voulez-vous? Donnez-moi 10 000 quelque part. À 10 000, à 10 000 euros. Voulez-vous 10 000? Allons-y. 10 000, 5 000, 5 000. Donnez-moi 5 000 quelque part. À droite, l'enchère à 5 000. 5 000, à 5 000, Laetitia. À 5 000, nous sommes maintenant à 5 000. À 5 000, l'enchère maintenant à 5 000. À 5 000, à 5 000, à 5 000. Suivant, s'il vous plaît, à 5 000. À 5 000, l'enchère maintenant à 5 000. Excellent sujet. Nonza, grand vainqueur, groupe 1. L'année passée, à Deauville, prix Jean Romanet. À 5 000, à 3 000, à 3 000. L'enchère maintenant à 3 000. Une seule maintenant à 3 000. À 3 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, maintenant à 3 000. La fille d'Anne. Samil, par Laetitia, excuse-moi. À 5000, nous sommes maintenant à 5000. À 5000, à 5000, l'enchère maintenant à 5000 par Laetitia, à 5000. À 5000 qui couvre l'enchère maintenant à 5000. À 5000, c'est bien vu. À 5000, la famille Nonza. À 5000, à 5000, une seule. À 5000 euros, c'est bien vu. À 5000 euros, on peut la juger. À 5000, fini là. L'enchère, 5000. 6000, l'enchère maintenant à 6000. À 6000 à gauche, l'enchère maintenant. On donne ça à Lugeléon maintenant à 6000. À 6000, nous sommes maintenant à 6000. À 6000, 7000, voulez-vous maintenant à 6000. À 6000, voulez-vous mettre 7000, Laetitia, à 6000. À 6000 à gauche, enfin Julien maintenant à 6000. À 6000, c'est vraiment, c'est pas cher du tout. Un excellent sujet matériel, surtout dans lequel les plus riches sont souvent meilleurs que les mâles. À 6000, enchaîne maintenant à 6000. À 6000, à 6000, à 6000, enchaîne, c'est bien. Une grande famille de vin. Julien. Famille de vin qui a perdu son cher Turgeon qui s'est endormi à 33 ans, dans la, paisiblement, pour aller au paradis des chevaux. 75 a présenté par. Il y a quelques jours. Alors, 6 000 euros, 3 000 euros, pardon, pour le 75. Non, 74, 6 000 euros, excusez-moi. Donc, on va passer au 75. Deuxième produit présenté par l'écurie de la dentelle Nicolas Martineau. Un fils de Dunkerque qui a fait un très, 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 très bon travail que vous allez pouvoir suivre maintenant. Écurie de la dentelle. Joli poulain, le seul pas de Dunkerque dans le catalogue qui a bien fait son boulot hier, de bonne taille, bien équilibré. Surtout une deuxième pour la fin de saison, plus d'une trois ans. Combien faut-on ici pour débuter? Allons-y, 10 000, voulez-vous donner-moi 10 000 quelque part? Joli poulain ici à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 5 000, à 5 000, à 3 000, allons-y à 3 000, à 3 000 euros maintenant, à 3 000, mettez vos enchères à 3 000, 3 000 à droite, à 3 000. Alors Dunkerque qui est. Ah, il a été vendu au Maghreb, je crois, Dunkerque. Il a fait la monte.
4 000, 6 000 enchères. Laetitia, 3 victoires. À 6 000, à 6 000, à 6 000 enchères. 7 000 euros, 7 000. À 7 000, nous sommes maintenant à 7 000. À 7 000 à gauche, à 7 000. Magnifique poulain ici, à 7 000. À 7 000, à 7 000 qui prend la relève maintenant à 7 000. 6 8 000 enchères maintenant à 8 000. À 8 000, arrondissez maintenant au moins maintenant, s'il vous plaît. À 8 000, à 8 000, Julien, 10 000. 10 000 enchères là-haut. À 10 000, à 10 000, à 10 000. Très beau poulain ici, à 10 000. Très beau, avec la présence ici, à 10 000. À 10 000, à 10 000, nous sommes maintenant à 10 000. À 10 000, la mère, il gagne plusieurs courses. La frère, il gagne trois fois aussi, à 10 000. À 10 000, à 10 000, à 10 000 enchères maintenant. 10 000, 12 000, 12 000 enchères. À 12 000, à 12 000, à 12 000 enchères maintenant. À 12 000, à 12 000, les jeunes, c'est 15 000, 15 000 enchères maintenant. À 15 000, à 15 000, né en avril aussi, à 15 000. Né le milieu et le mi-avril aussi, à 15 000. À 15 000, vous voulez pas mettre 17 maintenant. À 15 000, à 15 000, en haut, à 15 000, 17 voulu ou genre fois. À 15 000, à 15 000, très beau poulain ici, à 15 000, pas cher, à 15 000. À 15 000, le fils de Dunkerque, à 15 000. À 15 000, en haut, l'enchère maintenant, à 15 000. 15, 17, 17, l'enchère maintenant à 17. Ou 16, 16, sans mieux, 13 000. À 16 000, à 16 000, l'enchère, 17, voulez-vous. À 16 000, 17, voulez-vous maintenant à Laurence. À 17 000, 17 000, l'enchère à droite. 16 000, à 16 000, à droite, l'enchère. À 16 000, à 16 000, nous vendons pas d'erreur ici. À 16 millions, fini là, fini à gauche, rien en haut, rien en bas. L'enchère à droite, à 16 000, on peut la juger. À 16 000, on va juger cette fois-ci. À 16 000 euros, on la juge. Geoffroy, 16 000, merci Geoffroy. Place au numéro 76, qui est présenté par le Harad de la Barrelière. Made in Barrelière, un mâle noir pangaré, né le 15 mai par Trajano et Madilena. Si ce Trajano, c'est le propre frère de Santorina, Traigua qui était placé, laissé aussi, la mère va Anba. Il y en a donc là aussi dans la famille Moutin, Machado, beaucoup d'autres, comme il y a aussi pour le début des bars, on y a 10 000, on a 10 000 quelque part. À 10 000, le fils de Trajano, Trajano ici à 10 000, à 10 000, mettez vos enchères. À 10 000, Trajano, fils élu sur qualité, c'est le père de Salerno et Santorino aussi à 10 000. À 10 000, à 10 000, à 5 000, à 5 000, 3 000, voulez-vous à 3 000. Mettez vos enchères à 3 000, à 3 000, mettez vos enchères s'il vous plaît à 3 000. Le fils de Trajano d'un croisement qui a déjà réussi 4 fois avec Santorina. À 3 000, à 3 000 euros maintenant, à 3 000, voulez-vous à 3 000. Mettez vos enchères ici à 3 000. Le frère de Black Type, qui est à gauche, l'enchère maintenant à 3 000. 4 000, 4 000, 4 000. Nous sommes maintenant à 4 000. Le frère de Black Type aussi à 4 000. À 4 000. Julien, plus vous, à 4 000. À gauche, à droite, l'enchère à 4 000. À 4 000. Trajano ici à 4 000. À 4 000, 4 000. Nous sommes. Le frère de gagnant 4 courses, 5 000. L'enchère maintenant à 5 000. À 5 000, nous sommes. À 5 000, à 5 000, à 5 000. Suivons, s'il vous plaît, à 5 000. À 5 000. Suivez la Geoffroy maintenant à 5 000. À 5 000. Pressons quand même à 5 000. Bonne famille. Black, beaucoup de black type à 5 000. À 5 000 à gauche, l'enchère maintenant à 5 000. À 5 000, à 5 000. Suivant maintenant à 5 000. Pour vous, là, Geoffroy, à 5 000, nous sommes, si bien vu. À gauche, Julien, à gauche, là, à 5 000, nous sommes. Fini là, à 5 000. Dernière fois, dernière chance, là, à 5 000. Geoffroy, on est juge. Par vous, Geoffroy, merci beaucoup. 5 000. Le numéro 77 est présenté par Hyde Parkshood, un poulain B né le 8 mars, un fils de Lohmann et Mariana. Thank you, John. Le fils de Lohmann ici, comme on l'avait dit, le père de Most Improved, la famille, toute bonne famille de novelistes qui a une victoire gagnante du Grand Prix de Saint-Cloud Groupe 1. Une mère par le dur Manduro. Un bon marcheur ici, un poulain Racy Horse ici, le fils de Lohmann. Combien d'habitants les enchères? Allez-y, 20 000, 20 000, à 20 000 euros, 20 000, qui m'appelle à 20 000 euros, 15 000, si vous voulez, 15 000, 15 000 euros, à 10 000 euros, Kilibilo Mal, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, à 10 000 euros, le père à Bourlow, Just the Judge, à 10 000 euros, 10 000 euros, maintenant 5, 5, qui débute 5 000 euros, Nice Code Here, 5 000, 5 000, à 5 000 euros, qui débute 5 000 euros, 3, 3 000, 3 000 euros, qui débute 3 000, 3 000 euros, Novelist, bon pédé, à 3 000 euros, merci Geoffroy, à 3 000, à 3 000. 4 000 euros, à 4 000 euros maintenant, 4 000 euros, 4 000, à 4 000 euros, 5 si vous voulez, Night Tango, National Academy, à 6 000 euros, j'ai maintenant 6 000, we are à 6 000, à 6 000, Lohmann, le père de multiples gagnants de groupe 1, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, 6 000 euros, 7 si vous voulez, à 6 000 euros, 7 000 si vous voulez, 7 000 maintenant, j'ai là les 7 000, à 6 000 euros, 6 000 only, we are, à 6 000 euros, c'est vous Geoffroy, à 6 000, c'est bien vu, à 6 000, rien en face, ni à gauche, qui m'appelle? 7, 8, 8 000. À 8 000 euros, 10, mélangez maintenant 10 000 euros, 10 000, we are à 10 000, 10 000 euros. Lohmann, Manduro, 10 000. À 10 000 euros maintenant, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000. Qui continue les enchères de 10 000 à 10 000? À 10 000 euros, c'est bien vu, à 10 000, le père de Most Improved, Marcel, Lohmann,
Enforcement à 10 000 euros. À 10 000 euros, Geoffroy, votre enchère. A very nice colt here, good walker, a three-year-old racing colt à 10 000 euros. Bien vu, votre enchère Geoffroy à 10 000. Le marteau se lève, rien à gauche, fini en face à 10 000. On la juge. 10 000, Geoffroy, merci. Place au numéro 78 présenté par le Haradéphone, Gordy Shop, Pouliche B. Elle est née le 16 avril par Amalius Wolf et Mélamar. Elle est vendue pour 50% sans TVA. Notez que depuis la sortie du catalogue, dans la famille Mediashop vient de se placer deuxième du prix Marsan à Mont-de-Marsan et quatrième à Pau le 30 mars. Et dans la famille également, il y a Sandy Dream qui vient de gagner le prix de Tarascon à Marseille-Vivaux et s'est classé troisième du prix des Genevriers à Cagnes-sur-Mer, une épreuve courue le 20 février. Donc on vient de lire le Manus Wolf, le père de Mr. C. Wolf, gagnant le groupe 3. Et des updates dans la première mère, ici Emel Amara et la mère de Melidia Shop, plus une place, deuxième du prix de Montmartre. Et plus de 15 000 euros de gains ici pour la fille Amadeus Wolf, la mère Cinda, une mère qui a produit vainqueur, gagnante. À combien débutons les enchères? Allez-y, 5, 5 qui débute, 5 000 euros. Le père d'Avalin, 5 000 euros, 5 000 euros, 3, 3, 3, à 3 000 euros. Avec un bon père de mère Cinda ici, Flotilla, à 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, qui débute, 3 000, 3 000, 3 000, Amadeus Wolf, 3 000, qui débute, 3 000. 3000, who's calling me? À 3000 euros, à 3, 3, 3, qui livre l'enchère de 3000? Qui m'appelle? À 3000 euros, 3000, 3000 euros. À 3000 euros, la mère Cinda, à 3000. Spirito del Vento, la famille, à 3000 euros. À 3000 euros, c'est bien vu, 3000, qui prend l'enchère de 3000? Amalaïs Wolf, 3000, père de plusieurs vainqueurs, à 3000. Qui m'appelle? À 3000 euros. Retirez, faute d'enchère. Le numéro 79 est absent. Place au numéro 80, présenté par le Haras de Sauboisse. Spirit of Saint-Louis, un mâle B, né le 5 mai, un fils d'Anodin et Midas Médusa. Le 80, Anodin, présenté par Sauboisse. Avec une mère, Lucif City. Spirit of Saint-Louis. C'est la propre sœur, la mère de Mr. Hudgy. Qui gagne de plusieurs listes. Un mal d'Anodin. Le frère de Mr. Yugi. World Silver. À combien débutons les enchères ici? Le fils d'Anodin, le père de Armless, Incendie, Anodor. Allez-y, 10 000 qui débute, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, mère Lucif City. Non, pardon, le neveu de Mr. Yugi. Voilà, je m'y perdais. Le neveu de Mr. Yugi, gagnant de listode. 5 000 euros. Et donc, un fils d'Anodin, né assez tard, hein, le 5 mai. 5 000 euros. 5 000 euros, l'enchère est à droite à 5 000. J'ai mal en 5 000. Si, si vous voulez, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5, 5 000. À 5 000 euros, 6 000. On y revient maintenant à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6 000. 6 000 euros, l'enchère de 6 000 à 6 000. 6 000 à 6 000 euros pour vous, Laetitia, 6 000 à 6 000. À 6 000, plus vous, Geoffroy, à 7. On y revient maintenant à 7 000. J'ai maintenant 7 000, 7 000. À 7 000 euros, Anodin, 10, 10. On y vient à 10 000, 10 000 euros, maintenant 10 000, 10 000 euros. Chic Poulain ici, à 12, on est 12, 12 000, 12,000, we are now à 12 000, à 12 000 euros, j'ai maintenant 12 000, 12 000 euros, maintenant 12, 12 000, à 12 000 euros, l'enchère est ici avec vous, Laetitia, à 12 000, 12 000, Anodin, à 12 000 euros, Harmless, 12 000, à 12 000 euros ici, à 12 000, 12, 13, 14 000, 14 000, 14 000 euros, maintenant 15 000, si vous voulez, 15 000, plus haut, Geoffroy, j'ai 15 000 avec Laetitia, à 15 000, 15,000, we are. À 15 000 euros l'enchère, à 15 000, à 15 000. À 15 000 euros, le marteau peut se lever à 15 000 alors. À 18 000, on y revient maintenant à 18 000 euros, 20. Si vous voulez, Anodin, 20 000. À 18 000 euros l'enchère, 20. 20, Laetitia, on y est maintenant 20 000. J'ai maintenant 20 000, 20 000 euros. À 20 000 euros. À 20 000 euros, avec une mère, le professeur du Mr. Hudgy, 20 000. 20 000 euros. À 20 000 euros. 20 000 euros, 22 000. J'ai maintenant 22 000, 20 000 euros, 25. Si vous voulez, à 22 000 euros, 25 000. Laetitia, 25 000. 25,000 we are. À 25 000 euros maintenant, j'ai maintenant 30 000, j'ai maintenant 30 000 euros, 35 000. À 35 000 euros, 35,000 we are. À 35 000 euros, j'ai maintenant 35 000 anodins, 35 000. 35 000 mais dedans, ça monte, hein. 40 000 euros déjà pour le anodin. 45. À 45 000, j'ai maintenant 45 000. Geoffroy, votre enchère, 45 000. 50. L'un des plus gros prix de la vente. Il y a 55.
55, Geoffroy. 55 000, j'ai maintenant 55 000, 60, si vous voulez, 55 000. 55 000, we are. À 55 000 euros, Geoffroy, la vente en chaire de 55 000, 55 000. À 55 000 euros, plus vous, Laetitia, 55 000 euros en chaire, 60. Pour vous, 60,000, we are. Deuxième prix, on rappelle que le top price, il est à 90 000 euros pour l'instant. À 60 000 euros, vendant. Déjà présenté par le Rade Sauboisse. À 60 000 euros, c'est bien. Acheté par Christophe Ferland pour l'écurie Vivaldi, Didier Crenc et Bruce Toussaint. À 60 000 euros, plus vous, Laetitia. 60,000, we are. Geoffroy, votre enchère. Rien à gauche ni en face au restaurant. Plus vous, Laetitia. J'ai 60 000 euros avec Geoffroy. À 60 000 euros, le marteau se lève, c'est bien vu. Last call, dernière chance, dernier appel. À 60 000 euros. On a du jeu. Geoffroy, 60 000, merci. Place au numéro 80. Et le marteau est tombé à 60 000 euros. Caline Pouli-Chalzane. Née le 2 avril par Sriputra et Mina Hill. Notez qu'elle est vendue sans TVA. Et c'est de nouveau. La troisième mère, Mamma Mia. Et c'est de nouveau Christophe Ferland. Fureur de vivre. Qui achète en fait, le deuxième top price de la vente. Notamment. Après avoir acheté le premier top price de la vente, c'était le lot 42. Le 29 mars. La fille de Sriputra ici qui se présente devant vous, la petite fille d'Oasis Dream. Avec une de nouveau Christophe Ferland avec Spirit of Saint-Louis. Le produit de Anodin. Et c'est une mère qui est gagnante qui a plus de 74 000 euros de gains. La famille de Muller, de Funny Pearl. Spanish Well, les chevaux durs dans le pédigré ici. Combien débute-t-on pour la petite fille d'Oasis Dream? Allez-y, 10 000, 10 000, 10 000 euros. À 10 000 euros, 10 000 euros, qui débute 5, 5, 5 000, 5 000 euros. 5 000 euros, qui débute 3, 3, 3 000, qui débute 3, 3, qui m'appelle à 3 000, 3 000 euros. Green Ginger, père de mère, petite fille d'Oasis Dream. Sriputra à 3 000 euros, qui débute 3 000, 3 000 euros, qui m'appelle 3 000, 3 000 euros. Qui démarre les enchères de 3 000. Merci, Laetitia 3 000. À 3 000 euros, j'ai 3, 4, on y revient maintenant à 4 000, tout de suite à 4 000, et on active dans les enchères à 4 000, 5, 5, bien sûr à 5 000. Correct, Pouliche ici, 5 000 euros seulement, 5 000 euros, 5 000 euros, Pouliche sérieux, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, Laetitia, 5 000, plus vous, Geoffroy, 5 000, 6, 6 000 on est, à 6 000 on est, à 6 000 maintenant, 6 000 euros, Laetitia, c'est plus vous, j'ai 6 000. La famille de Polydance même, on s'en rappelle, Polydance qui avait gagné une listote pour Jean-Claude Roger, un cheval qui avait été acheté à réclamer. Pas d'erreur, à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros, c'est bien vu, pas le regret, n'est pas à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros, bien vu, pas le regret, n'est pas à 6 000, l'enchère est à droite. À 6 000 euros, bien vu cette fois-ci par là. Vous venez assez tardivement pourtant, au mois de mai. À 8 000 euros, j'ai maintenant 8 000 euros, maintenant 8 000. Et Christophe Ferland qui fait le top price numéro 1 et le top price numéro 2. Bravo Christophe. Quelques explications sur l'achat de ce Spirit of Saint-Louis? Ouais, c'est un bon poulain que j'ai suivi au Haras du Sauboisse depuis un petit moment. Un poulain que j'aime bien, qui a une belle locomotion. Voilà, c'est un poulain sain, je sais qu'il est sain et c'est déjà important et voilà. Tout à l'heure, tu avais acheté pour l'écurie Vivaldi, là c'est pour le même ou un autre client peut-être? Non, c'est un autre client, c'est un groupe de clients étrangers. Voilà, ça va être une petite association avec des clients étrangers. D'accord, une fois de plus pour en prendre son temps derrière? Ouais, on va prendre un petit peu son temps, il est né le 5 mai. Donc c'est pas un poulain super précoce, mais c'est un poulain qui me semble assez véloce pour débuter peut-être en fin d'année. Merci Christophe, bravo. 60 000 euros pour le numéro 80, Spirit of Saint-Louis. Vient de se placer. Allez, maintenant on arrive au numéro 84, parce que le numéro 83 est absent. Le numéro 83, 80... Le fils de Lisio, le petit-fils de Dacker Hill. 4 qui n'est pas passé hier au Canter. C'est la propre sœur de Bing Country, la mère, la famille Moutney, Elisa. Tout bon pédigré ici derrière, Good Moon. Combien débutons ici les enchères pour ce beau poulain de Lisio? Allez-y, 10 000, 10 000 euros. Chic poulain ici à 10 000, 10 000 euros. 5, 5 poulains sérieux, 5 000. 5 000 euros, mais High Chaparral, 5 000 euros. Pas mal né, hein, la mère, elle est pareil, Chaparral. Bon, Lisio, le père, on le connaît pas bien. Il a fait la monte au Haras de la Barolière. 3 000 euros, Green Mint, Trim, appel à 3. C'est la famille de Kostroma, Beverly Distex. Bon, c'est sous la cinquième mère, certes, mais plus près, Montelisa, la deuxième mère, a gagné l'Istone en Italie. Seulement à 3 000, 3 000 qui prend l'enchère, à 3 000, un petit vide de Tiger Hill, High Chaparral. Et elle a fait Big Country. Déjà pareil, Chaparral. Donc la mère, en fait, elle est propre sœur de Big Country, gagnant de l'Istone. À 4 000 euros, 4 000 euros. Gagnant de 241 000 euros. Un Big Country qui a 6 victoires à 4 000 euros, plus de 240 000 euros de gains. Et on parle de 4 000 euros ici. À 4 000 euros, une mère à Chaparral à 4 000, à 4 000. Tiger Hill à Chaparral à 4 000 euros. C'est Geoffroy à votre enchère.
plus vous le rance. À 4000 euros seulement, à 4000, c'est un beau poulain, hein. À 4000 euros, bon tissu, à 4000 euros qui a à faire encore, à 4000 euros, c'est bien vu, à 4000 euros, fini au restaurant, l'enchère à droite. Et après, on va avoir le 85, alors là, on peut faire flamber les enchères également, parce que c'est un fils de Sioni avec une mère par Johannesburg. Le marteau va se lever à 4000, à 4000 euros, High Chaparral, Lizio, 4000. Donc c'est une possibilité de passer la barre des 50 000 aussi. Hein. On a juge, 4000 Geoffroy, merci. L'écurie Prévost-Barat. Voilà, l'écurie Prévost-Barat qui va passer le numéro 85, un fils de Sioni qu'on a hâte de revoir en action. Fils de Sioni et Mythical Board. Notez que Sioni est le père d'Étoile, deuxième du prix Vento, labellisé groupe 3. Ce poulain numéro 85 est vendu sans TVA. Le beau poulain ici, chic poulain sérieux, le fils de Sioni. Avec une mère Black Tie par Johannesburg et un super père de mère aussi. Père de bon, alors Johannesburg, son père de mère, est le père de Scat Daddy, dont tout le monde parle. Père de Salzburg aussi d'ailleurs. Mystical Border, la mère. Elle est troisième des Flying Shedder Stakes. Groupe 2. Elle a déjà donné un vainqueur, Mythical Creature. Et c'est la sœur de Long Lashes. Très bon jument, hein, Long Lashes. Les Sweet Solera Stakes, groupe 3. À 20 000 euros, 10, 10. Vieille souche américaine, où on trouve, canadienne même d'ailleurs, on trouve l'enjôleur. C'est la souche aussi de Holly Roman Empereur. Allez, 15 000, c'est pris. 15 000, Laurence, à 15 000, 15 000 euros. À 20 000, on y revient maintenant, 20 000, 20 000 euros, maintenant 20, 25 000, 25 000, see you now. À 25 000 euros, j'ai maintenant 25 000, Laurence, au restaurant, 25 000, 30 000, Lorraine, City Light, 30 000 euros. À 30 000 euros, à 30 000 euros, maintenant 30, super père. À 30 000 euros, top 5 des étalons français. À 30 000, à 34. 35 000, 35 000 euros, 40 si vous voulez. À 30, 40, Fresh Builder, 40 000, tout le monde d'accord. À 40 000 euros, je m'en rends 40 000, we are. 45 000, 45, we got. À 45 000 euros, maintenant 50, si vous voulez. À 45 000. Voilà, on est déjà à 45 000. We are, see you need. À 55 000 euros, jeunesse boom dame. À 55 000 euros, 60, 60 000. À 60 000 euros, j'ai une enchère de 65, si vous voulez, 65 000. À 65 000, we are now. À 65 000 euros, 70, si vous voulez. À 65 000 euros, nice call, good worker here. À 65 000 euros. À 65 000 euros. 70 000. 70 000 au restaurant Laurent, 70 000 is. À 70 000 euros, chic poulain ici, belle tête ici. À 70 000 euros signé. À 70 000 euros seulement. 70 000 euros, on en est déjà au restaurant. Au deuxième top price. Est-ce que ce poulain de Sioni va 15. passer les 90, c'est-à-dire devenir top price. Et pourquoi pas atteindre la barre des 100 000 75. On nous le saurons dans quelques instants. Sioni, la mère Johannesburg, présentée par l'écurie Prévost-Barat. Donc là, on a du lourd. 75 000 euros, c'est pas l'erreur, 75 000. Fini, Laurence. Que fait-on? Très beau poulain, Kumer, qui est Black Tab, Johannesburg, Sioni, qui est très signé comme le père, même le grand-père, à 75 000 euros, c'est bien vu, pas l'erreur. 75 000 euros l'enchère. C'est est-ce qu'on va en rester à 75 000 euros, ce qui le placerait en deuxième position? Pour vous, Geoffroy, c'est ça? À 75 000 euros, 75 000, rien à gauche, fini en face au restaurant, à 75 000 euros. Le marteau peut se lever pour vous, Geoffroy, à 75 000 euros. On adjuge. Geoffroy, merci, 75 000. Place au numéro 86, qui est présenté par le Rad. Mandor, à Jancy. Un poulain B, né le 7 avril, un fils de Captain Marvelous et Noble City. Mandor Agency, Nicolas Zetrigan, qu'on avait interviewé tout à l'heure. Première mère, Cressida vient déjà pour un autre bel achat. Du prix des Feuillantines à Saint-Cloud le 22 mars. Mandor Agency, merci. Nicolas Zetrigan, qui est félicité bien sûr par Philippe Prévost-Barat. Très actif, Nicolas Vatrigan, mais il est chez lui, hein, habite à Mont-de-Marsan, c'est pas très loin. Marvelous, qui se présente devant vous. On a déjà vu tout à l'heure et qui, évidemment... Stella, Noble Jewelry, Noble Prince, bon pédigré allemand ici derrière. Ne pouvait pas rater cette occasion. Ne pouvait pas rater cette occasion d'acheter un Sénie, j'imagine, Nicolas. Dans le prix à Saint-Cloud. Il va récupérer sa petite feuille verte, la rose plutôt. Ce n'est pas le permis de conduire, c'est le permis d'acheter. Nicolas, bravo, on ne pouvait pas laisser passer une occasion comme ça, un Sioni, n'est-ce pas? Non, je pense que c'est... 5 000 euros, qui débute 5, 5, 3, 3, 3, qui débute... Honnêtement, je suis agréablement surpris. Tu pensais être obligé de mettre 100 000? Ouais, pour un Sioni qui est en superbe état, qui connaît un petit peu son historique.
qui était élevé par Al-Shahania, donc voilà, on sait qu'il a été bien élevé. Philippe Prévost-Barat nous l'a fortement recommandé. Le cheval s'est déplacé magnifiquement bien sur la piste, il avait un super bilan veto. Voilà, je suis très content. Donc il va aller chez Richard Hannon. Pour Middle Park Racing, que je remercie fortement. Et écoutez, pour l'instant, ça s'est bien passé parce qu'on a acheté seulement deux chevaux à Vendosarus. Et on a acheté Boitron et Tigre du Terre. Ah, formidable. Alors là, 100%. Voilà, donc Boitron qui court samedi à Newbury, les Greenlands, donc c'est super. Voilà, donc pour Middle Park. Voilà. Génial, merci. Merci beaucoup, merci, bravo Nicolas. Middle Park Racing, donc l'entraînement de Richard Hannon, et effectivement pour l'instant Nicolas Vatrigan avait acheté Boitron qui court les Greenham préparatoires de Mille Guinées là ce week-end, et puis avant il avait acheté Tigre du Terre qui a réussi une très très bonne carrière. Et donc ce troisième achat, on espère qu'il va suivre la même voie, le fils de Siouni. Acheté 75 000 euros. Classé deuxième du prix de la Chauvinière, une classe 2 à Nantes le 5 mars, et également deuxième du prix Agnès World, un Méden au Croisé-la-Roche le 20 mars. Le fils de l'Oman qui merde d'Alakani, la famille de Peace Royal, Peace in Motion, bon pédigré allemand aussi ici, avec Ed Update, Pinja, comme on vient de le dire, qui est placé depuis l'apparition. Le père de Most Improved ici, allez-y. Il pensait être obligé d'aller jusqu'à 100 000 euros pour ce cheval. Il est agréablement surpris du fait de l'avoir payé seulement 75 000 euros. Cheval qui a été vivement recommandé par le écurie Philippe Prévost-Barat, un élève de Al-Shahania. Donc maintenant, on en arrive quasiment à la fin du catalogue, puisqu'on en est au 87. Laetitia à 5 000, Chic Poulain à 6 000, Gémarat Sobouas à 6 000 euros. 8, 10, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros. Ah, 10 000 euros, l'enchère est en face de moi, 10 000 euros, plus vous je crois. 15 000 euros. Ah, 15 000 euros, très beau poulain ici, Loman, 15 000. A very strong colt here. À 15 000 euros, 20 000, j'ai maintenant 20 000, à 20 000. À 20 000 euros, 25 000 euros, j'ai maintenant 25 000, Loman, 25 000. À 25 000 euros, j'ai maintenant plus vous en face, Laetitia, 25 000, j'ai à droite avec Geoffroy, 25 000. À 25 000 euros, l'enchère, 20, 30, 30 000 euros. À 30 000 euros, j'ai maintenant 30 000 euros, j'ai 30 000. À 30 000 euros, plus vous, Geoffroy, j'ai 30 000 en face avec Laurent, 35 000. 35 000, we are. À 35 000 euros, maintenant 35 000 euros, plus vous. Ouais, bien né ce poulain de Loman, effectivement. Puisque la mère est une d'Alakani et la mère, c'est une fille de Peace Royal, lauréate du groupe 3, le Schwarzgold Rennen, qui rend hommage à une grande souche, à une grande matrone de l'élevage allemand, Schwarzgold, or noir. Il y a dans la famille, il y a aussi Peace in Motion, Peace Society, enfin plein de bons chevaux. Loman a un étalon qu'on ne présente plus, qui a toujours fait des beaux chevaux, et en l'occurrence celui-ci en fait partie, il est à 45 000 euros. À 45 000 euros, l'enchère pour vous, Geoffroy. À 45 000 euros, Laetitia, je ne vous entends plus. Rien au restaurant, ni à gauche. Le marteau peut se lever. À 45 000 euros, Geoffroy, votre enchère. Fini, Laetitia. À 45 000. On a dû, Geoffroy, 45 000. Merci. MC Thoroughbreds présente le numéro 88. Une pouliche B née le 5 mai par Fulbright et Pinewood. 45 000 euros. La petite fille d'Excel. Pour le lot précédent, le fils de Loman. Père de père, super père. Ah, c'est Arnaud Lerêtre qui signe le bulletin. La sœur de Dante Dandy. Et maintenant, on va passer à MC Mike Lee. MC Thoroughbred qui nous présente une fille de Fulbright, étalon que personnellement je ne connais pas. La mère est par Indian Ridge, qu'on connaît beaucoup mieux, un cheval qui s'est fait tout seul, Indian Ridge, qui a commencé un peu dans le ventre mou, ça c'était les années 80, dans le ventre mou du parc étalon irlandais, et qui est devenu un grand améliorateur. La mère Pinewoods Lily, elle a donné naissance à Dainty Dandy, pas facile à prononcer, troisième des Princess Margaret Stakes, groupe 3 à Royal Ascot. 3000 euros, very good Breeze yesterday, à 3000 euros, 3 à 3000 euros. Un cheval qui a fait un bon Breeze yesterday. 3 à 4000, Mary Indian Ridge 4000, à 5000 euros, à 5000 euros. First 2-year-old in front of us, à 6000 euros, à 6000 euros, 5000 euros. À 6 000 euros, qui m'appelle à 6 000, j'ai 5 000. À 6 000 euros, qui m'appelle, j'ai 5 000. À 5 000 euros seulement, Geoffroy, 5 000 euros. Qui m'appelle ?
Les premiers deux ans devant nous de Fulbright à 6 000. À 6 000 euros, je maintenant 6 000, 6 000 euros. À 6 000 euros, maintenant 6 000 euros. En gagnant de lycée à 2 ans, le cheval, le père. À 6 000 euros, je maintenant 6 000, 6 000, 6 000 euros. Gagnant de groupe 2 à 3 ans. Very 2-year-old colt à 3. À, Philly, sorry. À 6 000 euros, c'est bien vu, à 6 000 euros. C'est Geoffroy, votre enchère. Rien en face, ni à gauche. 6 000 euros, Geoffroy, pour vous et contre vous. À 6 000 euros, 7 000, first bidder, 7 000. À 7 000 euros, j'ai maintenant 7 000 euros, 8 si vous voulez. À 7 000 euros pour aller à 10 si vous voulez. À 7 000 euros, 7 000, we are now. À 7 000 euros seulement, c'est bien vu. La petite fille de Dixie dans l'Excel, 8 000. Mère Indian Rich, vitesse sur vitesse ici, à 8 000. 8 000 euros maintenant, 8 000, 8 000 euros, 10 si vous voulez, 10 000. 10 000, we are. À 10 000 euros, la mère, la sœur de Black Type ici, à 10 000 euros. À 10 000 euros pour aller à 12 si vous voulez. À 10 000 euros, c'est bien vu, pas de regret ni part. À 10 000, c'est Geoffroy, votre enchère. Essayez 12, 11. À 11 000, 12. 12, we are now. À 12 000 euros. À 12 000 euros, je mets l'enchère de 12 000 euros, bien vu. À 12 000 euros, excellent Excel. À 12 000 euros. À 12 000 euros, l'enchère était avec vous. La première génération de Fulbright. 13 000. 13 000 euros. 15. 14, 15. Je vous laisse faire 14, 14, essayez 15 tout de suite. Un gagnant des Challenge Stakes, épreuve sur 1400 mètres en Angleterre. C'est bien vu, le dernier rappel, 14 000, 14 000. Dixie d'Excel avec une on peut se lever, alors on essaye mère par Ferry King. Cheval de course à 9 victoires, il avait commencé sa carrière en Angleterre, il l'a poursuivi à Dubaï. 15, we are. 15 000 euros, on est à 15 000, j'ai maintenant 15 000, à 15 000. À 15 000 euros, le marteau peut se lever, alors à 15 000, 15, 16 000. 16 000 euros, j'ai l'enchère de 16 000, à 16 000, à 16 000. À 16 000 euros, c'est bien vu, pas le regret nulle part. À 16 000 euros, le marteau peut se lever. Exit dans l'Excel, Indian Ridge, demi-serre de Black Type. À 15 000 euros, le marteau se lève. À 15 000 euros, on a du Geoffroy, 15 000, merci. Et c'est vendu à 15 000 euros. 9 est absent. Place donc au 90. Sarah de Saint-Arnoux nous présentera Yuli. Un mâle B, né le 13 mars, un fils de Somerabind et Raouia. Sébastien Le Forban, merci. Sébastien Le Forban qui achète l'eau précédent à 15 000 euros. Typique de Chamarlal ici, le poulain qui se présente. Alors, on voit ici travailler le 90, un fils de Somerabind qui a encore fait un gagnant avant-hier. Après, ça va. Après avoir réussi une superbe saison de 2018 avec ses premiers deux ans, Omer Aben qui fait la monte au rat de Saint-Arnoux, fils de Chamardal, donc le rat de Saint-Arnoux qui nous propose son fils ici. Royoli, Omer Aben de la mère par Medagliadoro. Père de mère de plusieurs gagnants de groupe 1. Solide poulain ici, nice cold, strong. Souche américaine, il y a même eu des chevaux qui sont illustrés au Brésil dans cette famille. Allez-y, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, Omer Aben, Chamardal, 10 000 euros. Pardon, 10 000 euros, 5, 5, qui débute 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros qui m'appelle pour 5 000 euros, seulement 5 000 euros. À 5 000 euros, bien sûr, à 5 000, Geoffroy, 5 000 euros, Somerabind, Chamardal, 5 000 euros, 5 000 euros, 6, j'ai maintenant 6, voilà 10. 6 000 euros, 6 000, 6 000 euros, j'ai maintenant 6 000, 6 000 euros. À 6 000 euros, le père de Greenview, à 6 000 euros, c'est bien vu, Storm Katie, à 6 000 euros, seulement 6 000, 6 000 euros. À 6 000 euros, Prince Almet, à 6 000, 8 000, non, 8 000, 8 000 euros, 8 000, 8 000. 10 000, j'ai 10 000 euros maintenant, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros l'enchère de 10 000 à 10 000 à 12, 12 maintenant 12 000, 12 000, 12 000 maintenant 12 000. 12 000 euros à 12 000 à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. À 12 000 euros, à 12 000 euros l'enchère à 12 000, à 12 000, à 12 000. À 12 000 euros pour vous, 15, 15, 15, j'ai maintenant 15 000 à 15 000. À 15 000 euros Geoffroy, 15 000 à 15 000. À 15 000 euros l'enchère de 15 000, 15 000, maintenant 18 000 mélangés, maintenant 18 000, 18 000 euros. Pour aller à 20, à 18 000 euros, j'ai maintenant 18 000 euros, Summer Raven, 18 000. 20, 20 000, we are. À 20 000 euros maintenant, 20 000, 20 000, 20 000 euros, j'ai l'enchère de 20 000, 20 000 euros maintenant, qui godine les enchères de 20 000. À 20 000 euros, le fils de Somerabind à 20 000, à 20 000, McGilly Adoro derrière Kim Mambo, seulement le deuxième produit de la mer, à 20 000 euros seulement. À 20 000 euros, le père de Princesse Almed, Storm Katie, à 20 000 euros, Green View, à 20 000 euros l'enchère, c'est bien vu, pas d'erreur, Geoffroy, pour vous et contre vous. 20 000 euros pour ce bon poulain de Somerabind. 20 000 euros, dernier appel, dernière chance. La descendance de Midway Lady, hein, gagnante du prix Marcel Boussac et des Oaks, et des Mille Guinées. Formidable championne, c'est la quatrième mère. Geoffroy, votre enchère à 20 000 euros. Voilà un poulain qui rentre typiquement dans le... On a dit, 20 000 Geoffroy, merci. Dans le profil de ce marché intermédiaire.
Dosarus, marché intermédiaire, on peut quand même atteindre les 90, 75 et 60 000 euros. C'est les trois top price et 92 de la journée. Place au 93. Et non, pas Frédéric Rossi. Nicolas Bertrand de Balanda qui signe le bulletin pour le 90. Nathaniel et Rimarien. Donc en l'absence des 91 et 92, on va arriver au 93. L'antépénultième lot du catalogue. Une fille de Nathaniel, le père de Nebel. Et Rimarien. Présenté par l'écurie la Rimarien, c'est un nom un peu pas très facile à porter, mais Rimarien. Traité un ulcère sur la langue, fait pour servir et valoir ce que de droit. Monsieur Frédéric Rossi. Un ulcère sur la langue. Bon. Et donc Rimarien a réussi malgré ça à gagner à 2 ans et a pris 30 000 euros. Elle était deuxième du prix de la Vallée d'Auge. Très bonne épreuve pour les 2 ans. Gagnante à 2 ans, la mère a plus de 30 000 euros de gains. La mère par Amadeus Wolf. Qui a déjà produit un vainqueur en seulement 3 en âge de courir. La famille de Al-Jazi. À combien des donc Rimarien, elle a donné Sofia, une Kila Kik, qui a gagné 4 courses. 10 000 euros, la mère. Et c'est la nièce de Al-Jazi. Le double lauréat des Oak Tree Stakes. 3. Allez-y, 10 000, 10 000 euros, qui débute 10 000, 10 000 euros, qui continue les enchères, 10 000, 10 000 euros, 5 000 euros. 5 000 euros, la petite fille de Galiléo, 5 000 euros. Ah, 5 000 euros, qui m'appelle Laurent 3 000, non, à 3 000, à 3 000 euros, Guilou 3, merci, 3, 4, 4, c'est la même, 5 maintenant, 5 000, à 5 000 euros, mon enchère à la tribune, à 5 000, en bas à droite, à 5 000, à 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, j'ai l'enchère à 6, 6, 8 000 euros maintenant, 8 000 euros, 8 000 euros, à 10 000 euros, 10 000 euros, à 10 000 euros, 12, 12 maintenant, et Nibble, à 12 000 euros, 12 000, 12 000 euros, 12 000, 12 000, 12 000 euros, 12 000, Galilo fait à 12 000, à 12 000, à 12 000 euros, Nathanael à 12 000, Dalmil, à 12 000 euros seulement, à 12 000, Geoffroy, votre enchère à 12 000, we are, Black Nightmare, à 12 000 euros, j'ai l'enchère à 12 000, à 12 000, à 12 000. À 12 000 euros seulement, à 12 000, la famille de Lily of the Valley, à 12 000, à 12 000, Bola Paris, à 12 000 euros, 15, 15, j'ai maintenant 15 000, we are at 15 000, à 15 000, Nathaniel, 13, 13. 13 000 euros l'enchère de 15 000 euros, 15, 15 000 euros, 15. À 15 000 euros l'enchère de 15 000 euros, 15 000, 15 000. À 15 000 euros l'enchère de 15 000, j'ai maintenant 15 000, Enable 15 000. À 15 000 euros l'enchère de 15 000, 15 000. À 15 000 euros seulement, à 15 000. À 15 000 euros l'enchère de... Geoffroy, pardon, à 15 000 euros, l'enchère est là, à 15 000. Fini à gauche, rien en face. À 15 000 euros seulement, à 15 000. À 15 000, à 15 000 euros, l'enchère est à droite pour vous, Geoffroy, à 15 000. 15 000, Nathaniel, à 15 000 euros, c'est bien vu, le père d'Enable. 16 000. 16 000, à l'avant-dernier numéro du catalogue. L'antépénultième, pardon. À 16 000 euros, 18 000. Ça monte. 18 000 euros pour aller à 20. À 18 000 euros, j'ai l'enchère à 18 000 euros. C'est quand même une Nathaniel, hein. Présenté par Jennifer Pardano, l'écurie La Freinée. Essayez 20 tout de suite. Geoffroy, essayez 20. À 20 000 euros qui continuent les enchères, 18 000, j'ai 18 000 pour aller à 20. À 18 000 euros, Geoffroy, votre enchère. À 18 000 euros, le marteau se lève, dernier appel. À 18 000 euros. On a juge. 18 000, Geoffroy, merci. Le numéro 94 est présenté par MC Torque Brits. 18 000 euros, c'est vendu. En poulain B, né le 27 mars, par Rio de la Plata et Romantic Notion. Et c'est Aliette Forien qui signe le bulletin de la pouliche à 18 000 euros. Tiens donc. Rio de la Plata, le petit-fils de... Avant-dernier lot du catalogue. Rio de la Plata, un mâle. Et Romantic Notion, la mère. Déjà deux vainqueurs dans sa poche. Qui nous est présenté par MC Thoroughbred. La fille de Rio de la Plata qui se présente. Romantic Motion, la mère, a été de Black Type. Deuxième des Silver Flash. Un listod. Del Rio, Nisco, Yoctium, Thaïs. Allez-y, 10 000, 10 000 euros. Qui m'appelle 10 000 euros. 10 000 euros, le petit-fils de Raï. Rio de la Plata, 15, 15, 10 000 euros, 10 000 euros, 5 000. Et elle a fait deux vainqueurs, Léfarde et Romantique Pur. 3 000 euros. À 3 000 euros, Rio de la Plata, 3 000. A very good breeze yesterday, à 3 000 euros, à 3 000 euros, qui débarque à 3 000, à 3 000, 3 000 euros, qui a fait un beau travail hier à la breeze up, à 3 000 euros, à 3 000 euros, 3 à 3, qui débute 3, j'ai merci, 3 000, à 3 000 euros, Geoffroy, votre enchère de 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, c'est bien vu, à 3 000, j'ai 3 mères et une mère blood type, à 3 000, à 3 000 euros, very two-year-old cold here, à 4 000 euros, à 4 000 euros maintenant, un cheval qui va être vite prêt ici à 4 000, à 5 000 euros, 5 000 euros tout de même à 5 000, Rio de la Plata à 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, à 5 000, à 5 000 euros, l'enchère est à droite à 5 000 pour vous, Geoffroy, fini au restaurant,
à 5 000 euros, l'enchère est à droite, à 5 000, à 5 000, 5 000 euros, bien vu, 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, 6 000, 6 000, j'ai maintenant 6 000. À 6 000 euros, maintenant 6 000 euros, 6 000, 6 000 euros, 7 000, 7 000 euros. À 7 000 euros, l'enchère de 7 000, bien vu, à 7 000, à 7 000. À 7 000 euros, l'enchère de 7 000, plus vous au restaurant, j'ai 7 000 avec Geoffroy. À 7 000 euros pour Aladdin, si vous le voulez. C'est un beau poulain sérieux, hein. A serious cold here. À 7 000 euros, c'est bien vu. À 7 000 euros, il est. À 7 000 euros, un poulain qui a les primes en plus, qui est FR. À 7 000 euros, c'est bien vu. 10, 10, maintenant 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros, Geoffroy, 10 000, 10 000 euros, maintenant 8, 8, 8, 9, 9, 9, alors. À 9 000, 9 000 euros, 9 000, 8. Vous allez vous faire piquer. Voilà, 10. 10, j'avais dit. À 10 000, à 10 000 euros. À 10 000 euros, j'ai maintenant 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 12 si vous voulez. À 10 000 euros, j'ai l'enchère de 10 000 euros, 12 si vous voulez, pour l'emmener à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère est là, bien vu. Dernier appel, last call, 10,000. À 10 000 euros pour le Rio de la Plata. À 10 000 euros, bien vu. Fresh bidder, 12,000. Ah, fresh bidder. Nouvel enchérisseur. Que fait-on, Geoffroy? J'ai 10, 12, 15. 15. Ah, on réagit. 15, we are. À 15 000 euros l'enchère de 15 000, à 15 000. À 15 000 euros l'enchère, on est là à 15 000 pour aller à 18, si vous les voulez. À 15 000 euros, que fait-on? 18. Try for 18, please. À 15 000 euros l'enchère est à droite, c'est fini. Last chance, 15 000 euros, le marteau se lève. Rio de la Plata. Black Type Mare, 15,000 we are, à 15 000 euros. On a juge, 15 000 Geoffroy, merci. Et pour allez, clôturer le on arrive au dernier lot du catalogue. 15, présenté par Pascal Rue Blanche. Bayer, Rue Blanche, Pascal Beyer. Elle est née le 10 juin par Moswell. Une pouliche née le 10 juin par Moswell. On va voir travailler ici. Merci beaucoup. La mère est par Barry et la grand-mère, Flying Poker Chip, a gagné les Flying Childer Stakes, groupe 2. La paire entre autres des Atright. Le père était un fameux sprinter, Moswell. Il fait la monte dans le Tarn aujourd'hui. Bon pédigré ici, mère déjà d'un vainqueur en seulement 3 produits. À combien débutons la fille? La dernière chance d'acquérir une 2 ans devant vous. Mère par Bayer, allez-y, 10 000, 10 000. Premier produit de la mer, River Plate par Kamsin, a gagné 2 courses 3 000, 3 000 en France et 40 000 euros de gains. 3 000 euros, qui débute l'enchère de 3 000. 3 000 euros qui m'appelle, 3 000, 3 000 euros qui prend l'enchère de 3 000 à 3 000. À 3 000, 3G, merci, 3 000 euros. À 3 000 euros, maintenant, Laetitia, votre enchère de 3 000, une enchère. 3 000 euros, Mosvalet à 3 000, à 3 000. 3 000 euros l'enchère de 3 000 à 3 000, 3 à 3, j'ai maintenant 3 000 à 3 000, à 3 000. 3 000 euros l'enchère de 3 000 à 3 000. 3 000 euros, c'est bien vu votre enchère de 3 000, pas d'erreur. À 3 000 euros, bien vu cette fois-ci à 3 000. À 3 000 euros, pas le regret nulle part, à 3 000. À 3 000 euros seulement, une seule enchère. Last call, 3,000 we are. À 3 000 euros, Mosval. À 3 000 euros, bien vu. Votre enchère, Laetitia. Rien à gauche, plus vous, Geoffroy. À 3 000 euros. On a dû, 3 000 Laetitia, merci. 3 000 euros, c'est pas facile de vendre des Mosvel. Alors, Emmanuel Viau va conclure. Merci. Mesdames, messieurs, et je vais en profiter merci. Pour aller le voir. Il s'agissait là du dernier numéro de la vacation. Merci pour votre activité tout au long de l'après-midi. Nous vous donnons rendez-vous à Argentan pour la prochaine vente, en l'occurrence une vente de trotteur, la vente de la famille Roussel le 25 avril sur l'hippodrome d'Argentan. Et donc début septembre pour la traditionnelle vente de Yearling sélectionnée, les tout premiers jours de donc la première semaine de septembre. Merci, bonne fin de journée et bon retour. Et bonne chance avec vos achats. Emmanuel qui va nous dire un petit mot à chaud comme d'habitude. Je le prends toujours à chaud, sans qu'il n'ait eu encore connaissance des résultats, sans filet. Attention, il y a une marche. Le temps de regarder tes résultats. Bon, il y a eu des prix. Hein. Il y a eu des prix 90, 60, 57, 55, 50 000. Alors, on n'a pas fait le compte, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus de chevaux à plus de 40 000 que d'habitude, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, comme tu dis justement, on va peaufiner les résultats. Mais bon, il y avait de l'activité sur les chevaux, on va dire de qualité supérieure. Plusieurs personnes sur ces poulains-là. Un peu plus compliqué pour le marché du dessous, on va dire. Comme d'habitude, exactement. Bon, c'est pour ne pas dire la phrase de à chaque fois, le marché est très sélectif.
Mais non, on est dans le... C'est un peu ce qu'on tablait. On tablait sur les chiffres à peu près identiques de l'an dernier. Je crois qu'on est à peu près sur ces paramètres-là. Un petit peu moins en termes de chiffre global. Je pense qu'on n'est pas sur le million, mais pas loin. Avec une moyenne qui est à peu près identique. On doit être à 22 000 de moyenne. Bon voilà, il faut que je regarde le pourcentage de vendus, je ne l'ai pas sous les yeux. Voilà, une activité dans un contexte pas des plus positifs, un marché qui se tient. Ouais. Effectivement, alors la plupart des acheteurs que j'ai interviewés, donc dans les plus gros prix, m'ont tous dit c'est pas pour courir tout de suite, mais l'intérêt c'est de les voir évoluer. Donc est-ce à dire qu'en fait les présentateurs ne doivent pas forcément trop allumer entre guillemets leurs chevaux, parce qu'en fait les acheteurs sont là pour courir un peu plus tard dans la saison? Ben, on l'a vu avec les poulains qui ont performé cette année, parce qu'on a quelques poulains qui ont eu une perf ou deux à deux ans fin d'année. Et quand on voit Véronési qui est placé de la force, bon, il avait que deux sorties l'an dernier dans le sud-est. Gritty qui est chez Christophe, qui est pareil, qui est un poulain en devenir cette année. Et l'autre, donc l'idée c'est pas forcément. Alors paradoxalement, on avait fait aussi un poulain qui avait gagné deux semaines après la brise up l'année dernière. Enfin une pouliche en l'occurrence, mais c'est pas forcément voilà l'idée d'avoir un deux ans ultra précoce. On veut vraiment donner l'image d'une vente où les poulains sont amenés de façon saine, calme et exactement pour faire soit des deux ans milieu fin d'année ou soit des bons trois ans. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Prochain rendez-vous donc au trotteur. Alors le trotteur le 25 avril, la vente de la famille Roussel sur les prolomes d'Argentan. Il y a 45 numéros, vraiment un catalogue solide. Et puis en ce qui concerne les pur sang, ben, maintenant c'est septembre ici, première semaine de septembre. Voilà, les sélections ont déjà commencé mais vont s'intensifier jusqu'à mi-juin. Merci, bon vent. Merci. Merci à vous et à très bientôt pour de nombreux rendez-vous. Il y a encore plein de choses qui vont se passer dès demain. Le bilan de cette vente avec les vidéos, avec les photos, enfin tout ce qu'il y a. Et puis encore plein de surprises. Ciao, au revoir.